Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live, la première de l'année 2024 en l'occurrence. Alors je profite du coup de cette occasion pour vous adresser mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une très bonne année 2024, la santé, le meilleur pour vous-même, pour votre famille, pour vos proches, dans vos projets personnels, professionnels, enfin voilà, vous l'aurez compris, le meilleur pour vous, quels que soient encore une fois vos projets, vos ambitions, vos bonnes résolutions pour cette année 2024. Alors moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission en live, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le sujet de ce soir me captive et je suis très content de pouvoir en parler avec vous, mais également pour vous parler un petit peu de certains projets qui sont en gestation depuis quelques mois et qui vont bientôt se concrétiser en l'occurrence, et aussi vous pardonner quelques petites difficultés que j'ai eues ces trois derniers mois, donc d'où mon absence ou ma présence moindre, on va dire, sur les réseaux sociaux ces temps-ci, d'où tout un tas de petites difficultés personnelles, professionnelles aussi dans une certaine mesure. Voilà, donc tout un tas de petites choses, rien de dramatique en soi, bien entendu, mais voilà, c'est juste pour vous faire un petit retour des choses, vous tenir au courant des évolutions. Alors, on va parler un petit peu de tous les projets futurs, mais ça, j'en parlerai un petit peu en fin d'émission. Pour le moment, on va se concentrer sur notre sujet. Alors, pour dresser un petit peu le portrait de l'émission qui nous attend, on va parler donc... L'émission s'appelle « Archéologie interdite », avec comme sous-titre donc « Histoire vs ésotérisme ». Et sous-entendu, y a-t-il un dialogue possible? Y a-t-il une confrontation absolue entre ces deux domaines? Y a-t-il des réconciliations? Y a-t-il des ponts, des ententes et tout un tas d'autres choses? Alors cette série d'émissions donc de mise à jour, « L'archéologie interdite, la mise à jour », c'est la quatrième émission. La première a eu lieu en 2018, une émission où j'avais principalement corrigé mes erreurs ou mes approximations dans des vidéos plus anciennes, donc voilà, afin de rectifier le tir, corriger au fur et à mesure, suivant les données archéologiques, suivant ma connaissance, évidemment, je ne connais pas tout, et donc au gré de mon acquisition de connaissances, parfois je peux réviser certains de mes propos, corriger certaines informations, améliorer, parfois aussi, surtout améliorer autant que possible, bien évidemment, puisque l'histoire est une matière vivante, hein, donc évidemment, les connaissances que nous avons à l'instant T aujourd'hui ne seront pas forcément les connaissances que nous aurons dans un autre jour, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 50 ans, etc. Ce qui est valable pour moi est valable évidemment pour vous et évidemment pour toute la communauté scientifique, des chercheurs officiels ou alternatifs, si l'on peut dire. Donc, d'où l'importance de ces vidéos de mise à jour. La deuxième émission a eu lieu en 2020, donc 2 ans plus tard, rendez-vous tous les 2 ans, où j'avais plus profité de cette émission, donc pour plutôt vous partager des outils méthodologiques, faire un petit peu le portrait de l'archéologie officielle, archéologie alternative, pour pouvoir s'y retrouver un petit peu tout en vous partageant mon parcours. La troisième émission, en 2022, donc il y a 2 ans, avait pour ambition, au-delà de partager les outils méthodologiques, de vous dresser un petit peu un portrait de nos connaissances sur l'histoire des civilisations anciennes. Voilà, donc c'était vraiment une carte, une vue d'ensemble, si l'on peut dire, une cartographie de ce qui se passait dans le monde suivant les époques. Donc en gros, qu'est-ce qui se passait en Grèce antique et au même moment, qu'est-ce qui se passait en Amérique, par exemple, faire un petit peu un pont afin d'y voir plus clair. Parce que souvent, on a une vision de l'histoire, une vision chronologique de l'histoire qui est souvent monocentrée par rapport à nos standards en Occident, mais par exemple en Asie, ils ont d'autres standards, en Afrique, ils ont d'autres standards, en Amérique aussi, etc. Donc ça permettait de faire un petit peu le pont avec tout ça. Donc évidemment, il ne s'agit pas seulement de corriger mes approximations du passé, puisque la plupart d'entre elles ont été corrigées, et s'il y en a de nouvelles, je les corrigerai bien entendu, mais il s'agit aussi de donner des outils afin de partager ces méthodes, afin que vous-même puissiez faire vos recherches dans de bonnes conditions, si je puis dire. Et donc l'émission de ce jour va continuer un petit peu sur cette lancée, on va bel et bien parler d'histoire, d'archéologie et d'ésotérisme pour le coup, et on va essayer de comprendre pourquoi ces matières ont des difficultés à s'entendre, pourquoi les historiens regardent d'un mauvais œil les adeptes de l'ésotérisme qui veulent parler d'histoire, et d'un autre côté, pourquoi les adeptes de l'ésotérisme voient d'un mauvais œil les historiens et les archéologues qu'ils considèrent comme étant les gardiens d'une sorte d'histoire officielle qu'ils ne voudraient surtout pas ébranler. Donc voilà, on va voir un petit peu ces deux côtés et tenter de les réconcilier. Voilà. Clairement, hein, ne nous le cachons pas, j'ai pour ambition dans cette émission de réconcilier ces deux matières. Alors, certains vont vous dire c'est très ambitieux, voire c'est totalement utopique, mais déjà c'est ce que je tente d'appliquer à moi-même et je vais tenter de vous partager
pourquoi cela me semble la seule voie intéressante, qui est le mariage entre les domaines historiques, enfin, domaines scientifiques, les méthodes scientifiques, et aussi une approche ésotérique dans une certaine mesure. Alors il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant les données ésotériques et tous les délires possibles dans le domaine, il s'agit simplement d'établir un dialogue qui permet de grandir et qui permet d'avancer. Je pense que vous aurez compris l'idée. J'en profite, un grand merci tout particulier aux modérateurs qui sont là, toujours au rendez-vous, Miyoung, Le Liange et Jaya, fidèles au poste, toujours un grand merci à vous pour votre soutien sur le chat qui permet de garder cet espace sain et de bon augure pour les discussions. D'ailleurs, dans le chat, vous pouvez bien évidemment parler de tout ce que vous avez envie, essayez de vous tenir correctement autant que faire se peut, vous avez le droit d'être en désaccord, d'exprimer vos points de vue, mais rappelez-vous cet adage, si vous commencez à vous insulter, eh bien en général, celui qui insulte, c'est qu'il n'a plus d'arguments pour discuter. Donc en général, eh bien voilà, vous aurez compris l'idée. Alors, on va directement entrer au cœur de cette émission, je vous partage le plan de cette conférence. Alors, tout d'abord une petite introduction avec cet adage, on nous cache tout. Phrase que l'on entend parfois venant de certains chercheurs alternatifs qui disent « on nous cache tout, les scientifiques, les historiens, les archéologues, les politiciens et autres personnages de l'État nous cachent des informations sur notre passé, il y aurait une véritable histoire qui est dissimulée sciemment dans un grand complot mondial ». Ensuite, au-delà de cette introduction, on va parler en partie 1 donc de l'histoire occulte de l'humanité, c'est-à-dire qu'on va en gros, si vous voulez, essayer de présenter qu'est-ce que les adeptes de l'ésotérisme proposent en fait comme nouvelle histoire, comme cette histoire cachée de l'humanité, cette autre histoire. On va voir un petit peu quels sont leurs points d'accroche et quels sont les éléments qu'on a à mettre dedans, bien évidemment. Alors là, c'est sans parti pris, il ne s'agit pas de dire si c'est vrai ou faux, bien évidemment, c'est simplement de tenter de se mettre à leur place et de dire qu'est-ce qu'ils proposent, grosso modo. Ensuite, on va, en deuxième partie, aborder un point de vue un peu plus critique. Cette fois-ci, on va parler des dissonances et des problématiques de cette histoire occulte de l'humanité. Qu'est-ce qui cloche? Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui ne correspond pas aux données que l'on possède? Et puis surtout, quels sont les gros biais méthodologiques, les gros biais idéologiques et tout ce qui cloche? Vous l'aurez compris dans cette deuxième partie, avec pas mal d'exemples. Et puis, on fera aussi, dans cette deuxième partie, une autocritique aussi du côté scientifique d'une certaine mesure, qui lui aussi peut avoir, dans une certaine mesure, certains biais, et être fermé à certains sujets, en l'occurrence, fermé à l'évolution, si je puis dire. Ensuite, en troisième partie, on parlera justement de cette réconciliation possible, et même des convergences qui existent entre le domaine de l'histoire et le domaine complexe et très large, vous l'aurez compris, de l'ésotérisme. Et puis, une petite conclusion personnelle, les chaînes de l'ignorance, comment les briser? Quelques conseils de lecture pour la fin et quelques annonces. On parlera un petit peu des projets et de tout ce qui est à venir. Voilà. Donc, cette émission devrait nous occuper un bon 2h30, peut-être même 3h. Bien évidemment, je prendrai vos questions au fur et à mesure de l'émission, alors au moment des interludes des parties, et puis on tentera d'y voir un petit peu plus clair. Alors, autre petite chose, oui, enfin, je ne brûle pas les étapes, je vais vous expliquer tout ça. Alors, tout d'abord, donc, introduction, on nous cache tout, un adage que l'on entend parfois. Depuis toujours, il est vrai, l'humanité est poussée par une quête incessante de connaissances. C'est mon cas, et c'est probablement votre cas. Nous cherchons à dévoiler les secrets de notre passé. Mais que se passe-t-il lorsque les récits historiques établis entrent en collision avec les enseignements religieux et, de façon plus récente, avec les enseignements ésotériques ou les nouvelles spiritualités? Pourquoi cette dichotomie existe-t-elle? Y a-t-il des éléments de vérité dans les récits ésotériques, souvent marginalisés par l'histoire académique? Ou alors sommes-nous simplement fascinés par l'idée des mystères non résolus et des connaissances qui seraient cachées? Alors, tout d'abord, sortons un petit peu d'un fantasme, l'idée du « on nous cache tout ». Pour qu'on nous cache tout, il faudrait qu'il y ait un complot pour nous cacher des choses. Celui-ci, pris en première lecture, est incohérent sur le plan global. C'est-à-dire que pour qu'on nous cache tout, il faudrait que tous les historiens, tous les archéologues, tous les auteurs de bouquins, tous les académiciens, tous ceux qui dirigent l'enseignement et tout un tas d'autres choses, se mettent d'accord, se coordonnent à l'échelle mondiale pour pouvoir établir ce mensonge, cette histoire transformée qu'on nous sert sur un plateau et qu'on fait gober à toute humanité docile comme des moutons. C'est la théorie du grand complot mondial.
Pour plus d'informations, je vous renvoie à mon émission de décembre dernier avec Jean-Pierre Monteil, où on étudiait cette théorie, cette hypothèse du grand complot mondial. Donc maintenant, quittons un petit peu ce grand complot pour revenir à quelque chose de plus concret. Est-ce que tous les historiens, archéologues et tout surtout les idéologues de l'éducation sont tout à fait neutres, sont parfaitement bienveillants, ne font jamais d'erreur et nous divulgueraient une histoire parfaitement lissée, tout à fait conforme, sans aucune idéologie, sans aucun parti pris? Évidemment que non. Évidemment que non. Les individus, vous, moi, l'historien, les archéologues et autres idéologues sont des humains avec des idées et la neutralité absolue n'existe pas. On tend à la neutralité pour être objectif, mais évidemment celle-ci ne peut jamais être parfaite. D'où le fait de discuter, d'échanger des informations, de partager et de se faire contrôler par des pairs afin de tenter d'améliorer. Donc il est évident que l'histoire qu'on va appeler académique n'est pas parfaite. Il y a des erreurs. Peut-être des erreurs qu'on ignore aujourd'hui et qu'on découvrira demain, dans 10 ans, dans 50 ans. Il y a 50 ans de cela, dans le passé, il y avait des éléments qui étaient considérés comme des consensus historiques, les gens étaient à peu près d'accord, et puis de nouvelles informations, de nouveaux éléments ont permis de rectifier ces éléments historiques, de les corriger, et donc d'aboutir à d'autres vérités, entre parenthèses. Donc l'histoire est une matière vivante. Ensuite, ça c'est au niveau de la recherche. Ensuite, que dans un cadre éducatif, dans un pays donné, dans un moment donné, le fait qu'il y ait une manipulation de l'information historique qui est servie dans un cadre éducatif afin de formater des citoyens pour qu'ils soient conformes à la pensée dominante d'une société, ceci est vrai. Cela existait dans toutes les sociétés, c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 30 ans, c'était vrai il y a 100 ans, c'était vrai il y a 1000 ans, et ce sera probablement vrai demain. Évidemment que quand une histoire est vulgarisée et donnée à tout le monde, elle va être orientée suivant un point de vue. Celui-ci peut être évidemment différent et vous convenir ou ne pas vous convenir suivant les situations. Donc le concept de « on nous cache tout » est en fait beaucoup trop simpliste. Est-ce qu'on nous cache des choses? Eh bien, c'est pas tellement ça. C'est plutôt qu'on nous donne une information avec des filtres qui est plus ou moins conforme au modèle social, au modèle à vous-même, et vous avez compris la joyeuse cacophonie que cela peut provoquer. Donc, est-ce qu'on nous cache tout? Eh bien, probablement pas. Est-ce qu'on nous cache des choses? Cela peut arriver dans certains cas, évidemment. Alors, je prends un exemple qui est actuel et qui illustre cette problématique. Très récemment, je discutais encore avec un ami, et puis avec quelques auditeurs, qui m'écrivaient « Tu as vu, Ludovic, il y a un nouveau site en Turquie qui a été découvert. Il est aussi vieux que Göbekli Tepe. Il date de 12 000 ans. Il date de 12 000 ans. C'est tout nouveau. Ça ébranle toute l'histoire de l'humanité. » Non, ça ébranle pas du tout toute l'histoire de l'humanité. Ça permet de réviser notre connaissance de l'histoire de l'humanité. De plus, ce fameux site, Karahan Tepe, qui est pas très loin de Göbekli Tepe, eh bien on le connaît depuis 1998. Ce n'est pas du tout une découverte récente. C'est simplement que le site a été découvert, il y a eu des études, des recherches et tout un tas d'autres choses. Et le temps du travail historique et archéologique, eh bien ça prend 30 ans et puis ça finit par arriver dans le web 2.0 et tout le monde s'empare du sujet. En fait, ce site est connu depuis très longtemps et étudié depuis très longtemps. Donc il n'y a rien de cataclysmique, c'est des informations supplémentaires pour une étude plus objective de l'histoire. Donc est-ce qu'on nous cache tout? Eh bien, ça serait très difficile de tout nous cacher, ou du moins, ça ne marche pas visiblement, puisque tout le monde a le droit de chercher, tout le monde peut faire ses recherches, et l'idée du grand complot mondial avec une uniformisation du secret était quand même assez difficilement défendable, on va dire. En revanche, qu'il y ait des malveillances et une histoire transformée et adaptée avec une sauce bien huilée donnée à des individus dans un cadre donné, ça, c'est certain, évidemment. Allons un petit peu plus loin. Maintenant, il y a aujourd'hui sur Internet de nombreux documentaires, de nombreux livres, de nombreuses émissions, de nombreux chercheurs alternatifs qui proposent leurs travaux. Ces travaux sont séduisants, ils mettent en accent tout un tas de curiosités, tout un tas d'éléments difficilement explicables aux yeux de l'humanité, proposent leurs travaux, et c'est tout à fait leur choix. Donc voici quelques images et quelques documentaires parmi les plus connus que vous avez très probablement vus. Certains vous ont peut-être inspiré, certains vous ont questionné, ça a été mon cas dans une certaine mesure. Mais est-ce que ces documentaires donnent une vérité totalement absolue? Alors on va tout de suite mettre une petite difficulté. Un documentaire de 2 heures, type la révélation des pyramides,
En script écrit, en texte, ça représente grosso modo 20 pages. 20 pages de texte. À la vitesse où ça va, à la vitesse où il parle, avec les transitions, les petites questions, etc., 20 pages. Quand je produis un script pour une vidéo de 40 minutes où je parle en continu, ça peut considérer à peu près 12-13 pages, pour vous faire une idée, à peu près, grosso modo. Donc vous aurez compris qu'exporter une révélation sur toute l'histoire de l'humanité passée en un script de 12 ou 24 pages, ou 25 pages, ou même 40, c'est très très sommaire. Un livre, ça fait en moyenne entre 250 et 500 pages. Donc forcément, il y a plus d'informations dans les livres. Un documentaire ne reste qu'une porte d'entrée, une vulgarisation d'un sujet complexe, et donc n'est qu'une ébauche du problème. Donc ces documentaires ne peuvent, dans tous les cas, apporter une vérité tout à fait entière. Ils ouvrent des portes de réflexion. Certains ont été débunkés, certains ont des erreurs grossières, certains montrent des curiosités avec un soupçon un peu mystère, un peu grandiloquent, si l'on peut dire. Mais pourtant, si on cherche bien, si on prend le temps de la recherche, on s'aperçoit que certaines données sont explicables. Donc, ces documentaires sont habituellement considérés comme des pseudo-documentaires donnant une histoire romantique ou romancée. Voilà, ce n'est pas une critique primaire, c'est simplement un état objectif que globalement, ces documentaires sont parsemés de simplifications, d'erreurs assez basiques et donc sont facilement critiquables. Tout simplement. Allons un petit peu plus loin. Moi-même, à titre personnel, je suis critiquable aussi. Je ne suis pas à l'abri des erreurs, des imprécisions, d'où ces mises à jour pour tenter de me perfectionner. Alors sur la chaîne, évidemment, vous trouverez pas mal de vidéos sur ces thématiques précises. Là aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir expliquer par exemple en détail le mythe de l'Atlantide ou le mythe de l'Hyperborée ou encore l'énigme du déluge. Il y a des émissions qui sont spécifiques à toutes ces thématiques. Sur la chaîne, je vous y renvoie. Là, on est dans une mission plus large, plus générique, sur la méthodologie, sur le fonctionnement de nos cerveaux, si l'on peut dire, sur le domaine de l'archéologie, et afin de vous donner de bons outils et ouvrir de portes de réflexion. Mais pour les sujets précis, il y a à peu près de 400 vidéos sur la chaîne maintenant, dont de nombreux qui traitent de l'archéologie et de l'histoire, je vous y renvoie. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, il y a le livre. Donc mon premier livre, Arcana, les mystères du monde, les civilisations oubliées, où je traite notamment de ces thématiques. Maintenant, allons un petit peu plus loin et entrons dans la première partie. Je vais juste faire une toute petite pause sur le chat pour voir un petit peu si vous êtes actif, si tout va bien, si vous ne vous insultez pas déjà, voir un petit peu combien vous êtes actuellement en ligne. Eh bien, vous êtes près de 300 à vous être connectés, ce qui me fait très plaisir, je dois le dire. Le problème des universitaires, c'est la question de la légitimité intellectuelle. Pour les historiens diplômés, aucune légitimité n'est à accorder à ceux qui parlent d'histoire sans être diplômés. Nilfgaard, le propos que tu viens de dire à l'instant sera évoqué justement dans la deuxième partie. Le problème de parfois l'intolérance de certains historiens ou archéologues diplômés qui peuvent être intolérants ou hautains et ne pas considérer les autres personnes. On va aborder ce propos notamment puisque moi-même je peux y être confronté. Je vous rappelle que je ne suis pas diplômé dans les domaines de l'histoire, de l'archéologie ou toute autre chose. Bonsoir Ludovic, c'est une découverte pour vous. Une arrivée, de gentils messages de votre part, et bien ça fait très plaisir. Merci à tous. Allez, je ne vous fais pas attendre plus. On va attaquer la première partie. Alors, partie 1, l'histoire occulte de l'humanité. Cette fois-ci, on prend le virage de l'ésotérisme et on va voir un petit peu ce qui est proposé et surtout quels sont les mécanismes d'approche. C'est-à-dire comment les adeptes de l'ésotérisme qui veulent étudier l'histoire vont s'y prendre, quels sont leurs centres d'intérêt, quels sont les points sur lesquels ils vont appuyer pour proposer leur modèle. Alors on va parler tout d'abord du début un petit peu de cette histoire, c'est-à-dire la fin du monopole religieux. On va parler ensuite de la thématique des civilisations disparues, qui est le cœur le plus important, la thématique la plus importante pour les adeptes de l'ésotérisme qui étudient l'histoire. Ensuite, on va parler des thématiques des dieux civilisateurs, autre thématique centrale. Ensuite, on va parler des anomalies archéologiques et historiques, les objets sur lesquels ils vont servir de point d'accroche, de fondation pour élaborer des théories ou des hypothèses. Et puis ensuite, on va parler des modèles explicatifs de l'ésotérisme, puisque c'est bien ça qui compte, c'est la finalité, c'est quels sont les modèles explicatifs. Quelle est en gros la tentative d'explication finale? C'est-à-dire, en gros, c'est bien beau de dire il y a des civilisations disparues, il y a des anomalies, il y a des dieux civilisateurs, il y a tout un tas de choses, mais concrètement, ça nous amène à quoi? Et avant donc d'entrer dans cette première partie dans le vif du sujet, faisons encore un petit point. Je sais, je prends mon temps, mais j'ai le souci de la précision. Quand je vous parlais des documentaires cités préalablement,
Bâti sur l'ancien monde, la révélation des pyramides 2, qui vient de sortir très récemment, l'escroc le plus connu de la pseudo-archéologie vient enfin de sortir son documentaire, semble-t-il, en espagnol. K 2019, avec les lentilles solaires qui font fondre les pierres, par exemple, et tout un tas d'autres, il est important de préciser que tous ces documentaires alternatifs ont un point commun. Ils sont très différents dans leur approche, etc. Il y en a qui sont quand même moins arbitres que d'autres, mais ils ont un point commun. Ils ont tous en leur sein des éléments qui puisent dans l'ésotérisme. C'est un élément central. Alors, vous allez me dire, oui, mais Ludovic, tu es critique, mais toi-même, tu parles beaucoup, beaucoup d'ésotérisme. Et vous avez parfaitement raison. Moi-même, je parle beaucoup d'ésotérisme, et pire, je me définis moi-même comme un occultiste, un adepte de l'occultisme, dans son sens fin 19e. Attention, je ne suis pas un adepte de la magie noire ou du satanisme ou toutes ces choses-là. Je me définis moi-même comme un occultiste. Évidemment, je parle tout le temps d'ésotérisme, cela me passionne, c'est mon centre d'intérêt. Néanmoins, et c'est le sujet de notre troisième partie, on va tenter de faire un petit peu la part des choses. Mais il est important de préciser et de vous le dire que je me définis comme un occultiste, puisque je peux de ce fait avoir des biais. Et donc, vous le savez, vous êtes prévenus. Mais je vais quand même tenter au possible de m'en émanciper, bien entendu. Alors, on reprend maintenant notre sujet. Tout d'abord, le point de départ, c'est la fin du monopole religieux. Pendant des siècles, le grand récit historique de l'humanité a été influencé et même dicté, disons-le, par les institutions religieuses. Ces dernières ont joué un rôle crucial dans la transmission des connaissances, mais également dans la censure et l'interprétation des faits selon leurs dogmes. Évidemment, fut un temps, quand on habitait en Europe, il n'y avait pas de questions à se poser sur l'histoire. C'était simple, il y avait Adam et Ève, puis le méchant serpent, puis la chute dans la matière, puis des bébés, puis quelques meurtres, puis toute une humanité décadente, un grand déluge pour raser tout ça, Noé, sa famille, la tour de Babel, encore des méchants humains, on détruit tout ça, enfin, on leur fait parler des langues différentes, les humains se séparent, ils deviennent belliqueux entre eux, ils ne peuvent plus se comprendre, puis ils établissent des débuts de civilisation. Puis tout d'un coup, les Hébreux, puis Abraham, l'Alliance, etc., le peuple élu, puis l'Égypte, puis il revient au Canaan, puis la destruction de Sodome et Gomorre, etc., 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 jusqu'à David, Salomon, puis finalement jusqu'à Jésus, puis l'Église de Rome, et etc., etc., etc. Voici l'histoire telle qu'elle était conçue comme parfaite dans le modèle religieux. Évidemment, il y a des versions différentes si on va dans l'islam, si on va dans certains courants du bouddhisme, si on va dans certains courants de l'hindouisme, etc. Mais en gros, le modèle religieux, quand il possède un dogme, il possède son histoire et il diffuse son histoire. Quand une société est théocratique, ou du moins qu'une religion est omnipotente dans une société, ce récit historique, ce roman historique devient la vérité. Sauf que, là je parle pour le cas spécifique de l'Europe occidentale plus précisément encore, même de la France si on veut aller plus loin, eh bien ce monopole religieux, il a été effrité. Il a commencé à s'effriter doucement au XVIIIe siècle, puis plus massivement au XIXe siècle, avec de nouveaux courants critiques de l'Église. Enfin, en gros, le monopole de l'Église est tombé. Évidemment, cela va permettre des changements dans cette lecture, ce roman historique parfait, de la Genèse, etc., tout ça, on commence à le remettre en cause. Et on aboutit, donc de nos jours, avec l'avènement de la science moderne et des découvertes archéologiques. Nous assistons à une remise en question de ce monopole. Les récits historiques se détachent progressivement de l'influence religieuse, révélant un passé plus complexe et parfois en contradiction avec les narrations établies. Alors, pour prendre quelques exemples, eh bien c'est très simple, un beau jour, fin 19e, début 20e, il y a une conférence à Berlin. Et tout d'un coup, un chercheur, je n'ai plus son nom exact, Dietrich, je crois, un Allemand, arrive sur son estrade et commence à dire « La Bible n'est pas le plus vieux livre de l'humanité. Avant, il y avait des tablettes mésopotamiennes, sumériennes et acadiennes. » Et puis les gens se sont commencés à s'énerver, ils sont montés sur la scène, il y a des coups de poing changés, comme quoi la Bible n'est pas le plus vieux livre de l'humanité, mais quelle horreur, quelle horreur. Le monopole religieux était tombé, c'était la fin, ça y est, les tablettes sumériennes et tout un tas d'autres choses. Donc, tout un tas d'éléments archéologiques permettent de dire, eh bien, voilà, on a d'autres éléments, cette fois-ci factuels, qu'on peut analyser et qui ne coïncident pas forcément avec le récit, donc on va pouvoir commencer à étudier l'histoire détachée du cadre religieux.
Et vous l'aurez compris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée de la grande vérité clé en main que les méchants archéologues voudraient nous donner. Eh bien, cette grande vérité, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, et elle change encore. Évidemment, ce qu'on pensait à la fin du 19e et ce qu'on pense aujourd'hui au début du 21e, ça a largement changé. Sur tout un tas de domaines et sur tout un tas de civilisations. Dans les moindres détails, ça a changé, en l'occurrence. Ce n'est pas du tout, du tout un récit posé, clé en main, qui ne bouge plus. Ça, c'est un mythe. Donc, forcément, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais le monopole est tombé, et du coup, on a commencé à élaborer ces matières que sont l'histoire et l'archéologie. Évidemment, si le monopole religieux s'effondre, ça laisse aussi la place à d'autres courants. Pourquoi ? Fondamentalement, l'humain, il a besoin d'une certaine spiritualité. Donc, des personnes qui n'ont plus cette emprise du monopole religieux vont commencer à chercher dans un cadre spirituel des réponses sur leur passé. Comme on dit, vous savez le célèbre adage, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et cela est encore plus vrai dans le cadre de la spiritualité. C'est ainsi que dans une perspective ésotérique, ce déplacement du monopole religieux a eu des répercussions sur la société. Il a encouragé une approche plus ouverte sur les questions de notre passé, permettant l'émergence de nouvelles théories et hypothèses, notamment par les nouveaux courants spirituels et les cénacles ésotériques. Alors, la fin de ce monopole religieux va faire que, du coup, des sociétés secrètes, des cénacles ésotériques, des groupes, etc., comme par exemple la théosophie, mettent notamment quelques penseurs, comme par exemple Blavatsky, plus tard René Guénon, plus tard Paul Lecour, ou encore James Schwartz, ce sont des adeptes avant tout de l'ésotérisme, qui ont une lecture spirituelle du monde. Alors il ne s'agit pas de la critiquer, hein. Moi-même j'ai des pensées spirituelles, évidemment, vous le savez, mais ces personnes qui sont avant tout des adeptes de l'ésotérisme ont commencé à établir des théories spirituel sur le passé. Donc, par exemple, Ena Blavatsky va nous dire que dans les temps passés, il a existé plusieurs humanités qui se sont succédées, etc. Paul Lecour va nous considérer, dans les années 40, que, en gros, il y a très 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 longtemps, dans une époque avant le déluge, eh bien, il y aurait une civilisation, l'Atlantide, et que cette civilisation, en fait, avait une religion qui était ni plus ni moins que le christianisme. Donc, en gros, Paul Lecour fait naître le christianisme 10 000 ans avant le christianisme, si vous voulez l'idée. Donc, pourquoi pas ? Il a le droit de placer son hypothèse, il a le droit d'émettre une théorie, même de l'appuyer avec des éléments et tout un tas d'autres choses. Ce n'est pas un crime. Le problème, c'est qu'il faut se confronter aux données de l'archéologie et de l'histoire, ce que parfois ces penseurs ne font pas, ce qui pose évidemment des problèmes. On peut penser ce que l'on veut dans un cadre spirituel, mais vous allez voir que parfois, quand on confronte, cela ne tient pas toujours. Mais tout ça pour dire, à ce stade, c'est que, en gros, les penseurs de l'ésotérisme vont commencer à échafauder l'histoire de l'humanité. Et pour cela, ils vont parfois avoir recourir à des méthodes qui sont propres à l'ésotérisme. Donc, c'est-à-dire que si l'archéologue fouille le sol, si l'historien fouille dans les vieux bouquins, les tablettes et traduit les vieux textes, eh bien, l'adepte de l'ésotérisme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va entrer en méditation et tenter d'entrer en communication avec des forces de l'invisible, avec des esprits, des anges, des démons, des bodhisattvas, des bouddhas, des devas hindous, etc., etc. L'adepte de l'ésotérisme, il va tenter d'entrer en contact avec des forces de l'invisible qui vont l'informer sur ce qui se passait dans les temps anciens. Autre chose, il va tenter de faire de la radiesthésie, du pendule ou tirer les cartes de tarot pour savoir à quel endroit se trouvent par exemple les ruines d'une civilisation passée. Il va tenter aussi, quand il va dans un lieu, je sais pas, il va au château de Montségur, l'adepte de l'ésotérisme va par exemple tenter d'entrer en transe pour parler avec les défunts cathares qui ont brûlé sur ce lieu. Donc, ce que je veux vous dire, sans parti pris, c'est que l'adepte de l'ésotérisme, il a d'autres outils et il utilise ces outils pour tenter de comprendre le passé, tout simplement. Aujourd'hui, une méthode à la mode, c'est de faire du channeling. On se met en état de transe, on reçoit des pensées qui viennent d'une entité extérieure pour décrire des choses et poser des questions sur le passé ou sur les autres mondes ou sur tout ce que vous voulez. Donc pourquoi pas sur l'Atlantide, l'Hyperborée ou tout ce que vous voulez. C'est pas interdit. C'est simplement des outils différents. Après, on va critiquer tout ça par la suite. Rassurez-vous. Maintenant, avançons un petit peu plus loin. Les thématiques centrales des adeptes de l'ésotérisme concernant l'histoire, je précise, concernant l'histoire, c'est souvent en premier lieu la thématique des civilisations disparues. Et on tentera de comprendre pourquoi par la suite. La légende de l'Atlantide, ou de Shambhala, ou encore du continent de Mu, ce sont des civilisations
disparu pour les adeptes de l'ésotérisme. Et la question, c'est sont-elles une réalité historique ou simplement des mythes nés de l'imagination humaine? Ces mythes comme l'Atlantide ou Shambhala existent dans la littérature ancienne, ce ne sont pas des inventions modernes. Pour Mu ou l'Agartha, ce sont des inventions modernes, en l'occurrence. Mais je vous ai proposé des émissions spécifiques sur ces quatre thématiques pour en savoir plus. Je ne peux pas développer, pour le moment je n'aurai pas le temps. Dans l'ésotérisme, ces civilisations sont souvent considérées comme étant détentrices de connaissances avancées, tant spirituelles que technologiques. Donc, en gros, l'adepte de l'ésotérisme pense que l'Atlantide, existant il y a très très longtemps, eh bien ces Atlantes, ils auraient possédé une connaissance de nature spirituelle, une connaissance spirituelle que nous aurions perdue, et qu'il conviendrait de retrouver, au possible. Autre chose, parfois on considère que ces civilisations anciennes auraient possédé une technologie qui serait supérieure aux technologies antiques, et parfois même supérieure à notre technologie actuelle. C'est le postulat. Donc du coup, ils pensent que s'ils retrouvent les vestiges et la compréhension de ces civilisations du passé, eh bien ils pourront réaccéder à ces connaissances spirituelles, et aussi, possiblement, à cette technologie. C'est le postulat. Allons plus loin. Autre chose, donc, dans la perspective, ces civilisations perdues, selon cet état, pourraient détenir des clés essentielles pour comprendre non seulement l'histoire de l'humanité passée, mais également sur ses capacités potentielles et son évolution spirituelle. Et ça, c'est le cœur de la problématique. Le but des adeptes de l'ésotérisme est totalement, en général, différent des historiens. En général, les historiens archéologues tentent de comprendre le passé pour éclairer le présent. Les adeptes de l'ésotérisme, eux, cherchent à inventer le futur. Ils cherchent à penser demain. Et ils pensent que c'est que les réponses pour améliorer ou provoquer le futur se trouvent dans le passé. Donc, on cherche dans des temps antidiluviens des réponses à nos problèmes actuels qui nous permettront de retrouver cet état utopique pour un monde futur. C'est une différence de positionnement qu'on étudiera plus précisément en troisième partie. Alors, vous allez me dire à ce stade, mais il y a des gens qui étudient ces civilisations qui ne sont pas du tout dans l'ésotérisme. C'est vrai, il y a tout un tas de gens qui étudient ces civilisations passées sur un plan purement scientifique, si l'on peut dire, et qui ne sont pas intéressés par la spiritualité, qui ne sont pas intéressés par l'ésotérisme, etc. Évidemment, cela existe. Moi, dans mon propos ce soir, je me concentre principalement sur ceux qui ont un versant ésotérique, ou du moins qui mettent des éléments ésotériques dans le cadre de leur recherche. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je précise quand même. Mais, avouons quand même que la plupart des recherches alternatives invoquent à un moment ou à un autre des éléments de nature ésotérique, comme les documentaires que je vous ai cités préalablement. Allons plus loin. Poursuivons notre voyage. Donc, ensuite, autre thématique, c'est celle des dieux civilisateurs. Si il y a une civilisation ancienne, magique, avec une grande technologie, une grande spiritualité, etc., on a parfois vite fait de franchir le pas de l'évémérisme ou du néo-évémérisme et de considérer que les peuples de ces civilisations ne sont pas de simples humains comme nous, mais ce sont des humains plus, sous-entendu, disons-le, des sortes de dieux, si l'on peut dire. Alors, tout d'abord, les mythes. Presque toutes les cultures anciennes ont des récits de dieux, de demi-dieux ou de héros culturels qui ont apporté des connaissances vitales telles que l'agriculture, l'écriture, les lois et les arts. Ces figures incluent par exemple Thoth dans l'Égypte ancienne, Quetzalcoatl chez les Aztèques ou encore Prométhée par exemple dans la culture grecque qui apporte le feu sacré. Dans l'ésotérisme, ces dieux civilisateurs sont parfois vus comme des êtres réels, voire des extraterrestres ou des ultraterrestres dans des versions plus modernes qui auraient visité la Terre pour aider à l'avancement de l'humanité. Alors c'est quoi la perspective? Qu'est-ce que ça donne en gros? Eh bien ces récits suggèrent une période où l'humanité a fait des bonds en avant brusques grâce à l'intervention ou l'enseignement de ces êtres. Et ils représenteraient souvent le passage de l'ignorance à la connaissance, de la barbarie à la civilisation. Alors qu'est-ce qu'on fait de toute cette thématique? Là, je vous rappelle, je suis toujours dans la peau d'un adepte de l'ésotérisme. Pourquoi cette thématique est centrale? Alors, évidemment, dans toutes les mythologies, il y a des dieux civilisateurs, c'est un petit peu le propre des mythologies. Les dieux sont censés disposer d'une connaissance, de capacité et de pouvoir que les humains n'ont pas. Dans les récits mythiques, il y a toujours un récit d'un dieu qui apporte une connaissance, le secret de l'agriculture, le secret de la fabrication du vin, le secret de la métallurgie, le secret d'un truc ou d'un autre, tout le temps. Dans tous les récits mythiques.
Certains, dans une lecture évhémériste, considèrent que ces dieux ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des créatures surnaturelles venant d'un au-delà. C'est juste que ces êtres auraient en fait une telle connaissance qu'ils furent pris pour des dieux par les pauvres petits humains de l'époque. Donc en gros, il y avait des humains très 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 forts qui ont été considérés comme des dieux, ou des extraterrestres dans d'autres visions. Alors la différence, c'est que quand on considère que c'est des humains, que les dieux sont des humains, on parle d'évhémérisme, et quand on considère que ces dieux sont des extraterrestres, on appelle ça le néo-évhémérisme. Voilà, vous avez compris, néo-évhémérisme est une nouvelle version revisitée de l'évhémérisme, version deuxième moitié du XXe siècle. Mais j'ai aussi fait une émission sur le néo-évhémérisme. Alors, donc dans l'optique où, de l'évhémérisme classique, ces dieux ne sont pas des dieux, ce sont des humains. Alors par exemple, ce sont des Atlantes, ce sont les habitants de l'Hyperborée, de l'Atlantique, de Shambhala, de où vous voulez. Et puis tout d'un coup, ces individus auraient disparu grâce à un grand cataclysme, le déluge, une pluie de feu ou tout un tas d'autres éléments. Mais il y a eu des survivants. Et ces survivants se seraient dispatchés un petit peu partout sur la planète et auraient offert leurs connaissances aux civilisations naissantes de l'Antiquité. Donc en gros, il y avait les Égyptiens en peau de bête qui construisaient leurs cahutes, puis tout d'un coup, il y a trois Atlantes qui ont débarqué, qui leur ont dit « c'est bien, vous avez l'air gentil, vous, on va vous donner tout un tas de petites connaissances, et puis on va vous aider, on va construire des grosses pyramides, on va construire un sphinx, on va construire des trucs, et puis voilà, comme ça, clac, tout d'un coup, la civilisation égyptienne est née. » C'est un peu la pensée majoritaire dans le courant de l'ésotérisme, c'est que tout d'un coup, la civilisation égyptienne, la civilisation sumérienne, la civilisation en Amérique maya, tout ceci a émergé assez soudainement, et ce serait dû à ces civilisateurs extérieurs qui seraient venus apporter les informations. Donc en gros, il y aurait un push-up, tout d'un coup, une connaissance découverte, une sorte de boîte magique dotée de toute information qui aurait permis l'émergence des civilisations de l'Antiquité. C'est le postulat. Donc fatalement, retrouver la connaissance de ces anciens hommes-dieux ou extraterrestres-dieux, peu importe, eh bien, serait fondamentale, puisque en gros, cette connaissance, eh bien, elle serait inscrite dans des monuments anciens, puisque ces monuments ont été conçus grâce à leur connaissance, et éventuellement à certains enseignements de nature spirituelle, magique ou ésotérique, etc., qui seraient conservés dans certains cénacles. Eh bien, cet enseignement, si on le retrouve, eh bien, on pourrait accéder aux mêmes connaissances que ces hommes-dieux ou ces extraterrestres-dieux, et ça ferait de nous, en gros, des humains plus, plus, plus. C'est ça l'objectif de l'adepte de l'ésotérisme. L'adepte de l'ésotérisme, il n'a pas pour but d'étudier la pyramide et se dire « Oh, mais c'est merveilleux, qu'est-ce qu'ils étaient forts à l'époque ?» Son but, c'est de comprendre afin de lui aussi devenir un humain plus, 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 si vous voyez l'idée. C'est ça, fondamentalement, l'idée. Et là, on peut faire un reproche à la plupart des documentaires cités préalablement ou à tout un tas de penseurs d'ésotérisme qui disent « Ah, mais regardez, comme c'est trop étrange, comme c'est trop, trop compliqué, comme c'est bizarre, tout est mystérieux. » Mais sans jamais proposer de modèle explicatif. Et c'est en fait, on reste sur, c'est bizarre, mais on n'apporte rien. C'est quand même vachement triste au final. On est là pour en fait faire vivre sur le fantasme, si je puis dire. Donc, je ne suis pas trop client de faire vivre uniquement sur le fantasme. J'aime bien apporter des hypothèses, des théories, ouvrir des portes. Je peux me tromper, peut-être que ce que je propose comme hypothèse ou comme théorie est faux. Mais je préfère émettre des hypothèses, même fausses, ou du moins imparfaites, ce serait un terme plus adapté, plutôt que de dire simplement « c'est trop étrange, on ne comprend pas, l'histoire officielle a tort, ça me semble pas très intéressant ». Voilà, vous voyez l'idée. Allons un petit peu plus loin. Alors, après, vous avez donc un peu ces, voilà, quelques représentations imagées hein, donc de géants ou de surhommes qui construisent des mégalithes, ou de dieux gigantesques qui apportent leur connaissance, de dieux soleil, ou pourquoi pas des pyramides qui servent de base spatiale pour des vaisseaux Goa'uld, par exemple, tout est évidemment possible. Un autre élément que je n'ai pas dit sur ces dieux civilisateurs, mais qui me semble important d'y revenir, souvent un des arguments très fréquents pour les adeptes de l'ésotérisme qui défendent l'idée de ces civilisations toutes puissantes des temps passés, et de dire, regardez l'humanité, regardez, on trouve le mythe du déluge partout sur la planète. Donc, si on le trouve partout sur la planète, c'est bien qu'il y a un fond de vérité. On trouve des pyramides dans tout un tas d'endroits du monde. C'est une architecture commune, donc ça sous-entend qu'il y a une connaissance commune. Et puis, on trouve ce mythe du dieu civilisateur qui apporte la connaissance, Prométhée qui apporte le feu aux hommes, etc.,
et d'autres mythes équivalents. Donc c'est sous-entendu bel et bien une vérité, puisque tout le monde en parle, donc si tout le monde en parle, il y a un fond commun, il y a ces fameux hommes-dieux ou extraterrestres de civilisateurs qui seraient la base de tout. La base du fonctionnement de la pensée ésotérique est de ne jamais se limiter à un site unique, de ne jamais se limiter à un texte unique, de ne jamais se limiter à une civilisation unique, mais de toujours prendre les événements dans leur ensemble, les civilisations dans leur ensemble, les sites archéologiques dans leur ensemble, entièrement, afin de faire une vue transversale et d'observer les cohérences. C'est quelque chose que je fais moi-même dans mon travail. Mais on verra que cette méthodologie a des problèmes et a des gros biais qui peuvent intervenir. Et donc, il faudrait possiblement corriger ces biais et ces problèmes de contextualisation pour pouvoir utiliser cette méthode de façon correcte. Mais ça, on en parle un petit peu plus tard dans tous les problèmes de cette pensée, bien évidemment. Allons plus loin. Donc, ensuite, gros élément, c'est celui des anomalies archéologiques et historiques. Qu'est-ce que c'est, tout d'abord, la définition ? Une anomalie archéologique est une découverte qui ne correspond pas aux connaissances établies ou aux théories historiques actuelles. Cela peut inclure des artefacts hors de leur contexte temporel, des structures impossibles à expliquer avec les technologies connues de l'époque, ou des représentations artistiques suggérant des connaissances avancées ou des contacts interculturels improbables. Exemple, parmi les plus célèbres, citons la batterie de Bagdad, les piles de Bagdad, appelées aussi, un artefact qui ressemble étrangement à une pile électrique antique. Ensuite, les lignes de Nazca, vastes géoglyphes dans le désert péruvien, dont la fonction reste parfois mystérieuse, ou encore le mécanisme anticitaire, un appareil complexe datant de la Grèce antique. Quelle est donc la perspective ésotérique de tout ça ? Dans le monde de l'ésotérisme, ces anomalies sont souvent vues comme des preuves de civilisations avancées perdues, de connaissances occultes ou même de visites extraterrestres dans le cas du néo-évémérisme. Quelques illustrations, carte de Piri Reis, une de ces anomalies, la machine anticitaire ou encore les piles électriques de Bagdad. Alors, quel est le fonctionnement de la pensée ésotérique par rapport à ces différents éléments ? Quand il y a une anomalie, l'adepte de l'ésotérisme prend cette anomalie et dit, par exemple, les piles de Bagdad, vous voyez, cet objet prouve que les anciens mésopotamiens connaissaient l'électricité. Donc tout ce que vous nous racontez dans les livres est faux, puisque les anciens maîtrisent l'électricité, ça prouve que, bah, en fait, ils avaient une connaissance bien supérieure à ce qu'on pensait, et donc de ce fait, il faut reprendre en compte l'idée qu'il y avait une connaissance qui a été perdue dans les temps passés. En gros, voilà la lecture que va faire un adepte de l'ésotérisme qui recherche l'histoire du passé, en se basant sur cette anomalie. La carte de Piri Reis, pareil dans le même système de lecture, une personne va dire « Regarde la carte de Piri Reis, elle était faite à un moment où on ne connaît pas les côtes de l'Amérique, les côtes, on ne connaissait pas l'Amérique, on ne connaissait pas la précision de ses côtes, il y aurait l'Antarctique qui apparaît sur cette carte, on ne connaissait pas l'Antarctique à cette époque puisqu'il sera découvert qu'au XIXe siècle, donc ça prouve que dans les temps anciens, bien avant ce qu'on pensait, des gens avaient déjà découvert l'Antarctique, connaissaient parfaitement l'Amérique, etc., etc., tatati truc, donc sous-entendu, tous vos livres, toutes vos connaissances de l'histoire est fausse, puisque dans les temps très lointains, il y avait une connaissance que nous avons perdue. Troisième exemple, avec cette fois-ci l'idée de l'impossibilité de la construction, souvent, de nos jours, il est invoqué par certains adeptes de l'ésotérisme que les pyramides ou le sphinx de Gizeh seraient des monuments antiques trop complexes pour les Égyptiens de l'Antiquité, sous-entendu du 3e millénaire avant notre ère, et que donc, vu que les Égyptiens étaient pas assez forts, pas assez balèzes, ils n'avaient pas de super outils laser et tout un tas de choses, pas de lentilles solaires notamment aussi, petite pique pour l'ami Fémi, les Égyptiens étaient trop nuls, donc sous-entendu, ils ne pouvaient pas le faire. Donc s'ils ne pouvaient pas le faire, ça date de beaucoup plus avant, dans une civilisation qui pouvait le faire. Donc ces fameuses civilisations mythiques qui disposaient d'une grande technologie, d'un savoir, etc., tout ce que vous voulez. Voici la lecture ésotérique. Donc toutes ces anomalies sont pour eux des preuves, des petites preuves, qui permettent d'ouvrir tout un pan de réflexion. En gros, un objet permet d'ouvrir une hypothèse. Et pourquoi pas ? C'est pas interdit. On verra la problématique de cette méthode en deuxième partie. Pour le moment, allons plus loin. Maintenant, voyons ce qui est le plus important,
c'est-à-dire en gros les modèles explicatifs. Puisque c'est bien beau d'ouvrir toutes ces portes de réflexion, c'est bien beau de dire qu'il y avait des civilisations mythiques, qu'il y avait des dieux civilisateurs et tout un tas d'anomalies qui nous prouvent qu'ils avaient une technologie sensationnelle, mais sous-entendu, qu'est-ce que les adeptes de l'ésotérisme qui étudient l'histoire proposent? Eh bien, j'ai découpé ces propositions en trois grands éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on va appeler la vision cyclologique. L'ésotérisme propose souvent une conception du temps qui diffère radicalement de la vision linéaire conventionnelle. Dans ce modèle cyclique, l'histoire est vue comme une série de cycles ou d'âges, chacun caractérisé par ses propres cultures, savoirs et même catastrophes. Cette perspective suggère que des civilisations avancées pourraient avoir existé dans des cycles précédents, offrant une explication potentielle à certaines découvertes archéologiques mystérieuses. Le premier élément classique qu'on va retrouver dans l'ésotérisme, c'est de dire, en gros, l'histoire n'est pas linéaire, c'est pas un long fleuve tranquille, il n'y a pas une évolution progressive continue de l'humanité, on passe pas d'Homo erectus à Homo sapiens, à la préhistoire, puis l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, puis la Renaissance, puis etc., jusqu'à notre monde moderne super fort. Donc en gros, ceci n'est pas conforme, il n'y a pas de fil linéaire dans l'histoire, c'est pas une histoire en ligne droite. C'est une histoire par cycle, avec des recommencements. Un peu le mythe de l'éternel retour, cher Amir Sahelian. Alors en gros, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien qu'il y a une civilisation fantastique qui existait dans les temps passés, on va l'appeler par simplification Atlantide. Cette Atlantide possédait une très haute technologie, tout un tas de connaissances au sens... excusez-moi, un tout petit instant, clac. Mon ordinateur voulait redémarrer, ça poserait un petit peu de problème pendant l'émission. Donc cette civilisation type Atlantide disposerait d'une super technologie, de tout un tas de connaissances au sens pragmatique mais aussi au sens spirituel. Il y a une fin de cycle, un cataclysme, un déluge, un astéroïde, un cataclysme de feu, tout ce que vous voulez, et toute cette civilisation s'effondre. Les connaissances se perdent, le savoir est oublié, ne reste que les vestiges, les monuments. On va y venir juste après. Il y a un nouveau cycle qui commence, avec l'Antiquité, etc., toute une civilisation croissante, et nous autres, nous sommes dans une fin de cycle, nous sommes une civilisation avancée qui va possiblement bientôt disparaître, ou pourquoi pas accéder à toutes ces grandes connaissances fantastiques comme il existait dans les temps passés. Et plus tard, une autre destruction interviendra, et il y aura un nouveau cycle qui recommencera. C'est ça, la vision du monde cyclique. On verra les critiques que l'on peut faire à cela, dans la deuxième partie, même si j'ai fait une émission spécifique à ce que j'appelle le cycle des âges ou la cyclologie. Allons plus loin avec le deuxième élément explicatif du monde ésotérique. Deuxième élément, c'est celui de la tradition primordiale. Une autre conception clé dans l'ésotérisme est l'idée d'une sagesse ou d'une tradition primordiale, une connaissance ancienne et universelle qui aurait été partagée par toutes les grandes civilisations antiques. Cette tradition serait la source de tout savoir spirituel et métaphysique, et sa compréhension pourrait éclairer les origines communes des diverses cultures et religions. L'ésotérisme souligne les liens interculturels et intemporels entre différentes civilisations, et cette perspective cherche à démontrer comment des cultures apparemment isolées partagent des connaissances, des symboles et des mythes communs, suggérant l'existence d'une source de savoir partagée ou d'influence commune à travers les âges. Donc, au-delà de ce modèle cyclologique, il y a l'idée que dans ces temps de civilisation merveilleuse, l'Atlantide, il y avait ses connaissances, ses vestiges, tout ce que vous voulez, quelques petits survivants, et cette tradition, cette connaissance, ce savoir, il aurait persisté sous une forme embryonnaire, par fragments, par petits morceaux, dans les mythologies anciennes de l'Antiquité. D'où le fait qu'on retrouve le mythe du déluge partout, d'où le fait qu'on retrouve des dieux civilisateurs partout, d'où on retrouve toujours un bonhomme qui apporte le feu, la connaissance aux hommes, partout, d'où un dieu qui donne l'agriculture aux hommes partout, etc., etc., etc. Donc, en gros, l'idée de la tradition primordiale, chère à René Guénon, mais même avant lui, à Blavatsky et à d'autres penseurs, hein, la tradition primordiale, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà chez Antoine Court de Guébelin à la toute fin du XVIIIe siècle. Donc, cette idée de tradition primordiale, c'est qu'il y aurait un savoir unique à l'humanité et que ce savoir unique se serait disséminé partout sur le monde, aurait pris des formes légèrement différentes suivant les cadres culturels et sociologiques, mais que la moelle, le cœur, est le même. Et donc si on retrouve cette tradition primordiale, ça veut dire qu'on pourrait réaccéder à la connaissance de cette civilisation mythique du passé.
Mais ça nous conduit au troisième élément explicatif de la pensée ésotérique, le plus important, c'est celui des arcanes cachés. L'ésotérisme explore souvent l'idée que certaines connaissances seraient cachées ou codées dans les textes anciens, des monuments et des symboles. Beaucoup de courants ésotériques se concentrent sur l'idée d'une connaissance ancienne perdue en raison de l'effondrement de civilisations, et selon cette vision, des fragments de cette sagesse ont persévéré dans diverses traditions mystiques en attente d'être redécouvertes ou réintégrées dans leur compréhension moderne du monde. Ces arcanes, accessibles seulement à ceux qui savent les déchiffrer, pourraient révéler des vérités sur notre univers. Alors, là, on touche un élément fondamental de l'ésotérisme. Dans l'ésotérisme, il y a cette idée donc qu'il y aurait une tradition primordiale, qu'il y aurait une cyclologie, donc l'idée c'est de retrouver le savoir perdu des civilisations mythiques ou des dieux anciens. Mais pour le faire, évidemment, il ne s'agit pas d'ouvrir les livres d'histoire, pour l'adepte de l'ésotérisme, bien sûr. Il s'agit de regarder les monuments que l'on prête, que l'on considère comme étant l'œuvre de cette civilisation passée. Donc l'adepte de l'ésotérisme va dire « cette pyramide détient un savoir, c'est un vestige ». Excusez-moi, je bois une gorgée. Sinon je vais m'étouffer sur ma chaise et ça va être compliqué de continuer. Donc, ce monument n'est plus simplement une tombe pour un pharaon, ce monument devient une balise, une bouteille à la mer, une sorte de capsule temporelle qui dirait « Voici notre connaissance, voici nos connaissances mathématiques, métaphysiques, tout ce que vous voulez, tout est inscrit dans des codes dans ce monument, nous le laissons à la postérité. » Et donc, les adeptes de l'ésotérisme tentent de décoder ce monument pour accéder à la connaissance des anciens. Autre chose, certains groupes ésotériques, par exemple les rosicruciens, les francs-maçons dans une certaine mesure, les martinistes, d'autres adeptes dans d'autres cultures, kabbalistes, soufis ou autres, considèrent que leur tradition remonte à la nuit des temps et que dans les textes sacrés, par exemple dans la Bible, dans le Coran ou dans tout un tas d'autres textes, il y aurait des informations qui seraient codées et que si on les décode, on peut réaccéder à cette connaissance. Ça, c'est le propre des cénacles ésotériques, c'est de considérer souvent que les textes de religion sont codés. Ça, c'est important. Et donc, ces cénacles ésotériques prétendent détenir, du coup, les clés de lecture de cette tradition primordiale, ou du moins posséderait des chemins d'accès vers cette tradition primordiale. Donc, l'idée des arcanes secrètes. Alors, pour faire un petit schéma, on aurait donc dans ce modèle explicatif de l'ésotérisme, ce schéma. La civilisation mythique qui détient des vestiges, des monuments, et puis des arcanes secrètes, des connaissances. Ces connaissances passent dans la tradition primordiale, il y a le grand cataclysme, cette civilisation se détruit, mais tout un tas de petites civilisations vont naître avec des embryons d'éléments anciens qui restent, notamment des vestiges, et notamment ces arcanes cachées dans des monuments, ou dans des textes, ou dans des cénacles occultes. D'où toutes ces civilisations continuent leur cheminement pour arriver aux civilisations actuelles. Bon, je n'ai mis qu'une, mais vous avez compris qu'il y en a 50. Et puis, dans cette civilisation actuelle, on tente de retrouver, via ces cénacles occultes, ces groupes ésotériques, les arcanes cachés de la civilisation mythique et d'étudier les vestiges des temps passés pour tenter de comprendre la civilisation mythique. Le but est toujours le même, créer la civilisation utopique de demain. Ce n'est pas seulement comprendre le passé, c'est inventer le futur. Et c'est ce qui caractérise la pensée ésotérique. Alors, nous arrivons enfin de cette première partie. Moins d'une heure, je suis dans le timing, avec l'introduction. Donc je vais prendre quelques petites questions, mais j'ai oublié de vous poster un petit message dans le chat, donc je vais mettre une petite barre dans le chat. Clac, clac, clac. Et je vous invite à poser vos questions. Si vous en avez le désir, je vous invite à écrire, comme je viens de le faire, un hashtag, enfin un arrobase question avant votre message, afin que je puisse le retrouver dans le chat, ce qui me facilitera grandement l'existence. Deux, trois petites infos très rapides, le temps de vous laisser écrire vos questions. C'est un peu plus de 400 pour le direct actuellement, ça fait très très plaisir pour ce premier live de l'année. Alors, tout d'abord, petit point technique, j'ai posté un petit sondage dans le chat pour vous demander si vous étiez intéressé par plus d'interviews
de spécialistes sur la chaîne, ou si inversement vous préférez quand je suis tout seul. Puisque voilà, dans les derniers mois, donc octobre, novembre et décembre, j'ai reçu chaque mois un intervenant extérieur sur des domaines précis. Donc voilà, est-ce que vous aimez bien de temps en temps qu'il y ait des interviews sur la chaîne? Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, j'en ai quelques autres de prévus qui vont intervenir, mais voilà, en gros, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous intéresse? Vous êtes 72 à dire, 70 un peu plus, à dire que oui, et à peu près 30 à dire que non. Je vais laisser le sondage courir encore un petit peu pour voir un petit peu plus clair. Voilà, c'est pour tâter un petit peu ce qui vous intéresse. De toute façon, j'en ferai quelques-unes, évidemment, mais j'en ferai pas forcément tous les mois, hein. C'est pas forcément l'idée. En revanche, si vous êtes beaucoup, beaucoup à le vouloir, ben je pourrais faire peut-être au minimum tous les deux mois une interview avec un spécialiste de différents domaines. C'est envisageable, voilà. Ça faciliterait grandement la vie. Pour des raisons que je vous exposerai d'ailleurs en fin d'émission, tout à l'heure, sur mon état de fatigue psychologique et physique de ces derniers temps, on va dire. Voilà, enfin, on y reviendra tout à l'heure. Autre chose, pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle, je rabâche, comme à l'accoutumée, mais pour ceux qui en auraient le désir, vous pouvez évidemment soutenir la Web TV sur Tipeee, c'est le site de financement participatif. Ça vous donne accès aux vidéos privées de l'Académia, donc des conférences où on étudie toutes ces thématiques un peu plus en profondeur. Je vous rappelle que la Web TV n'existe que par le financement participatif. Les revenus YouTube ont divisé par deux au cours de l'année 2023 par rapport à l'année 2022. Donc, en gros, mon seul et unique salaire à 80%, c'est le Tipeee. Donc, ce n'est que grâce au soutien des mécènes que je continue la Web TV. Il y a des projets en cours pour maximiser un petit peu tout ça, mais grosso modo, voilà, dites-vous que ce n'est que grâce à votre soutien que la chaîne existe encore à l'état. Je sais que beaucoup de mes confrères vidéastes ont arrêté leur activité dû à ces difficultés financières, bien évidemment. Je suis comme tout le monde, j'ai un loyer à payer, j'ai mes charges, tout augmente, le monde est difficile pour vous, mais il est difficile pour moi aussi. Alors évidemment, ne faites pas plus que vous le pouvez, bien évidemment, mais je vous rappelle que voilà, si tous les abonnés de la chaîne mettaient 1 euro, eh bien, il n'y aurait plus du tout de problème, tout ceci irait dans une grosse cagnotte, je pourrais tourner le documentaire que j'ai en projet, dont je parlerai en fin d'émission, je pourrais sortir en auto-édition les livres, le prochain livre que j'ai prévu, et je pourrais même accomplir le gros projet, celui-ci qui est prévu pour 10 ans, je pourrais le faire plus vite, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'heure du jour, donc ne faites pas plus que vous pouvez, mais je vous rappelle néanmoins, ça ne fait pas plaisir, c'est pas agréable, mais la Web TV n'existe que par votre soutien. C'est comme ça. J'ai posté le lien du Tipeee pour ceux qui veulent encourager la chaîne. Alors, je vais aller dans le chat et voir si vous avez quelques questions avant de passer à la deuxième partie. Alors, Mozog me dit « Quel artefact peut me servir pour voir des couches archéologiques et dimensionnelles ? Désolé, je vois le cycle du monde partout et tout le temps dans les Pyrénées. Je ne comprends rien à ta question, Mozog. » J'en suis désolé, mais je ne comprends pas ce que tu voulais me dire. Donc, peut-être reformule-le, ou c'est moi qui n'ai pas compris, hein, c'est possible, mais je ne vois pas très bien ce que tu veux me dire. Yannick me demande « Bonsoir Ludovic, sais-tu depuis quand, dans l'histoire, on parle de théorie du complot, le fait que les gens remettent en cause l'histoire dite officielle ?» La notion de théorie du complot existe depuis toujours, il y a toujours eu des... Alors, il y a toujours eu des complots réels dans l'histoire de l'humanité. Tout le monde complote depuis la nuit des temps. Ça, c'est un fait. La théorie du grand complot mondial, celle-ci, elle apparaît sensiblement à la fin du XVIIIe siècle, avec des auteurs comme de tête Augustin Barouel, par exemple, qui est un des premiers à parler du grand complot hein, avec les Illuminati, les francs-maçons, etc. À l'époque, le complot juif à cette époque. Donc, à ma connaissance, c'est plutôt fin 18e siècle qu'on a la théorie du complot qui commence à apparaître. De fil en aiguille, ça s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, il est de bon ton de considérer qu'on nous ment sur le passé, sur l'histoire, etc. En fait, ça s'est globalisé dans la grande théorie du complot, si on veut. Mais en revanche, des complots réels, ça existe. Ça, après, évidemment, à l'échelle du même d'un pays, des fois, des politiciens complotent, les financiers complotent, tout le monde complote. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des complots. Le grand complot mondial, ça c'est autre chose, évidemment.
faudrait que tout le monde soit d'accord et arrive à... Voilà, donc le complot mondial le plus abouti au monde, à mon sens, c'est le complot du Père Noël. On a réussi, par un complot, tous les parents ont réussi à mettre sous emprise mentale tous les gens faibles de moins de 5 ans pour leur faire croire qu'un bonhomme tiré par des rennes dans un chariot emmenait des cadeaux partout sur la planète. Ça, c'est un complot mondial avec la complicité tacite de millions de parents, en l'occurrence. Merci Gilles Marchal pour ton tip de 5 euros à l'instant. Un gros bisou à toi. Alors, autre chose. Anonyme. Bonsoir Arcana. Est-ce que tu prévois de refaire une vidéo plus longue et plus détaillée sur l'histoire des Berbères ? Probablement pas. Pour plein de raisons. Qui sont toute la violence et les messages extrêmement agressifs que je reçois parfois de la part de la communauté berbère de certains. Donc du coup, actuellement, le projet est clairement mis actuellement dans une boîte et il sera ressorti un jour peut-être. Désolé de parler sans filtre, mais il n'y a pas que des gens sympas sur Internet. Voilà, donc actuellement, c'est pas prévu. Je vous rappelle que si vous ne mettez pas le arrobas question, je ne prendrai pas votre question, par respect pour ceux qui font l'effort. Alors, mythe se rêve, est-il possible que des plans secrets tels que l'implantation... Est-il possible que des plans secrets tels que l'implantation RFID soient prévus de longue date ? Mais là, on n'est pas du tout dans notre sujet, Mythevers, c'est pas... Je vais pas y répondre, je t'explique pourquoi. Ça traite d'actualité, et je ne parle pas d'actualité sur la Web TV. Ça fait partie de la charte de fonctionnement de la Web TV. J'ai fait 2-3 écarts en 8 ans, mais je vais éviter d'en faire un ce soir. Donc non, je ne vais pas parler des puces RFID ou autre chose. Benoît Lamé, est-ce qu'on devrait mettre de côté toute hypothèse qui contienne des éléments surnaturels ? Elle est intéressante ta question. Moi, je ne pense pas. Alors, je vais répondre de façon extrêmement simple pour le moment, parce qu'on va en parler en troisième partie. Je ne pense pas qu'on doit mettre de côté les hypothèses qui incluent le surnaturel. Une hypothèse, c'est une hypothèse. Ça ne paye pas de mine, une hypothèse. Tout le monde a le droit d'émettre une hypothèse, même d'ordre surnaturel. En revanche, une hypothèse, c'est pas un fait. C'est tout. Mais pourquoi pas que le surnaturel intervienne dans une hypothèse ? Pourquoi pas ? En revanche, on ne pourra pas reprocher aux historiens et aux archéologues en face de considérer que l'élément surnaturel n'est pas prouvé. Donc de ce fait, on peut remettre en cause cette hypothèse. Le problème, c'est qu'on peut la proposer. Après, faut accepter la confrontation en face. C'est simplement ça. Monsieur A, bonsoir Ludovic. Je pense que les Atlantes et autres ont existé et étaient des genres d'humains à la base, mais qui ont atteint un tel niveau d'évolution pour devenir de l'énergie pure. Mais Monsieur A, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Tu me donnes ton point de vue, et tu as le droit d'avoir ce point de vue, mais ce n'est pas une question. Alors ne marque pas question devant ta question, puisque je n'ai rien à répondre. Tu me proposes une explication, tu me dis ce que tu en penses, et je ne serais pas forcément d'accord avec toi, mais ce n'est pas une question. Nilfgaard, question. Bonsoir Ludovic. On reproche à l'égyptologie d'être figée et fermée. Est-ce que les pseudo-documentaires comme LRDP ne rendraient pas encore la tâche plus difficile aux sérieux ésotériques ? Merci de cette question, Nilfgaard. Je pense en effet que, et c'est ce qui me désole le plus, et c'est pour ça que je fais cette émission, c'est le sujet complet de la troisième partie, je pense en effet que des documentaires comme LRDP, K2019, certaines chaînes YouTube et autres font énormément de mal à l'ésotérisme, puisqu'ils globalisent un ésotérisme bas de gamme, complètement ubérisé, qui se mêle d'histoire et d'archéologie dans des domaines où ce n'est pas son terrain, à la base. En gros, moi je vous disais tout à l'heure, l'adepte de l'ésotérisme, c'est simple, il se met en méditation, il essaie d'entrer en contact avec des esprits des temps passés et de savoir ce qui se passait il y a 10 000 ans. Mais il ne va pas tenter de prouver aux historiens et aux archéologues que ce n'est pas les Égyptiens qui les ont construits. Les adeptes de l'ésotérisme, il n'est pas là pour réécrire l'histoire. Il est là pour lire différemment l'histoire avec ses outils à lui, si je puis dire. Donc le problème, en gros, des documentaires type LRDP, K2019 ou autres, c'est qu'en fait, c'est de l'ésotérisme qui fait une immersion dans le domaine des sciences dures et qui tente d'imposer ses problématiques. Et en général, de façon ubérisée. C'est séduisant, c'est grandiloquent, mais c'est exactement le problème que je disais tout à l'heure.
si vous regardez LRDP de façon tout à fait objective, il y a des incohérences, etc., tout ça. Mais à la fin, vous êtes là, puis vous dites, ben ouais. Ah, mais c'est trop bizarre, mais c'est trop bizarre. Mais c'est juste trop bizarre. Il n'y a rien à la fin. C'est vide, c'est creux. C'est, à la fin, on vous dit juste, c'est trop bizarre, il y a plein de curiosités, il y a plein de trucs étranges, un peu partout dans le monde, on ne sait pas trop pourquoi, on n'a pas d'explication à vous donner, on ne sait pas ce qui se passe, on trouve ça juste trop bizarre. Et c'est pareil pour les autres documentaires. Alors, moi, j'y vois néanmoins un intérêt. L'intérêt étant que ça permet au plus grand monde, au plus grand nombre, de s'intéresser à ces sujets. Ça permet à des gens qui se disent « Putain, mais c'est fascinant en fait l'histoire, moi ça m'a jamais intéressé l'égyptologie, il y a des trucs hyper bizarres, tiens j'ai envie d'en savoir plus. » Alors, le problème c'est que si les gens ne font pas des recherches plus approfondies au-delà, eh bien on reste sur ces documentaires, sur « c'est trop étrange », on reste dans du « c'est trop étrange et c'est toujours trop étrange » et puis on n'avance pas. Si, inversement, les gens vont vers des bouquins et étudient notamment le côté plus académique des historiens et des archéologues, ils vont faire des découvertes tout à fait passionnantes, si je puis dire, en l'occurrence. C'était mon cas, dans une certaine mesure. Donc, en effet, je pense que dans une certaine mesure, ces documentaires font du mal à l'ésotérisme réel, puisque il n'y a pas vraiment, en fait, c'est du pseudo-ésotérisme dans ces documentaires, c'est pas réellement de l'ésotérisme, si je veux dire, au sens des traditions ésotériques, hermétisme, cabale et d'autres, hein, j'entends. Donc on est à cheval un petit peu, sur deux tableaux. Mais on va y revenir plus en détail par la suite. Mais je prenais ta question pour valider ton propos, je suis parfaitement d'accord, mais on va devoir prendre le temps de le détailler. Alors Clément, question, as-tu entendu parler, lu, au commencement était... Non, tu me cites un livre que je ne connais pas. Frédéric, bonsoir Ludovic, que penses-tu de Graham Hancock? J'ai bien aimé l'aube de l'histoire, surtout pour les sites dont certains ne m'étaient inconnus. Ça fait réfléchir sur certains points. Bah, alors, qu'est-ce que je pense de Graham Hancock? Alors déjà, je ne le connais pas personnellement. J'ai lu pas mal des livres de Hancock. Il a l'avantage d'être un auteur talentueux, il écrit bien, il met le focus sur tout un tas de sites que peu de gens connaissent, et ça, c'est ce qu'on peut lui accorder comme mérite. Ensuite, ce que je reproche à Hancock, c'est au niveau méthodologique. Graham Hancock utilise tout un tas de biais méthodologiques, le cherry-picking, l'accumulation de faits incohérents entre eux, décontextualisés entre eux, souvent avec, il met sur un pied d'égalité des documents factuels et des témoignages oraux indatables et donc intraçables. En gros, Graham Hancock a énormément de problèmes dans sa méthode de travail. Donc, du coup, est-ce que les travaux de Hancock peuvent être pris pour argent comptant? Absolument pas. Au contraire, ils sont extrêmement bancals. En revanche, il a cet avantage d'être un auteur de talent et de pousser au questionnement. Et ça, pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre cet aspect-là. En revanche, Graham Hancock, c'est hyper fragile. Ses propositions sont... C'est des hypothèses extrêmement au pied d'argile, si je puis dire. Puisque, voilà, encore une fois, c'est des problèmes méthodologiques tout à fait concrets. Mais je parle pas mal de Graham Hancock dans mon premier bouquin, notamment sur le cas spécifique de l'énigme du déluge, où je considère la théorie d'Hancock extrêmement bancale et où je pense la débunker pour apporter d'autres modèles explicatifs, à mon sens, beaucoup plus cohérents que celle de Hancock. Voilà, si je puis dire. Donc Hancock, auteur de talent sans aucun doute, mais qui, clairement, a énormément de problèmes méthodologiques et des hypothèses plus que douteuses. Alors, je vais encore prendre une question et ensuite on va attaquer la deuxième partie. Eugène Kanga, question, pensez-vous que l'ésotérisme a vraiment contribué au développement de la race humaine? Ah oui, j'en suis même intimement convaincu. Intimement convaincu, et pourquoi, en fait, tout simplement. Le développement de la race humaine, dans son cheminement, dans l'histoire de l'humanité qu'on peut observer, hein, ce n'est pas que des éléments techniques, ce n'est pas que la maîtrise du feu, que la maîtrise de l'agriculture, que la maîtrise du vin, que la maîtrise de la roue et que la maîtrise de la construction sous tous ces aspects. L'histoire de l'humanité, c'est de la pensée, c'est des idées, c'est des concepts, c'est de la philosophie, c'est la naissance de systèmes religieux, de systèmes de croyances. Mais une religion, une croyance, pourquoi elle est apparue? Puisque des individus comme vous et moi se sont posés la question, ils ont regardé le ciel, ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, ils ne comprenaient pas les étoiles, ils ne comprenaient pas pourquoi ça tournait, le soleil, etc., tout ça. Pourquoi la nature naissait, mourait, etc. Donc tous les éléments observables les a questionnés. De ces questionnements sont nées les religions, avec des modèles explicatifs, mais bien plus que les religions, les spiritualités et l'ésotérisme. Pourquoi?
Un gros merci Théo pour ton tip de 3 euros à l'instant. Un gros bisou à toi aussi. J'arrive pas à lire ton message parce qu'il est trop petit, mais le cœur y est. Donc, du coup, les questions se posent. Les questions religieuses. Qu'est-ce qu'une religion ? Une religion, c'est une réponse clé en main avec un dogme qui nous dit « voici l'explication ». Mais l'ésotérisme, c'est pas ça. C'est de dire « voici les questions, voici la recherche, voici tout le chemin qu'on a à faire et toutes les questions qu'on a à se poser. » Et on va se poser ces questions. Et on va tenter d'échafauder des hypothèses. Des hypothèses qui sont pas seulement pragmatiques, mais aussi métaphysiques et de nature spirituelle sur le pourquoi on est là, le d'où on vient, le d'où on va, qu'est-ce qui nous attend, comment on fonctionne. Mais l'ésotérisme accompagne l'humanité depuis l'aube de son existence. L'ésotérisme est intimement lié à la pensée humaine. C'est un des versants, c'est un des prismes de la pensée humaine. On ne peut pas comprendre l'humanité sans son versant ésotérique, tout comme son versant philosophique, son versant religieux, etc., etc., et les autres. Donc l'ésotérisme fait partie, c'est une des pierres de l'édifice de l'humanité, sur le plan de la construction intellectuelle et mentale. D'où, pourquoi la mettre dans une poubelle ? Puisque elle est si omniprésente. C'est ce qu'on parlera d'ouvrir en troisième partie. Alors, du coup, je cesse les questions pour le moment. Ne vous inquiétez pas, j'en prendrai d'autres dans les autres parties. Mais là, nous allons devoir avancer un petit peu et poursuivre notre voyage avec la deuxième partie où nous allons cette fois-ci faire un petit peu l'inventaire des problèmes. Puisque là, c'était bien beau, mais il y a un paquet de pépins. Alors, autre petite chose juste avant d'attaquer, un gros merci à toi Marjorie pour ton tip de 10 euros à l'instant, encore une fois aussi un gros bisou. Petite promo pour ceux qui le voudront aussi d'ailleurs sur le Tipeee, je ne l'ai pas précisé, j'ai sorti dans la foulée de cette émission un pack archéologie interdite, promo de 30 euros au lieu de 40 sur le Tipeee, avec les 8 émissions d'archéologie histoire qui se trouvent sur la web TV, enfin dans les Academia, les 8 émissions au tarif de 30 au lieu de 40. Donc un pack qui sera valable au minimum tout le mois de janvier, en l'occurrence. Je poursuis avec la deuxième partie. Les dissonances et les problématiques. Tout d'abord, l'absence de modèle explicatif classique. Y a-t-il vraiment une absence de modèle explicatif classique ? Est-ce que la ligne du temps linéaire des méchants archéologues, est-ce que c'est ça qu'y pensent les archéologues et les historiens ? On va voir que pas tellement. Ensuite, le problème de la fiction qui inspire les théories. L'origine parfois des théories dites ésotériques est en fait née d'œuvres de fiction, souvent. Ensuite, les biais et les prismes d'observation des adeptes de l'ésotérisme, mais pas uniquement. Et ensuite, la relecture historique décontextualisée, le plus gros des problèmes, et notamment le problème de tous les documentaires que j'ai cités en début d'émission. Et enfin, le plus sulfureux, y a-t-il une problématique en sens inverse ? Est-ce que parfois certains scientifiques ou historiens n'auraient-ils pas eux aussi des biais de confirmation, des biais idéologiques, culturels, sociologiques ? Les zététiciens n'auraient-ils pas parfois eux aussi des biais ? Eh bien on verra que comme tout le monde, ils en ont. Moi, vous, tout le monde. Mais pour le moment, restons sur les adeptes de l'ésotérisme. Alors, tout d'abord l'absence de modèle explicatif classique. Les modèles historiques traditionnels s'appuient fortement sur des preuves tangibles et des interprétations logiques basées sur des données connues. C'est le travail des historiens et des archéologues. Cependant, ils peuvent parfois être insuffisants pour expliquer certaines découvertes ou événements historiques. Ça amène au problème du défi de l'objectivité. Comment les préjugés, les attentes et les paradigmes dominants ou encore les idéologies influencent-ils notre compréhension du passé ? La problématique est donc, souvent considérée comme marginale par le milieu académique, les interprétations ésotériques peuvent parfois stimuler de nouvelles hypothèses et encourager les chercheurs à envisager des scénarios alternatifs. Mais ils peuvent aussi induire en erreur le public. Voici le principal problème. Pour être objectif, il faut faire fi de ces filtres religieux, de ces filtres culturels, de ces filtres idéologiques et de ces filtres intellectuels. Car, je vous le rappelle, ce que l'homme appelle vérité, c'est toujours sa vérité, c'est-à-dire l'aspect sous lequel les choses lui apparaissent, comme disait Protagoras. Alors, est-ce que l'histoire classique, officielle, comme on dit,
n'aurait pas de modèle explicatif. Bien sûr, elle a tout un tas de modèles explicatifs, et ceux-ci ne sont absolument pas linéaires. Pourquoi ? Parce que souvent, la critique des adeptes de l'ésotérisme est de considérer que oui, l'histoire officielle, c'est sous-entendu la pauvre bête, puis l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, puis truc moderne. Mais ça, c'est absolument simpliste. C'est ridiculement simpliste. L'histoire de l'humanité est tout sauf un fleuve tranquille. Il n'y a pas du tout de courbe linéaire. Il y a des avancées, des chutes de civilisation. Pour prendre un exemple, parce que sinon, on pourrait y passer toute la soirée. Mais clairement, le niveau technologique, le niveau de structure de la société. Un gros merci, Olivier, pour ton don sur le chat. Le niveau de la société de l'Égypte antique, du temps de l'ancien empire égyptien, est largement plus avancé, au même moment que la Gaule. La technologie, les connaissances et la société de l'Égypte antique, du temps de l'ancien empire, sont beaucoup plus avancés que le Japon à la même époque. Paradoxalement, aujourd'hui, de nos jours, 2024, le Japon et la France, l'ancienne Gaule, est beaucoup plus avancé techniquement et socialement que l'Égypte. L'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Prenons un autre exemple, toujours avec mon exemple de l'Égypte. La société de l'Égypte antique de l'ancien empire, 2005-2004 avant notre ère, est beaucoup plus avancée que la période intermédiaire qui va suivre 300 ans plus tard. Pourquoi ? Puisqu'il y a un effondrement de la société égyptienne vers 2002-2100 avant notre ère, et que, sous-entendu, ça revient à un état complètement barbare. Les civilisations, ça s'effondre. La société de l'empire romain à la fin du Moyen-Âge est beaucoup plus développée, beaucoup plus structurée que la société féodale naissante dans le siècle suivant. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments dans l'histoire où les civilisations s'effondrent et recommencent. Et les historiens le savent, et les archéologues le savent, et passent le temps à l'expliquer. Donc ce n'est pas un long fleuve linéaire qui est proposé. Ce n'est pas vrai. Les modèles explicatifs de la cyclologie, en fait, se vérifient très très bien dans l'histoire tout à fait classique. Oui, l'humanité a des cycles. Je le défends. Je suis prêt à défendre cette hypothèse et ces théories bec et ongles. Oui, l'humanité a des cycles. Des cycles qui sont tout à fait observables par des éléments tout à fait factuels, en l'occurrence. Donc non, l'histoire officielle ne propose pas un modèle clairement. En revanche, le gros problème que souvent les adeptes de l'ésotérisme reprochent à l'histoire classique, c'est de ne pas avoir d'explication. De dire, vous n'arrivez pas à nous expliquer comment les anciens Égyptiens ont pu bâtir ce monument. Oui, parfois les historiens et les archéologues disent, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas tout. Tout comme moi je ne sais pas tout et vous ne savez pas tout. Je ne sais pas comment marche un réacteur nucléaire. Je ne le sais pas, objectivement. Donc, l'historien et l'archéologue se basent sur les sources. Donc, sur les données archéologiques et sur les données historiques. De là, avec ces éléments de base, il a des outils de réflexion. Et suivant ces outils de réflexion, il est en capacité de dire « Je ne sais pas comment ils ont fait. » Parfois, un adepte de l'ésotérisme virulent va dire « Ah, vous n'avez pas de réponse, mais moi j'en ai une. Je suis en contact avec des entités de l'invisible et je vous dis, c'est comme ça que ça a été fait. » L'archéologue et l'historien en face, il lui dit « Bah oui, mais c'est bien beau ce que tu me racontes, mais au vu des éléments et des sources qu'on a devant nous, ta théorie n'est pas fonctionnelle. » Je vais prendre un exemple un peu moqueur. Un adepte d'archéologie romantique nous dit un jour, dans un documentaire, oui, les Égyptiens anciens ont taillé des blocs avec une lentille, une grosse loupe laser, donc énorme, ils ont fait fondre du granit, ils ont mis ça dans des gros cubes, ils ont fait des cubes et ils ont fait une pyramide comme ça parce qu'ils étaient super forts, ils avaient une technologie absolument sensationnelle, les mecs maîtrisaient le laser, quoi, avec des grosses lentilles. Les archéologues, tout à fait naturellement, leur disent, oui, mais nous, on n'a pas les vestiges de ces lampes solaires, de ces loupes solaires, on n'a pas de vestiges de ça. Donc d'où tu sors qu'ils avaient des lentilles solaires ? Et le type, il dit, c'est logique. Ben, c'est logique de rien du tout. Vous avez compris le problème. C'est, on doit, dans la recherche et la compréhension du passé sur un plan scientifique, partir des sources et, à partir des sources, proposer des modèles explicatifs. On ne peut pas partir d'une idée qui sort de nulle part et aller sur le monument. Sinon, moi, je peux
immédiatement vous dire un truc extrêmement simple. Je peux vous dire, eh bien, je pense pour les pierres de Stonehenge qui ont été transportées sur 200 km, je me dis 200 km c'est vachement loin, si j'étais moi, eh bien, je les tracterais par avion cargo. Voilà. Donc je me dis, le plus simple pour déplacer les pierres de Stonehenge, objectivement, c'est un avion cargo ou un hélicoptère. Donc du coup, je pense que en fait, du coup, les constructeurs de Stonehenge, ils avaient des hélicoptères ou des avions. L'archéologue, en fait, il va me dire, ouais, le truc, c'est que dans les sources, on ne trouve pas de carcasse d'avion, d'hélicoptère ou quoi que ce soit qui y fasse penser. Moi, je leur dis, bah oui, mais c'est le plus logique. Eh oui, mais ça pose un sérieux problème, vous l'avez compris. Donc, on va arriver sur l'autre problème de la décontextualisation des choses. Alors, ensuite, quand la fiction inspire les théories, ça, c'est un élément qui est tout à fait fondamental. De nombreux récits de fiction ont eu un impact profond sur la façon dont nous interprétons l'histoire. Ainsi, certaines idées initialement imaginaires ont pu alimenter des théories historiques ou ésotériques. Ça crée un risque de confusion. Comment discerner les idées purement imaginatives des hypothèses plausibles? Quels sont les défis posés par cette interférence de la fiction dans la compréhension scientifique? Et la problématique, donc, la fiction reflète souvent les croyances, les peurs et les attentes d'une époque. En ce sens, la fiction devient une échappatoire à la réalité. Et là, tout est dit. On vit dans un monde qui est tel qu'il est. Il est bien, pas bien, c'est une question de point de vue, on l'aime pas, peu importe. Mais il y a que la fiction, le cinéma, la littérature, est une échappatoire à la réalité. On regarde un film pour se détendre, pas pour prendre du plaisir. Et puis parfois, on regarde Stargate. Et puis quand on regarde Stargate, on se dit ouais, « c'est vachement cool, quand même une porte d'étoiles, tout un tas de monde, c'est génial quoi !» Puis à un moment, au gré de nos pérégrinations mentales, on se dit « ouais, mais si ça existait tout ça ?» Pas Stargate au sens littéral, mais d'autres mondes, d'autres planètes, des gens qui viendraient d'ailleurs. Puis on commence à réfléchir. Puis alors on commence à fouiller plus. Puis par exemple, on s'appelle un chercheur alternatif quelconque, je cite pas de nom. Et puis on dit, bah ouais, en fait, je regarde les éléments anciens, puis je vois des objets bizarres, des anomalies archéologiques. Ces anomalies archéologiques, elles me disent, ouais, mais notre connaissance du passé, elle n'est pas tellement parfaite, il y a plein de problèmes. En fait, apparemment, il y avait sûrement une super civilisation dans le passé. Une super civilisation qui maîtrisait l'électricité. Qui peut-être maîtrisait même l'antigravité qui pouvait faire léviter des pierres. Et puis, pourquoi pas, allez, il venait d'ailleurs, c'était le plus simple. Il venait d'ailleurs. On a nos Goa'uld. En l'espace de quelques temps, la fiction a inspiré la réalité. Alors là, je prends un exemple caricatural, je vous l'accorde. Mais observez bien, attentivement, l'apparition des théories en archéologie alternative, temporellement, et observez la littérature de fiction ou le cinéma de fiction qui le précède très légèrement. Aujourd'hui, il y a des théories qui existent, par exemple l'Agartha, l'idée de la Terre creuse, l'idée qu'il y aurait un monde souterrain immense avec des intraterrestres hyper avancés, des sortes de dieux humains, mais qui vivent dans la Terre. Aujourd'hui, c'est une théorie qui existe dans l'archéologie alternative. Sauf que l'Agartha, c'est un truc qui est né dans un roman de Louis Jolivet à la fin du 19e siècle. C'est dans un roman. Et ce roman, il y a des gens qui se sont dit un peu plus tard, oui, c'est un roman, mais en réalité, ça se trouve, l'auteur, il était un initié, il avait accès à une connaissance, et tout un tas de choses, et comme Jules Verne, etc. Et donc, en fait, c'est la vérité, dissimulée dans des œuvres de fiction. Et donc, en fait, c'est la réalité. Et donc, on va chercher en ce sens. La fiction a inspiré la réalité. Je vous rappelle que avant Roswell, et avant les apparitions d'OVNI des années 50-60, je ne me prononce pas sur le phénomène ufologique, c'est pas le sujet. Mais les apparitions ou les témoignages en ce sens, ce n'est qu'après que le néo-évémériste apparaît. Ça n'existe pas avant. Avant, on disait que les Atlantes étaient des super-humains divins, mais on ne disait pas que c'était des extraterrestres. Il faudra attendre des éléments contemporains et les œuvres de fiction qui vont aller dans ce sens pour qu'on échafaude de nouvelles hypothèses d'archéologie romantique qui prennent en compte le fait extraterrestre. Donc souvent, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, la fiction dissémine ses graines dans le cerveau et on commence à repenser l'histoire avec la stimulation de l'imaginaire provoquée par l'œuvre de fiction. Donc, du coup, on a des œuvres de fiction qui s'inspirent de la réalité et la fiction
parfois imaginaire, qui finit par inspirer le réel. Vous avez compris la problématique. Alors, des exemples bien connus, Indiana Jones, certains voient l'archéologie comme Indiana Jones, ce n'est pas tout à fait exact, Stargate, évidemment, œuvre très qualitative d'ailleurs accessoirement, mais qui a fait beaucoup d'enfants dans la pensée. Et puis Prometheus avec les méchants aliens, mais surtout des gros dieux anciens civilisateurs, les ingénieurs de monde de Ridley Scott, qui auraient créé l'humanité. Allons plus loin. Les biais et les prismes d'observation. On a commencé à l'entrevoir. La définition des biais et des prismes d'observation, c'est quoi ? Un biais est une inclinaison ou préférence inconsciente qui affecte notre jugement. Dans le contexte historique et archéologique, ces biais peuvent provenir de notre milieu culturel, de notre éducation, de nos croyances personnelles. Par exemple, un biais eurocentriste peut conduire à sous-estimer l'importance des civilisations non européennes. De la même façon, un biais afrocentriste tendra à s'accaparer l'histoire des peuples marquants de l'Antiquité. La solution, il est essentiel pour les chercheurs et les passionnés d'adopter une approche critique et surtout auto-réflexive pour minimiser l'impact de ces biais. Cela implique de se questionner constamment sur ses propres présupposés, son idéologie et de reconnaître les limites de sa propre compréhension. Il faut tout mettre dans une balance et observer nos propres problèmes de fonctionnement. Alors, depuis quelques années que je fais ce travail de proposer des émissions culturelles sur YouTube, quand je traite d'histoire et d'archéologie, je suis confronté à tout un tas de biais. De vous autres, parfois mes spectateurs. Parfois, j'ai une caricature de l'afrocentrisme qui est intéressante. À chaque fois que je parle d'une civilisation antique, je reçois un message qui dit « c'était des noirs, c'est toujours des noirs !» Toujours. Mais on s'en fout royalement, objectivement, de la couleur de peau des gens. Ça vous obsède, en fait. Les afrocentristes sont obsédés par la couleur de peau des gens. C'est l'unique motif. C'est-à-dire qu'on s'en fout complètement des monuments, on s'en fout complètement des cultures, des éléments, philosophie, des traditions, etc. La seule chose qui les intéresse, c'est que c'était des noirs. Donc du coup, les Égyptiens sont noirs, les Sumériens sont noirs, les Étrusques sont noirs, les Grecs sont noirs, Platon est noir, les Japonais sont aussi des noirs, les samouraïs, les chevaliers, Lancelot, tout le monde est noir. La seule obsession des afrocentristes, c'est la couleur de peau des gens. Or, il se trouve, désolé de vous le dire, mais moi, la couleur de peau des gens, je m'en cogne, je m'en fous complètement de savoir s'ils étaient noirs ou blancs. Ce qui m'intéresse, c'est les modes de vie, la société, etc. Donc dans vos messages, quand votre seule et unique préoccupation, obsession, c'est de dire ils étaient noirs, essayez de travailler un petit peu plus votre message. Mettre des sources, des éléments, un petit peu de réflexion, puisqu'on s'en fout complètement, en fait, de leur couleur de peau, objectivement. Puis d'un autre côté, on a l'eurocentriste. Alors c'est du même ordre. De temps en temps, on a des types qui voient un truc à peu près bien dans le monde. Ils voient des monuments en Amérique, des monuments en Asie, des monuments en Afrique. Puis du bon, c'est quand même pas trop possible que ce soit les Américains, les Africains ou les Asiatiques qui aient construit ça. C'est forcément des Blancs européens. Donc, du coup, on invente tout un tas de théories abracadabrantes et on envoie par exemple des vikings en Amérique du Sud ou des vikings faire le tour du monde, pourquoi pas en Antarctique et pourquoi pas dans l'espace bientôt. Voilà. Mais, sous-entendu, forcément, c'est des types blancs qui lui ressemblent qui ont construit ça. Ça peut pas être autrement, de toute façon. Donc, on a typiquement des biais de culturels qui dit « moi, mon peuple, le plus fort » et on veut le prouver historiquement. C'est un biais. C'est ce qui explique, par exemple, que pour de nombreux chercheurs alternatifs de l'Atlantide, l'Atlantide, c'est toujours chez eux. Le berbère va me dire « l'Atlantide, c'est en Afrique du Nord ». L'espagnol va me dire « l'Atlantide est en Espagne ». Le normand va me dire « l'Atlantide est en mer du Nord » ou en Scandinavie. L'israélien ou le palestinien, peu importe, va me dire « l'Atlantide, c'est chez moi, c'est dans la mer morte ». Puis le bouddhiste, lui, il s'en fout de l'Atlantide, mais Shambhala, il va le placer plutôt dans son pays. Voyez l'idée, ce sont des biais idéologiques, culturels, divers et variés. Alors, les autres problématiques, c'est que parfois et souvent, on n'en a absolument pas conscience d'avoir des biais. Évidemment, je vous dis ça, il est évident, c'est un vœu pieux, il est évident que j'ai des biais. J'essaie de les identifier. Par exemple, qu'est-ce que je pense politiquement ? Qu'est-ce que culturellement, je suis dans quel cadre culturel ? Alors mon cadre culturel, je le connais. Mes opinions politiques, je les connais.
Donc vu que je les connais dans ces deux cas présents, je peux les identifier, les mettre dans une balance et essayer de les prendre de l'extérieur pour avoir un petit peu d'objectivité au possible. C'est ce qu'on tente, faire la part des choses. J'ai des goûts et des préférences. Évidemment, le problème en histoire, c'est que ce que j'ai envie n'est pas forcément la réalité. Il y a des trucs que j'aime bien historiquement, qui me feraient plaisir, mais ce n'est pas forcément le cas, objectivement. Donc du coup, j'essaie de m'émanciper de mes désirs pour essayer de regarder de façon neutre les éléments historiques. Les historiens et les archéologues tentent, aspirent à cette neutralité. Mais souvent, ils en ont conscience de ces mécanismes, d'où la critique des sources, le contrôle par les pairs et tout un tas d'autres choses pour éviter le biais. Le problème souvent des adeptes de l'ésotérisme, c'est qu'ils ne fonctionnent souvent qu'au désir. Exemple. Je prends un exemple tout à fait pragmatique sur le mythe de l'Atlantide. Souvent, quand on parle de l'Atlantide dans les milieux ésotériques, là, les Atlantes étaient des gens mais tellement fantastiques. Moi, j'aurais trop aimé connaître les Atlantes. Les Atlantes étaient des gens éveillés, mystiques, spirituels, proches de la nature, une société égalitaire, utopique, parfaite. Chapeau, quoi. Mais, faut prendre les sources, quoi. Si on prend les sources Platon, ben, les Atlantes étaient devenus tellement corrompus et belliqueux qu'ils s'en sont pris à tout le monde. C'est pas une société utopique fantastique. Il n'y a rien dans le texte de Platon qui nous dit que les Atlantes étaient des gars sympas, ou bienveillants, ou égalitaires, encore moins égalitaires, quoi. C'est absurde. Alors du coup, l'adepte de l'ésotérisme va dire oui, mais ils sont en contact avec des entités qui ont vécu du temps de l'Atlantide et eux, ils le savent. C'est la preuve spectrale, la preuve immatérielle. Aucun problème. Seulement, vous comprendrez qu'on ne peut pas le considérer comme factuel sur un plan extérieur. Vous avez le droit de le croire, vous avez le droit de le penser. Et vous avez même le droit de nous le dire et d'émettre l'hypothèse. Mais vous ne pouvez pas nous l'affirmer comme une vérité absolue. C'est ça, la limite. On a le droit d'avoir des aspirations, des envies, ou pourquoi pas des expériences surnaturelles qui nous poussent à une connaissance qui est d'ordre surnaturel, d'ordre métaphysique, d'ordre spirituel, et cette connaissance doit rester dans son domaine. On invite à la limite à titre illustratif en le disant, mais ça ne peut pas devenir un fait objectif, et ça ne peut pas être une source objective, surtout. C'est simplement ça la nuance. Alors maintenant, allons encore une fois un petit peu plus loin. La relecture historique décontextualisée, le pire du pire du pire des biais. La définition. La relecture historique décontextualisée survient lorsque des événements, des pratiques ou des croyances du passé sont interprétés à travers les lentilles des valeurs, des connaissances ou des perspectives contemporaines sans tenir compte du contexte original. Cette approche peut mener à des interprétations erronées ou biaisées de l'histoire. La problématique. Une relecture décontextualisée peut conduire à des conclusions simplistes ou erronées sur des sociétés anciennes. Elle peut aussi favoriser l'apparition de théories révisionnistes ou sensationnalistes qui ignorent la complexité et la diversité des cultures historiques. Le défi de l'ésotérisme dans ce domaine, le défi est double. D'une part, il s'agit de respecter le contexte historique dans l'interprétation des symboles et des pratiques anciennes. D'autre part, il est important de comprendre comment ces éléments ont été interprétés ou adaptés au fil du temps dans les 10 courants ésotériques. Exemple, là vous avez parfaitement un biais de contextualisation. Nous avons un rappeur connu, dont je ne citerai pas le nom, qui il y a quelque temps nous disait que les pyramides d'Égypte étaient des antennes qui produisaient de l'électricité, et puis rajoutons un petit ovni sur l'image, puisque après tout on n'est plus à ça près. Donc là on est parfaitement sur la décontextualisation complètement. Alors pourquoi? Vous allez me dire, c'est juste une affirmation stupide, à la limite. Pas de problème. Mais c'est plus grave que ça en réalité. Pourquoi c'est grave? Parce que, qu'on dise, oui, les Égyptiens avaient l'électricité, tout ça, ok, bon, après tout, ça paye pas de mine, c'est pas grave, voilà, on peut pas le prouver, y a aucune source qui va dans ce sens, mais passons. Ce qui est grave, c'est que c'est l'illustration parfaite de la déconnexion. Pourquoi parler d'électricité? L'électricité est quelque chose qui est de notre environnement tout à fait naturel. Ainsi que mon spot de lumière, mon micro, mon ordinateur, mon marqueur noir. Ça, un marqueur noir, c'est l'illustration parfaite de ce qu'est la décontextualisation. Si, par exemple, je veux marquer une
je suis en Égypte et j'ai des tailles de gabarits différents pour mes pierres d'assemblage pour un monument, bah, il suffit de marquer les pierres, quoi. Prends un gros marqueur noir et ah, marque dessus. C'est simple, quoi. Ils ont sûrement fait comme ça, puisque c'est simple. Bah oui, sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas de marqueur noir. Pourquoi ils n'ont pas de marqueur noir? Parce que toute cette technologie n'existe pas à cette époque. Donc, nous, on prête notre technologie et notre mode de fonctionnement, on veut l'imposer sur l'Égypte antique. Quand on commence à parler, par exemple, des alignements de monuments, en disant, on prend des outils, Google Earth et Géoportail et tout un tas d'autres outils, puis on nous dit, voilà, en traçant une ligne imaginaire entre le monument mégalithique 1 et le monument mégalithique 2, je trouve X mètres. C'est cool. Enfin, je veux dire, on trouve des angles droits, et je nie pas les résultats. Je ne suis pas du tout en train de faire une critique primaire en niant les résultats. Je dis, voilà, on observe des constantes mathématiques intéressantes. Ok, super. Sauf que les anciens n'avaient pas Géoportail ni Google Earth. Alors du coup, si on analyse ces mesures, on dit « Waouh, ces types étaient fantastiques, ils savaient mesurer les monuments de l'un à l'autre, et donc c'est tout ça une codification mathématique, super intéressant, on va tenter de comprendre comment ils ont fait, puisque ces types disposaient visiblement d'une technologie aussi performante que Google Earth. » Eh bien ça, c'est typiquement le biais de décontextualisation. Il faut prendre le problème en sens inverse. Il faut partir du site lui-même. On prend le site lui-même. On regarde où il est placé, comment il est placé, les éléments, archéologiquement, d'où ça vient, la pierre, etc. Comment on peut le dater, etc. Ok, puis on observe d'autres sites. Et puis dans ces autres sites, bah, on va mesurer. On va mesurer, évidemment. Avec nos outils, que ce soit Google Earth ou d'autres d'ailleurs. Évidemment, pourquoi s'en priver? On les a. On va mesurer. Et on observe, je ne sais pas, que 3 mégalithes forment un triangle, un rectangle, un carré, tout ce que vous voulez. Et plutôt que de se dire, ces gens avaient la même technologie que nous, ou quelque chose d'équivalent, on devrait dire, tiens, c'est curieux, il semblerait qu'il y ait une volonté de placement, ou alors, qu'ils ont placé des monuments avec leurs ambitions à eux, qui ne sont pas connues puisqu'on n'a pas de texte. Donc nos anciens constructeurs de mégalithes disposent des mégalithes dans un site de façon précise, à leur point de vue à eux, qu'on ne connaît pas, avec leurs outils à eux, qu'on connaît dans une certaine mesure, et nous, 2500, 4000 ans plus tard, on observe ça, on dit « baf, on est bluffé », ça correspond à des constantes qui sont tout à fait les mêmes que nous, c'est-à-dire des notions mathématiques qui nous sont familières. Pourquoi? Donc, n'imposons pas nos modèles d'outillage à ces gens, dites-nous plutôt comment ça s'est fait. Les archéologues et les historiens, la plupart du temps, n'ont pas forcément une réponse affirmative. Ils disent, on ne sait pas, c'est curieux. Oui, c'est curieux, pas de problème. Mais on ne peut pas forcément aboutir à un résultat. Sur l'ésotérisme, on pourrait, par exemple, aboutir à un résultat. On pourrait considérer que, instinctivement, ces gens, dans une notion spirituelle, dans une notion métaphysique, dans une notion énergétique, ont disposé des mégalithes à un endroit qui convenait sur un plan religieux et culturel pour eux, et que tellement curieusement, leur modèle de croyance qui a imposé ces monuments comme ça correspond à des notions que nous, on utilise aujourd'hui. C'est une explication typiquement possible de l'ésotérisme, auquel j'adhérerais dans une certaine mesure. Mais il ne faut pas imposer nos outils aux gens de l'époque. C'est comme si je voulais parler du système de poste pour l'Antiquité grecque. À l'époque, il fallait qu'un mec court, etc., d'un village à un village, des chevaux, etc., des repos. On ne peut pas imposer nos modèles de fonctionnement sur le passé. Beaucoup plus grave, c'est les systèmes idéologiques. Tout à l'heure, je vous faisais une petite blague, sketch sur l'Atlantide, on dit oh, une société égalitaire et tout ça. Mais ça, c'est des préoccupations modernes. Quand Platon écrit sa légende de l'Atlantide, il s'en fout complètement de l'égalité entre des peuples ou ces trucs-là. C'est pas du tout son tracas à Platon. Platon, pour lui, il est grec. C'est-à-dire la culture des gens les plus balèzes et les plus perfectionnés qui soient, pour lui, à son point de vue. C'est tout. Il n'est pas du tout dans un modèle social comme le nôtre. Pour Platon, l'esclavage, pour Platon, ça n'a aucune problématique. Il vit au 4e siècle avant notre ère. Il n'a pas nos codes sociaux. Il n'a pas nos codes culturels. Par exemple, aujourd'hui, on réécrit des bouquins parce qu'ils ne correspondent plus à nos modèles sociaux. Mais au moment où ces bouquins ont été écrits, ils étaient en conformité avec leur cadre d'écriture, leur cadre de composition. C'est logique. Eh bien, de la même façon,
Aujourd'hui, il est de coutume de dire, décontextualisation typique, oui, la pyramide, c'est pas un tombeau de pharaon, c'est complètement absurde, un roi mégalomane qui se fait construire un truc tellement gigantesque, pire que ça, il en fait construire 4 ou 3. Il est tellement dingue et mégalo le type qui se fait construire 4 pyramides. Et nous, on se dit, mais c'est absurde, il n'y a aucun pharaon qui ferait ça, l'infrastructure, le nombre de bonhommes, etc., c'est absurde, donc on se dit, nous, on trouve ça débile. Notre mode de pensée du XXIe siècle dit c'est débile de construire 4 pyramides pour soi-même. Sauf que quand vous vous appelez Snéfrou et que vous vivez 3 millénaires avant notre ère, vous pensez peut-être différemment. Parce que la pyramide, enfin, avant de parler de la pyramide, pour un Égyptien de l'Antiquité, principalement un pharaon, ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est la vie après la mort. C'est l'au-delà. C'est beaucoup plus important que la vie terrestre. Pour un Égyptien de l'Antiquité. Pourquoi ? Parce que la vie terrestre, ça va durer entre 50 et 70 ans. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais ça ne va pas durer très très longtemps. Par contre, dans les croyances de l'Égypte antique, la vie d'après, ça va durer toujours. L'éternité. Donc, ce qu'on fait pendant notre passage terrestre pour un pharaon va avoir une influence sur leur vie éternelle d'après. D'où le type est peut-être capable, oui, de se construire 3 pyramides ou 4 pyramides. Puisque, ça prend quand même l'idée de la base terrestre avec le modèle de l'ascension céleste, donc l'élévation de l'âme, le principe de l'anabase. Et il était peut-être prêt à en faire 4, oui. Peut-être pour avoir la plus parfaite à la fin. C'est cohérent. Il ne faut pas penser le passé avec notre regard moderne. Autre chose. Autre exemple. Dans un modèle, par exemple, d'un chrétien, ce qui est le plus important, c'est la vie après la mort. C'est le destin de l'âme au paradis. La vie humaine, c'est qu'un passage. Les types étaient capables de faire des trucs totalement différents de nous, de ne pas être hédonistes et d'avoir des vertus et morales, etc., tout ce que vous voulez, simplement parce qu'ils avaient une perspective plus importante qu'ils attendaient au-delà. Leur mode de fonctionnement, leur mode de raisonnement est de fait différent. Un homme du XXIe siècle pense 21e siècle. Truc rigolo, pensez-y sincèrement 2 minutes. J'ai discuté avec un de mes deux meilleurs amis, là, pour les vacances de Noël, et on disait, putain, c'est quand même fou. Il y a 20 ans, on arrivait à se coordonner parfaitement, on n'avait pas de portable, pas d'internet, rien, et on arrivait à se retrouver à l'heure, dans des lieux donnés, on était hyper stratégique, quoi. On arrivait à se retrouver sans portable. Aujourd'hui, les gens sont paumés en 5 minutes quand on n'a pas de portable. Et aujourd'hui, il y a des parents qui disent « Je donne un portable à mon fils parce que j'ai besoin de savoir où il est. » Et là, on est complètement dans une lecture décontextualisée. Enfin, non, c'est actuel. Je dis une bêtise, là, c'est actuel. Le parent est stressé de voir son gamin qui n'a pas de portable. Mais ça ne serait jamais venu à l'esprit d'un individu en 1970, évidemment, puisqu'il n'y avait pas de portable. Donc nous, quand on pense là, on va se poser parfois des problèmes de communication, tout ce que vous voulez, avec notre pensée moderne. Il ne faut pas le faire. Et c'est très, 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 très difficile de s'émanciper de ce biais. Notamment sur la philosophie, l'idéologie. Allons plus loin. Y a-t-il un problème en sens inverse ? Est-ce que nos historiens et archéologues sont immunisés à toute forme de vice, de biais, de prisme d'observation ? Eh bien non, vous vous doutez. Tout comme dans l'ésotérisme, l'histoire académique n'est pas à l'abri des biais. Ces préjugés peuvent être influencés par des perspectives culturelles, politiques ou personnelles des historiens et archéologues. De plus, les historiens doivent constamment naviguer entre leur interprétation des faits et leur propre subjectivité. J'arrête un instant. Un historien, un archéologue, quand il trouve des choses, il doit interpréter. C'est subjectif. Forcément, ce n'est pas un individu neutre, ce n'est pas une passe blanche. Donc, les sources, c'est pas comme ChatGPT. Ça vous dit pas « Je suis un artefact qui a servi à faire des sacrifices humains pour le dieu tatate truc. Le rythme de sacrifice était de 12 par mois à une échelle de 13 ans, machin, etc. » Non, la pierre, elle dit pas ça. La pierre, elle est juste là. Alors du coup, l'archéologue ou l'historien, il doit interpréter cet objet. Et il échafaude des hypothèses. Alors, il va confronter cet élément avec tout un tas d'autres, bien évidemment, pour tenter d'arriver à des certitudes, si je puis dire. Mais l'objet lui-même, il est subjectif. Donc, évidemment, notre historien, lui-même, il n'est pas un individu neutre, une page blanche, il vit dans une société avec des modèles culturels. Vous prenez, par exemple, un sujet que je trouve intéressant, c'est l'histoire des croisades. Si vous lisez l'histoire des croisades en 1930 de René Grousset, vous avez l'impression de voir une épopée chevaleresque héroïque, c'est les chevaliers de la table ronde qui partent au Proche-Orient, quoi, avec René Grousset.
Et puis inversement, si vous lisez l'histoire dans les années 90-80, oh mon Dieu, c'est des horribles monstres esclavagistes, colonisateurs, des fous de Dieu, des intégristes absolus qui vont tuer des gens qui vivaient si paisiblement chez eux. Bah, c'est deux modèles totalement différents, évidemment. Qui a raison? C'est peut-être un peu entre les deux. Vous voyez l'idée? Évidemment. Donc, c'est le problème. Un historien ou un archéologue n'est pas totalement neutre. On l'observe aussi que parfois, certains historiens archéologues remettent en cause des travaux qui ont 10, 20 ou 30 ans en brandissant haut la main un petit éventail en disant « Oui, depuis, on a fait des découvertes. » Ouais, des découvertes, mais il y en avait tout le temps des découvertes par là. Mais il y a un changement de cadre idéologique, un changement politique, tout un tas de prises qui se sont greffées dans la société qui fait qu'on a transformé le modèle de fonctionnement des individus, et donc d'un modèle différent, avec les mêmes données, on aboutit à des résultats différents, puisqu'il y a cette subjectivité sur l'observation des sources et des données. Quand on prend un texte, la méthodologie scientifique, pour un historien, l'idée c'est de faire la critique des sources. C'est très difficile de faire la critique de sources. La critique de sources, c'est de dire, bon, je prends un exemple, Hérodote, il a écrit ça, l'enquête, ok, il raconte ce qu'il voit. Mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Le travail du historien, ça consiste à dire pourquoi Hérodote écrit ce texte, quel est son objectif, qu'est-ce qu'il véhicule comme idée, dans quel contexte éventuellement il l'a fait, et d'observer, de lire entre les lignes. C'est ça en fait le travail de l'historien, c'est de lire entre les lignes, d'essayer de le faire. Et c'est extrêmement complexe, et de ce fait subjectif, vous aurez bien compris l'idée. Puisqu'à moins de prendre une machine à remonter le temps, comme chez H.G. Wells, de retourner discuter à Hérodote et lui dire hey, « Hé, quel est le but de ton livre, l'enquête? Est-ce que tu as dit la vérité ?» Tu peux nous le dire. Eh bien, évidemment, vous avez compris, c'est très difficile comme travail, historien-archéologue, évidemment. Ils sont comme les autres, si je puis dire. Donc, ils ne sont pas immunisés au travers. Néanmoins, la méthode permet de les diminuer. La vérification par les pairs permet aussi de les diminuer. Puisque si vous avez un historien qui fait des découvertes, mais qui est tellement encarté idéologiquement, et qui propose un travail, il y a quand même quelques collègues qui vont dire « Ouh, pou, 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 là, tu pars un peu en vrille, mon copain. » Et ils vont lui dire, bah non, là, visiblement, il y a un pépin, quoi. Parce que ta théorie ne tient pas la route, etc. C'est le contrôle par les pairs. Donc, il y a des biais, mais il y a aussi des outils pour essayer au possible de s'en prémunir. Néanmoins, on arrive à un problématique un peu plus important. C'est que le contrôle par les pairs et la critique des sources et le modèle de fonctionnement des cerveaux des individus, il est dans une société donnée. Si c'est la société elle-même qui change de mode de fonctionnement, une société elle-même va commencer à lire différemment son histoire. Et donc ce n'est plus seulement un individu, un historien qui raconte l'histoire à son point de vue. Il n'est que l'un des bras d'une société donnée à un temps donné et qui a une façon de penser. D'où, avec les mêmes données, on arrivera à des résultats différents. C'est assez fantastique et terrifiant parfois. Néanmoins, il y a quand même encore d'autres petits travers. On a un cas particulier, c'est celui du scientiste. Une approche scientiste peut conduire à un réductionnisme, où la complexité des aspects spirituels dans une société humaine est simplifiée ou négligée. Cela peut se manifester par une tendance à interpréter l'histoire uniquement à travers les données matérielles, ignorant les aspects culturels, spirituels et symboliques. Le cas du scientisme, c'est l'inverse du croyant religieux. C'est le dogmatique de la science. C'est celui qui vous dit... je fais un petit adage pour tenter de vous expliquer le raisonnement. Est-ce que l'Atlantide a existé? Je n'ai aucune preuve que l'Atlantide ait existé. J'ai des hypothèses sur les éléments historiques qui auraient pu inspirer la légende à Platon et celui-ci l'aurait mis en forme. Voici ma réponse. Demain, vous pourrez rencontrer un archéologue, un historien qui vous dise « L'Atlantide, c'est un mythe. C'est un mythe probablement, puisque nous n'avons aucune preuve de son existence. Vous avez rencontré un scientifique. » Le lendemain, vous rencontrez un autre scientifique qui vous dit « Je ne pense pas que l'Atlantide ait existé. Je pense que c'est une fable inventée par Platon pour une fable géopolitique, etc. » Tout ça. Vous avez rencontré un scientifique. Si demain vous rencontrez une personne qui vous dit « Non, l'Atlantide n'a pas existé, l'Atlantide c'est une théorie raciste, l'Atlantide ça n'a pas existé, et je t'affirme que ça n'a pas existé. » Là vous avez rencontré un scientiste,
quelqu'un qui vous affirme quelque chose qu'on ne peut pas prouver l'inexistence. On ne peut pas prouver l'inexistence. Je ne peux pas vous prouver que les vampires n'existent pas. Vous allez me dire, le scientiste va dire, mais les vampires, ça n'existe pas. En s'énervant, devenant tout rouge. Bah, personne n'a peut-être jamais vu de vampire. Peut-être que personne n'en a jamais rencontré, personne n'en a jamais témoigné réellement. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'existe pas. On ne peut pas prouver l'inexistence. En revanche, après, on peut arriver sur le concept de l'impossibilité logique, ce qui est un autre sujet, bien évidemment, et fascinant à explorer. Mais si vous rencontrez des personnes, des scientifiques, donc qui sont dogmatiques et qui ont le dogme de l'inexistence, dire rien n'existe. Le spirituel, ça n'existe pas, la métaphysique, ça n'existe pas, l'âme, ça n'existe pas. L'âme, un scientifique vous dira, je n'ai pas de preuve que l'âme existe. Je n'ai pas d'élément qui me permet de penser que cela existe. C'est une réponse scientifique. Si le scientiste vous dit, l'âme, ça n'existe pas, c'est du scientisme. Voilà. Vous voyez la nuance. Vous comprenez la démarche. Évidemment, c'est pas très facile de discuter avec les intégristes religieux, et c'est pas non plus facile de discuter avec les scientistes. La solution pour un monde apaisé, pour un historien ou un archéologue, l'étude des modes de fonctionnement et des traditions ésotériques peut permettre d'inclure de nouvelles données, mais aussi de comprendre les mécanismes des pensées alternatives sans discrimination, et donc obtenir une meilleure objectivité d'ensemble. Warning, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les historiens ou les archéologues se mettent aux sciences occultes ou à l'ésotérisme pour comprendre le passé et mieux travailler. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je veux dire, et on va pouvoir, à la fin de ceci, aborder justement la troisième partie, qui sera un peu plus engagée. Ce que je veux dire, c'est que souvent, il m'est arrivé de discuter avec des spécialistes en histoire ou en archéologie qui me disent « Oui, oui, mais ça, c'est des délires d'hermétistes. » Le problème, c'est que l'individu ne sait pas ce qu'est l'hermétisme. L'hermétisme, pour lui, c'est de l'ésotérisme. Donc, ce qu'il dit de l'ésotérisme, c'est poubelle, c'est de la saloperie, ça n'a aucun intérêt. Évidemment, on ne peut pas discuter. Ça, c'est la posture hautaine, de sachant contre un truc zarbi, ésotérique. Voilà, typiquement. Je pense qu'il est important, à minima, pour un scientifique, tout ce qu'il y a de plus scientifique, et même, disons, un diététicien, pour aller plus loin, je pense qu'il est important de comprendre que, toujours avec l'exemple de l'hermétisme est un courant de pensée, un courant mystique, religieux dans une certaine mesure, qui a une histoire, et cette histoire s'étudie. Donc, ça permet de dire, dans le fonctionnement de cet individu, qui se déclare hermétiste, est-ce que sa pensée, ce qu'il me dit, c'est cohérent avec l'hermétisme historique, réel, etc. Et de comprendre que pour un adepte de l'hermétisme, il y a des notions métaphysiques. Donc, je pense que quand les historiens ou archéologues sont confrontés aux adeptes de l'ésotérisme, ils doivent se former, à minima, au fonctionnement du mode de pensée de l'ésotérisme. Je ne leur dis pas d'adhérer. Attention. Tout comme j'invite, dans l'autre sens, les adeptes de l'ésotérisme à se former aux méthodes historiques et archéologiques, bien entendu. Ce n'est que comme ça que l'on pourra se comprendre. Et on va justement pouvoir de là entrer dans la troisième partie. Alors, petite interlude question en attendant. Et de la même façon, je me suis fait avoir, je n'ai pas pensé à mettre des petites barres dans le chat. Je vais prendre quelques petites questions. Je vous rappelle, toujours pareil, pour ceux qui veulent me soutenir, c'est sur le Tipeee que ça se passe, bien entendu. Je vous reposte le lien pour ceux qui voudraient soutenir la Web TV. Je vous rappelle aussi qu'il y a une petite promo actuellement, donc pack archéologie interdite, une promo de 30 euros au lieu de 40 pour les 8 émissions qui traitent d'histoire et d'archéologie sur la Web TV. Bien entendu, et encore une fois, un grand, grand merci à tous ceux qui ont déjà actuellement soutenu la chaîne ce soir. Reprenons. Est-ce que vous avez des questions? Je vous rappelle, pour les questions, pensez, comme je le fais à l'instant dans le chat, mettre un petit @question afin que je retrouve votre message autant que possible. Alors, Boris Cochard. Si les pyramides, Égypte, Amérique, Asie, n'avaient jamais vu le jour, quel autre monument terrestre nous aurait impressionné et dopé notre imaginaire?
Je pense qu'il y en a beaucoup, au-delà des pyramides. Encore, les temples khmers sont très impressionnants. Certains monuments chinois, certains palais chinois, ceux qui n'ont pas été détruits par la révolution culturelle ou la muraille de Chine, sont impressionnants. Certaines pagodes au Japon sont impressionnantes. Certains temples, je pense ces temples à Java, des temples hindous à Java notamment, qui sont tout à fait impressionnants. Certains mégalithes sont impressionnants aussi, dans certaines mesures. Non, en fait, c'est pas le nombre de monuments on aurait toujours trouvé des choses impressionnantes. Moi, je m'émerveille assez facilement, vous me direz, donc je trouve beaucoup de choses fascinantes. Je pense qu'au-delà, ce qui nous a fascinés dans les pyramides, c'est qu'on en a tout de suite beaucoup parlé et qu'on en a tout de suite, en fait, on a mis un focus dessus. Et puis, forcément, enfin, excusez-moi, mais quand on parle d'histoire d'archéologie, vous avez sur 5 documentaires qui sortent à la télé, vous en avez 3 qui sont sur l'Égypte, quoi. Donc, à un moment, c'est normal que les gens glosent plus sur les pyramides parce qu'on parle tout le temps d'Égypte, quoi. La Mésopotamie, les ziggourats, c'est largement aussi impressionnant que les pyramides. Pourtant, on en parle 100 fois moins. Voilà, pourtant, c'est les mêmes dates, hein, dans l'idée. Donc je pense que, oui, c'est une question de focus sur lequel on met un monument. Mais pour moi, Stonehenge est tout aussi impressionnant que les pyramides. Et certains domus de Janas à Sardaigne, pour moi, sont plus impressionnants encore que les pyramides. C'est un point de vue personnel, bien sûr. Michel Leca. Question, est-ce que Dieu a déjà parlé aux hommes ou est-ce une interprétation intérieure de l'homme qui a cru que Dieu lui parlait? Est-ce que Dieu intervient dans sa création? Si oui, comment? Et on s'éloigne vachement du sujet. Alors déjà, est-ce que Dieu existe? S'il existe, a-t-il parlé aux humains? Les humains ont-ils cru qu'il parlait avec Dieu? N'était-ce pas un démon qui se faisait passer pour Dieu? Ou alors, on avait peut-être des schizophrènes qui ont entendu des voix dans leur tête et qui ont cru que c'était Dieu? Vaste sujet, vaste programme, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. J'ai fait d'autres émissions sur cette thématique, notamment Dieu ou les mystères du Dieu de la Bible, émission de 3 heures, je t'y renvoie, on parle un peu de ces thématiques. Gauthier Lepour, question. Bonsoir Ludo, sympa le nouvel angle décor. Et c'est une des problématiques que j'aborderai. Merci de le trouver sympathique, mais c'est une des difficultés actuelles de mon activité. Mais merci de le trouver sympathique. J'ai fait des efforts pour poser quelque chose de correct dans la situation actuelle. Tu y réponds déjà un peu. Je me suis toujours demandé quelles sont les méthodologies de travail en partant de zéro. Merci pour ton approche d'émission. Méthodologie de travail, bah. Là, une des premières choses importantes quand un sujet t'intéresse, c'est de lire un premier bouquin. Enfin, tu peux regarder des vidéos de vulgarisation chez moi, chez d'autres, évidemment, pour te faire un point de vue, tu auras peut-être des angles différents d'attaque. De là, consulte les sources. Tu regardes un petit peu quelles sont les sources. Et surtout, essaie de prendre une source qui a bonne réputation, en première chose, pour un premier bouquin. Tu prends un livre qui n'est pas sulfureux, qui est neutre, peut-on dire. Si, parce que tu as commencé avec un truc qui était déjà bien encarté, prenons un exemple, tu t'intéresses aux civilisations antédiluviennes et tu as commencé avec L'empreinte des dieux de Graham Hancock. Mince, bon, c'est un bon bouquin, c'est facile à lire, ça ouvre des portes de réflexion, mais ça ne tient pas la route comme livre. Tu commences avec ce bouquin. La moitié du livre est consacrée, Graham Hancock passe le temps à dire que les historiens, les archéologues, ils comprennent rien, ils cachent plein de choses, ils dissimulent plein de trucs, et puis ils disent n'importe quoi, puis ils veulent surtout pas entendre parler de ces superbes découvertes, et puis du coup, lui, il a la vérité. Eh bien, ce que je t'invite à faire, après L'empreinte des dieux de Graham Hancock, c'est de lire les gens que Graham Hancock critique, de lire les types en face, de lire les livres des académiques, entre parenthèses, si je puis dire. Il faut. En méthodologie de travail, la première chose, c'est de regarder les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce que pas d'accord avec vous, ça veut dire que vous avez un prisme. Vous avez un prisme, vous avez votre point de vue. Vous avez tous un point de vue sur l'Atlantide. Tous. Vous y croyez, vous n'y croyez pas, vous espérez que ça existe, vous espérez que ça n'existe pas. Mais vous avez tous un point de vue. Ce point de vue, c'est un biais, c'est un prisme. Vous devez vous émanciper de votre prisme pour pouvoir étudier les sujets correctement. Exemple, je cite le mien. Moi, je suis passionné par l'Atlantide depuis que je suis gamin. J'ai envie que l'Atlantide, ça existe. Ça me ferait plaisir. Ça participerait à mon bonheur. Je serais content qu'il y ait eu des Atlantes dans des temps très anciens, il y a 10 000 ans. J'ai envie de. Le fait que j'ai envie ne veut pas dire que c'est vrai. Ça me ferait plaisir. Mais ce n'est pas forcément le cas. Je dois me libérer de mon prisme pour pouvoir travailler correctement. Voilà. Donc, la première méthodologie, la première chose, c'est de lire tous les partis, même ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. La deuxième chose, c'est de te prémunir de tes biais et de tes prismes d'observation. Ensuite,
Essaie au possible aussi de prendre des notes, sur ce que tu as lu et de recouper les informations, voir s'il y a une certaine cohérence dans tout ce que tu as observé, etc. C'est un bon point de départ, éliminer les prismes, lire des gens pas d'accord entre eux, prendre des notes. Pour commencer, c'est le mieux, à mon sens. Question de P. Marshall. Pourquoi avoir passé si peu de temps sur le marqueur noir? Le marqueur est noir. Et le marqueur est-il noir? Le marqueur noir, je reviens là. Pourquoi avoir passé si peu de temps sur le marqueur noir? Parce que c'était pas prévu, j'ai passé le temps que j'estimais cohérent. Voilà, je ne sais pas. Je ne comprends pas, pas trop le sens de ta question, peut-être. Ambroise, est-ce que les Tarxiens de Malte ont des informations intéressantes à nous dévoiler sur la pensée spirituelle de cette époque et les échanges qu'il y avait entre les peuples de Méditerranée? Alors, le peuple mégalithique de Malte, pour Tarxiens plus tardifs, donc c'est-à-dire à peu près 2005 avant notre ère, sur l'île de Malte. La question est difficile, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des informations de pensée spirituelle à nous dévoiler? Le problème, c'est que déjà, il n'y a pas de source écrite. C'est une société mégalithique proto-historique, donc pas de source, on est limité aux monuments. Or, ces monuments présentent une architecture intéressante, on a des éléments via l'archéologie et le matériel archéologique, donc sur l'élément, le mode de vie de ses habitants dans une certaine mesure, et quelques objets, le culte, on a des statuettes votives, ils vénèrent une grande déesse, on a quelques symboles, donc on peut échafauder des hypothèses, mais on est limité aux hypothèses. C'est ça le problème, on n'a pas de vérité absolue. Quand on a un peuple, surtout quand on est à la proto-histoire, qu'on n'a pas de texte, on doit interpréter ce que l'on trouve. Et c'est extrêmement, extrêmement délicat, parce qu'il faut faire intervenir l'anthropologie, notamment, pour tenter d'étudier le fonctionnement par rapport au type d'objet votif, dans quel contexte, etc., en comparant à d'autres éléments connus sur la planète qui peuvent ressembler, pour aboutir à des similitudes, des similarités. Et encore, ça ne sera pas un fait absolu, ça sera juste une hypothèse, ou une théorie plus ou moins construite, bien évidemment. Mais donc, pour répondre à ta question, est-ce que le peuple tarxien de Malte a une pensée spirituelle à nous dévoiler? Oui, sûrement. Seulement, on est très loin de la saisir. Donc, c'est difficile. Et en revanche, est-ce que ça nous informe sur le fonctionnement des peuples méditerranéens à l'époque? Oui, dans une certaine mesure, ça nous donne pas mal d'informations sur la diffusion du mégalithisme. Et c'est un sujet que je parle beaucoup dans mon premier livre, d'ailleurs, en l'occurrence, Malte. Donc, je pense que tu l'avais lu en plus, Ambroise. Alors, une question en bas. Benoît Lemay, que penses-tu de l'ère du Verseau, du Poisson qui serait l'ère chrétienne, puis du Taureau? Eh bien, j'ai proposé toute une émission, ce qu'ils appellent le cycle des âges, qui parle de ces âges multiples, et surtout une émission qui s'appelle l'ère du Verseau, spécifiquement, pour aborder cette thématique de façon complète, donc à peu près en 2h, 2h30. Pour te répondre de façon tout à fait succincte, là, on est typiquement sur une confrontation entre données historiques et données ésotériques. Je vais t'expliquer la problématique. On dit que l'ère du poisson correspond à l'ère du Christ, et que ça se termine et qu'on va passer dans l'ère du Verseau, et que avant le Christ était l'ère du bélier. Bon, pas de problème. Sauf que l'historien ou le scientifique, il va nous dire, il y a un petit pépin dans notre histoire. C'est-à-dire que pour établir les ères, l'ère du bélier, poisson, Verseau, vous vous y prenez comment? Est-ce que vous prenez en compte le découpage astrologique tropical, le découpage astrologique sidéral, ou pire, le découpage astronomique? Donc ça veut dire que ces trois ères, cette succession de trois ères, il est différent dans ces dates et dans ces tranches, suivant le modèle de lecture que l'on va faire. Alors évidemment, le spiritualiste hindou, il va dire, moi je prends l'astrologie sidérale. Et puis l'hermétiste européen, il va dire, moi je prends l'astrologie tropicale. Et puis le scientifique, il va prendre l'astronomie. Le problème étant que suivant ces trois modes de lecture, les résultats sont différents. Si on prend l'astrologie tropicale, grosso modo, vers l'an 0, l'an 1, etc., il n'y a pas d'an 0, grosso modo dans cette période, c'est la fin de l'ère du bélier
et le début de l'ère du poisson. Et grosso modo, en astrologie tropicale, les airs durent grosso modo entre 2000 et 2200 ans. Sous-entendu, c'est pour bientôt l'ère du Verseau. Sauf que, si on prend l'archéologie idéale, l'ère du poisson, il a commencé sensiblement vers moins 2 ou moins 300 ans avant notre ère, donc bien avant les grands-parents du Christ, et il va se terminer environ en 2600 ans, donc dans longtemps. Ça colle plus. Et puis si on prend... le découpage que je viens de faire, c'est le découpage astronomique, pardon. Le découpage sidéral, lui, il prend d'autres dates. Je crois que ça commence en l'an 200 de notre ère et ça se termine en plus 200, un truc comme ça. Mais c'est pas tout à fait le même. Dans l'émission, tu retrouveras les chiffres exacts, en l'occurrence. L'idée, c'est que donc la succession ère du bélier, du poisson et du verseau, pourquoi pas, sauf que ça dépend du modèle de lecture, évidemment. Voilà, c'est une interprétation différente des mêmes données, dans un cadre ésotérique, comme quoi les adeptes de l'ésotérisme ont les mêmes problèmes que les historiens dans leur domaine. Allez, je vais prendre encore 2-3 questions, si j'en vois, le temps que mon chat se recharge, ça prend un petit peu de temps. Hop, excusez-moi. Alors, ça, je l'ai vu. Je suis moi-même. Et si l'Atlantide n'existe pas, mais peut-être qu'il y a autre chose derrière tout ça, puisque tout a presque disparu. Perso, je n'y crois pas à l'existence, mais vous en pensez quoi ? Alors, je vais te donner mon point de vue personnel sur la question. Enfin, je l'ai déjà défendu dans mon bouquin. C'est-à-dire que je pense que l'Atlantide est une composition par Platon. L'Atlantide, tel qu'on l'entend, est à mon sens une composition par Platon qui s'appuie sur plusieurs éléments. Trois principaux. Le modèle de la société perse pour ce qui est de l'armée et du côté belliqueux. Le modèle de Carthage qui lui sert pour la description, la représentation de la thalassocratie et de cet empire maritime tout puissant et hégémonique en Méditerranée occidentale. Et le troisième élément qui est la civilisation perdue, disparue, de Tartessos et de la Tyrénie, tout un ensemble de villes portuaires qui auraient pu former un embryon de thalassocratie précédant Carthage et même d'autres choses en l'occurrence. Donc je pense que l'Atlantide en tant que telle n'existe pas, mais qu'elle est une composition inspirée de plusieurs éléments qui, eux, ont une réalité factuelle. C'est mon point de vue. Maintenant, je pense que l'Atlantide est... Le concept de l'Atlantide est intéressant sur un plan spirituel. C'est-à-dire que quand, dans l'ésotérisme, on s'intéresse à l'Atlantide, je vais reciter Stanislas de Guaita. Comme le dit Guaita dans ses bouquins, que l'Atlantide ou l'Atlantide n'existe pas, ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est le symbole de l'Atlantide. Le symbole, ce que ça véhicule comme idée, et donc ce que ça apporte sur un plan spirituel. Que l'Atlantide n'ait jamais existé, ça ne change rien, dans l'absolu. Et il a raison, je pense. Dans l'absolu, ce qui compte pour les adeptes de l'ésotérisme, c'est pas que l'Atlantide existe, c'est la perception qu'ils en ont. Et ce que ça leur apporte dans le cheminement. Prenons par exemple un autre exemple avec les francs-maçons. Les francs-maçons utilisent des rituels. Par exemple, la mort symbolique d'Hiram pour illustrer des choses. Et le temple de Salomon. Mais certains francs-maçons ne croient pas à l'existence réelle du temple de Salomon, ni à la vie de Hiram. Ils voient le symbole. C'est un message allégorique pour participer à leur rite. De la même façon, avec les rosicruciens. Ils ne croient pas tous que Christian Rosenkreuz a réellement existé et qu'il y a un réel tombeau avec toutes les connaissances du monde. Ils pensent que c'est un symbole. Le temple intérieur, le cheminement, la quête, etc., tout ce que vous voulez. Donc, le mythe de l'Atlantide peut servir dans un cadre ésotérique en tant que symbole et véhiculer donc un enseignement allégorique. Voilà, sans qu'il ait pour autant de... sans qu'il ait une réalité. Voilà, en gros, ce que j'en pense. J'ai mis fin au petit sondage donc, que j'avais posé tout à l'heure. Donc vous êtes 71% à vouloir des intervenants sur la chaîne de temps en temps, ou à vouloir quelques émissions de temps en temps, et seulement 28% à ne pas en vouloir. Je prends note. Alors, une autre question que j'avais vue, et après je continuerai mon propos. Des sens des mots. Que penses-tu des théories sur les technologies avancées d'anciennes civilisations, Atlante, Égypte ou autres? Bullshit, intéressant ou autre, qu'est-ce qui paraît le plus plausible? Alors, je vais essayer de te répondre sans tomber dans le travers des scientistes, en te disant « ça n'existe pas ». Je ne vais pas dire ça.
Je vais dire qu'actuellement, on n'a aucune source, aucune preuve, aucun élément archéologique tangible qui permet d'affirmer que les civilisations pré-antiques disposaient de technologies incohérentes avec leur époque. Voilà. Je pourrais dire c'est une phrase alambiquée pour dire non. Oui, c'est une phrase alambiquée pour dire non. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas la preuve qu'elles ont existé. Qu'est-ce qu'on entend par technologie avancée? Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours interloqué. C'est quoi une technologie avancée? Une technologie avancée, c'est quelque chose qui est déconnecté par rapport à son contexte technologique. Exemple, quand les Américains inventent la bombe atomique en 1945, c'était un poil avant, c'est une technologie avancée, puisque les autres l'ont pas. Quand les Grecs utilisent les trirèmes et font de l'éperonnage sur les bateaux ennemis, ça c'est vachement avancé pour l'époque, parce que les autres en face, ils l'ont pas. Quand les Celtes sont les premiers à faire l'épée longue forgée en fer, c'est une technologie avancée, puisque les autres ne l'ont pas, etc., etc., etc. Donc, de tout temps, il y a toujours, à un moment donné, quelqu'un qui a une technologie avancée par son voisin, évidemment. Est-ce que, dans l'Antiquité, il y avait un peuple qui avait une technologie avancée par rapport aux autres? Oui, évidemment. Mais avancée par rapport à quoi? Par rapport aux autres. Donc, maintenant, sous-entendu, quand on parle de technologie avancée, on pense à quoi? Alors, ta question ne le spécifie pas exactement, donc je vais partir dans une hypothèse. De la technologie avancée, c'est par exemple le contrôle de l'électricité, de machines antigravité et de vaisseaux spatiaux. Par exemple. Eh bien, on n'a aucune preuve qu'une civilisation antique, pré-antique ou autre ait disposé de ce type de technologie. Voilà. Si tu me dis, est-ce qu'on parle d'une technologie avancée type un réfrigérateur? Eh bien, de la même façon, on n'a aucune preuve qui permet de penser que les sociétés antiques ou pré-antiques aient disposé de réfrigérateurs. Voilà. C'est simple, en fait. Actuellement, alors, bullshit. Peut-être qu'un jour, on trouvera des sources qui permettent de le penser. Actuellement, on n'a pas de sources qui permettent de l'affirmer. On a des éléments qui nous disent, tiens, c'est curieux. Mais ce n'est pas une preuve. C'est très, 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 très loin d'être des preuves à l'état actuel. Alors, je vais reprendre mon propos. Nous allons entrer dans la troisième partie. Réconciliation et convergence. Pour pouvoir faire une réconciliation entre les méthodes scientifiques de l'histoire et de l'archéologie et les méthodes de l'ésotérisme, il va tout d'abord falloir comprendre pourquoi il y a des conflits. Ensuite, il va falloir identifier pourquoi. Il va falloir identifier quels sont les objectifs et les méthodes des historiens et des archéologues. Et de la même façon, en face, il va falloir tenter de comprendre quels sont les objectifs et les méthodes de l'ésotérisme. Enfin, tout ceci fait, peut-être que la science et l'ésotérisme pourraient s'associer. Et enfin, je vous parlerai du concept de l'occultisme rationnel. Cher à certains occultistes comme Pierre Piob ou autres, et courant dans lequel je m'inscris à titre personnel. Comme ça, au moins, vous le saurez. Alors, pourquoi y a-t-il des conflits? C'est simple. Les différences fondamentales de méthodologie, tout d'abord. L'une des principales sources de conflits réside dans les différentes méthodologies. L'histoire académique s'appuie sur une approche empirique, valorisant les preuves tangible et la vérifiabilité. En revanche, l'ésotérisme s'intéresse souvent à des connaissances cachées ou spirituelles qui ne sont pas toujours mesurables ou vérifiables selon les normes scientifiques. Cela amène à la lutte pour la légitimité. Il existe une lutte continue pour la légitimité dans le domaine de l'interprétation historique. Les historiens académiques peuvent voir les théories ésotériques comme non scientifiques ou spéculatives. Tandis que les adeptes de l'ésotérisme peuvent percevoir l'histoire académique comme limitée ou aveugle à certaines dimensions de la réalité, au sens spirituel. Le défi de communication et de compréhension. Souvent, le conflit est exacerbé par des malentendus ou des communications insuffisantes entre ces deux sphères. Chaque domaine utilise son propre jargon et cadre de référence, ce qui peut entraver la compréhension mutuelle. Alors,
les historiens et les archéologues s'appuient sur des sources. Des sources factuelles. Des bouquins, des tablettes écrites, des gravures sur un mur, du mobilier dans le sol, une tombe, du matériel archéologique, etc., etc., etc. Les sources, au sens très large. C'est à partir de ces sources, et uniquement de ces sources, qu'ils vont échafauder des théories, enfin des hypothèses et des théories. Ils vont regrouper les sources entre elles, établir des connexions, contextualiser ces sources, critiquer ces sources, en faire l'autopsie dans tous les sens, et tenter d'aboutir à des cohérences. C'est la méthode. Ensuite, une fois que la personne a fait son travail, qu'il a échafaudé une hypothèse, qu'il a réussi à construire en théorie, il va la présenter à ses pairs. Ses pairs vont l'étudier et vont apporter leur point de vue. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est loufoque? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça ne tient pas la route? Et éventuellement, ils seront d'accord, pas d'accord, et ils auront des remarques. Pourquoi? Parce que ses pairs, eux aussi, ils vont prendre en compte le contexte, eux aussi, ils vont autocritiquer les sources et tout un tas d'autres trucs, et donc ce qui va permettre d'aboutir à des vérifications multiples. C'est la méthode scientifique. L'adepte de l'ésotérisme, il va fonctionner différemment. L'adepte de l'ésotérisme, il va aller se promener à Karnak, et il ne va pas aller creuser le sol, il ne va pas lire les livres sur Karnak, il peut le faire, mais à la base, ce n'est pas ce qu'il va faire. Il va arriver sur le site, et il va laisser parler son imagination et les ondes des énergies. Donc il va voir ce qui se passe, voir ce qu'il ressent. Et par exemple, l'adepte de l'ésotérisme va par exemple ressentir une puissance en ce lieu, et il va se dire, je pense qu'en ce lieu, il y a des forces lourdes, qu'ici il y avait des sacrifices humains. Voilà. Parce qu'il sent une ambiance d'énergie pesante en ce lieu. Alors évidemment, le scientifique va lui rire en disant, c'est bien sympa, tu parles aux fantômes, mais moi, j'ai pas de preuve de sacrifice humain dans ce lieu. L'aide de l'ésotérisme va dire, oui, mais t'as peut-être pas de preuve, mais moi, je te dis que c'est vrai, je te dis qu'ici, il y a eu des sacrifices humains, puisque je vois des énergies que toi, misérable créature que le porte, tu ne vois pas, tu ne ressens pas, tu n'entends pas. Moi, vois. Et l'historien scientifique va lui dire, oui, bah, c'est bien, tu vois des fantômes qui te parlent, moi, ils me parlent pas, mais dans le sol, il n'y a rien qui accrédite ce que tu dis. Et l'autre va lui dire, oui, mais tu n'es qu'une créature fermée d'esprit qui ne peut pas entendre parler de monde subtil, d'énergie, etc. Tu es un scientiste horrible qui ne veut rien écouter. On peut continuer la guerre extrêmement longtemps. En général, ça finit en insultes, en menaces, machin, tout ce que vous voulez. Ils sont incapables de discuter entre eux. Tout simplement parce que leur méthode de travail n'est pas la même. Alors là, vous allez me dire, suivant votre sensibilité propre sur le chat, si vous êtes plutôt sceptique et plutôt dans un cadre historique méthodologique, vous allez me dire, bah oui, mais enfin le scientifique, il fait un travail qui est quand même cohérent, et puis l'adepte de l'ésotérisme, il voit des esprits, enfin c'est bien, mais il n'y a aucune preuve que ça existe, déjà. Puis si vous êtes plutôt sensible à l'ésotérisme et aux théories alternatives, vous allez me dire, bah oui, l'historien, il se limite à ce qu'il trouve dans le sol, mais la réalité du monde n'est pas contenue simplement sur le sol là. Donc il y a plein de choses qui sont peut-être pas là, qui n'ont peut-être pas été trouvées, qui ont peut-être disparu, qui ont peut-être été détruites, donc se limiter à cela, c'est tout à fait préjudiciable. Inversement, eh bien, il faut s'ouvrir à d'autres possibilités, pourquoi pas les esprits, pourquoi pas des énergies, pourquoi pas tout un tas de choses, pourquoi pas. Voilà. Donc, suivant votre sensibilité, vous allez penser différemment sur ce même sujet. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, en fait, c'est quel est l'objectif des deux? Puisque c'est pas du tout le même, en réalité. Leurs méthodologies ne sont pas les mêmes, mais leurs objectifs non plus. Et on va voir tout ça. Alors, quel est l'objectif de l'historien ou de l'archéologue? Eh bien, son objectif, tout d'abord, c'est de comprendre le passé. L'objectif principal de l'histoire est de comprendre et d'interpréter le passé. Cela implique l'étude des événements, des sociétés, des cultures et des individus qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'histoire cherche à reconstituer le récit des peuples et des civilisations à travers le temps. La préservation de la mémoire collective également. L'histoire joue un rôle crucial dans la préservation de la mémoire collective d'une société. En documentant et en archivant les événements passés,
Elle aide les générations futures à comprendre leur propre héritage culturel et historique. Enfin, c'est apprendre des erreurs du passé. L'étude de l'histoire permet de tirer des leçons des erreurs et succès du passé. Cette connaissance peut être utilisée pour éclairer les décisions actuelles, futures, dans le but d'éviter la répétition des erreurs du passé. Et là, on ouvre une chose très intéressante. Vous l'aurez compris, le but des historiens et des archéologues est de comprendre ce qui s'est passé, de mieux comprendre les sociétés, de savoir quels étaient les us et coutumes, ce que les gens faisaient, ce que les gens mangeaient, ce que les gens buvaient, ce en quoi les gens croyaient, etc. etc. Comprendre le passé. Comprendre comment on en est là. Deuxième temps, la préservation de la mémoire. Que les gens n'oublient pas qu'il y a eu l'Empire romain, qu'il y a eu l'Empire, la dynastie Qing en Chine, qu'il y a eu les drames de la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a eu les drames de l'URSS communiste, qu'il y a eu Clovis, qu'il y a eu Vercingétorix, etc. Se rappeler des événements futurs, ce qui permet de nous constituer. Le troisième élément, beaucoup plus délicat, c'est de porter un jugement sur l'histoire. Techniquement parlant, l'historien et l'archéologue n'est pas censé porter un jugement sur l'histoire. Néanmoins, personne n'étant une page vierge, nous sommes ballottés par des grands courants idéologiques de tout temps, et donc de ce fait, parfois, il y a des idéologies. Et donc c'est le moment où cette histoire du passé va être revisitée et réinterprétée par rapport à un environnement donné. Par exemple, je vous citais mon exemple des croisades. Quelque chose de très 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 glorieux dans les années 30, de très 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 très, très mal dans les années 90. C'est une question de contexte de lecture des faits. Donc l'historien archéologue étudie les sources, tente de comprendre le passé, néanmoins sa lecture de cet élément est variable suivant son environnement donné, comme tout à chacun. Maintenant, quel est l'objectif de l'adepte de l'ésotérisme? Est-ce que c'est de comprendre les sociétés du passé? Non. Est-ce que c'est de conserver la mémoire collective? Pas vraiment. Est-ce que c'est d'éviter les erreurs du passé? Pas vraiment non plus, pourrait-on dire. C'est en fait beaucoup plus simple. Les objectifs des adeptes de l'ésotérisme est tout d'abord la recherche de connaissances cachées ou secrètes. L'ésotérisme se concentre souvent sur la découverte et l'interprétation de connaissances qui sont considérées comme cachées ou secrètes. Cela peut inclure des aspects spirituels, métaphysiques ou symboliques de l'existence qui ne sont pas immédiatement apparents dans les expériences quotidiennes ou les approches scientifiques. Ensuite, c'est la compréhension des lois universelles et métaphysiques. L'adepte de l'ésotérisme vise à comprendre les lois et principes universels qui gouvernent le monde, souvent en explorant des dimensions qui vont au-delà de la compréhension physique ou matérialiste. Cela peut inclure des concepts comme le karma, l'astrologie, la réincarnation et la connexion entre le microcosme et le macrocosme. Enfin, l'objectif ultime de l'adepte de l'ésotérisme est la quête de la compréhension, de connaissances. Un objectif majeur de l'ésotérisme est donc le développement spirituel et personnel. Cela peut impliquer une quête intérieure, une transformation de soi et la recherche d'une compréhension plus profonde de la nature et du but de l'existence humaine. Enfin, l'ésotérisme vise souvent à éveiller la conscience individuelle et à établir une connexion plus profonde avec le divin ou le plan spirituel. Vous avez bien compris, l'adepte de l'ésotérisme ne cherche pas à comprendre le passé pour ce qu'il est, pour le passé pour ce qu'il est. Ce qu'il cherche, c'est à s'améliorer en tant qu'individu sur un plan qui n'est pas celui de la matière. L'adepte de l'ésotérisme cherche, comme un croyant d'une religion, cherche à accéder à la connaissance au sens métaphysique ou aux connaissances au sens spirituel. Le but, l'adepte de l'ésotérisme actuel, est dans l'absolu beaucoup plus proche que le pharaon Snéfrou de l'ancien empire égyptien que du scientifique actuel. En ce sens, son objectif premier, c'est de réfléchir à d'où il vient, où il va, pourquoi il est là, mais pas uniquement sur un plan matériel. Le scientifique, le physicien, le chimiste, le biologiste va tenter de comprendre pourquoi l'humanité, les cellules, etc., comment s'est créé l'univers, tout ce que vous voulez. Bien sûr que le scientifique va se poser des questions sur pourquoi on est là, et éventuellement faire des hypothèses sur ce qui nous attend. Pourquoi pas ? Mais l'adepte de l'ésotérisme, là où il fait une différence, c'est qu'il ne cherche pas à étudier. Un grand merci, Benjamin, pour ton tip de 5 euros. Un gros bisou à toi. L'adepte de l'ésotérisme ne cherche pas forcément à lire tout ça au sens matérialiste, il cherche à comprendre pourquoi il est là sur un plan métaphysique, sur un plan spirituel, l'existence de l'âme, etc., tout ça. Évidemment, vous avez compris où est le conflit.
L'adepte de la science va dire, bah oui, mais tu vois, tu t'intéresses à des notions métaphysiques de l'âme, moi je sais pas si l'âme existe. Donc du coup, je peux pas te suivre dans ton raisonnement. Donc ils discutent pas des mêmes choses. Si on a vu les outils et les méthodes de l'historien, voyons les méthodes de l'adepte de l'ésotérisme. L'adepte de l'ésotérisme qui ne s'intéresse pas forcément aux choses de la matière, dans sa quête, va voir des lieux et va, une fois dans ces lieux, tenter de ressentir les énergies du lieu. Ce qu'on disait tout à l'heure, ressentir les énergies du lieu, voir qu'est-ce qui s'est passé sur un plan émotif, sur un plan sensitif. Il va toucher des pierres, il va sentir, par exemple, il va essayer de sentir l'âme des choses qui se sont déroulées ici, la mémoire des lieux. Il va chercher à méditer. En méditant, il va chercher à faire le vide dans son esprit, à atteindre l'état de vacuité, par exemple, pour tenter d'entrer en communication avec des entités spirituelles qui correspondent à son cadre de croyance. Des bodhisattvas dans le bouddhisme, des anges ou des saints dans le christianisme, pourquoi pas des puissances démoniaques dans le satanisme, pourquoi pas des entités divines du monde païen pour un adepte de la Wicca, par exemple, etc., etc. Il va entrer dans la méditation pour entrer en contact avec l'invisible. Donc, du coup, comme tout à fait le disait Guaita tout à l'heure, que le mythe de l'Atlantide existe, que l'Atlantide existe physiquement ou pas, en fait, c'est pas très très important pour un adepte de l'ésotérisme quand on y pense réellement. Puisque l'Atlantide, et là je fais un peu référence au monde imaginal de Henri Corbin, l'Atlantide, si elle existe physiquement, ça va intéresser les historiens et les archéologues, ils vont l'étudier. Si elle n'existe pas, bah, ça n'intéresse pas les historiens et les archéologues. Évidemment, il n'y a rien à chercher si elle n'existe pas. Alors, on ne peut pas prouver l'existence. Et puis, l'adepte de l'ésotérisme, lui, si elle n'existe pas, qu'est-ce que ça change pour lui? Qu'est-ce que ça change? Sur le plan que le mythe existe, la pensée de l'Atlantide existe, et au pire, l'Atlantide peut exister dans une réalité subtile, réalité invisible, un autre monde, d'un au-delà possible, un monde imaginal. Donc, pour un adepte de l'ésotérisme, l'Atlantide a une forme de réalité, à minima dans la pensée humaine. Et c'est tout. Donc du coup, on prend toujours notre cas Atlantide. C'est le plus simple, je connais le mieux. On a notre historien ou notre archéologue qui étudie les sources, qui étudie, voilà, Santorin, Platon, le contexte, etc. Il dit, à ce jour, j'ai pas d'éléments qui me permettent de prouver que l'Atlantide a un fond de réalité historique. Un autre historien pourrait légèrement différemment, par des sources, dire bah moi je pense que Platon s'est inspiré de cet élément-là, et que ça pourrait être ça. Un autre historien, possiblement, dire moi je pense que l'Atlantide c'est là. Il y a des historiens qui croient à l'Atlantide, hein, je n'apprends rien. Des archéologues aussi, qui croient à l'Atlantide, ça existe. Ils ne sont pas majoritaires, mais il y en a. Et qui proposent des modèles explicatifs. Donc certains historiens vont tenter de chercher une Atlantide physiquement. Maintenant, vous mettez dans la peau d'un occultiste, d'un adepte de l'ésotérisme, type Edgar Cayce. Edgar Cayce entre en méditation, en transe mystique, et il discute avec des anciens Atlantes ou son ancienne âme incarnée il y a 26 000 ans. Mais peut-être qu'il discute réellement à quelque chose, j'en sais rien moi. Peut-être qu'il discute réellement à quelqu'un, à une force invisible. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Et peut-être que cette force invisible à qui il parle lui dit des choses et qu'elle appelle ça Atlantide. Est-ce que ça entre en conflit avec la recherche historique archéologique? Pas spécialement en réalité. Ils ne parlent pas de la même chose. Ils ne sont pas dans le même registre. L'un n'est pas mieux que l'autre. C'est juste, c'est pas le même tracas. Ce que Edgar Cayce en tire, il discute avec ses Atlantes, ses êtres éveillés des temps passés, qui lui donne un enseignement spirituel, qui cet enseignement spirituel pourrait l'amener lui et éventuellement ses suiveurs à une autre réalité plus subtile, plus intéressante sur le plan métaphysique. Super! Mais que l'Atlantide existe, on s'en fout! Puis inversement, l'historien, que l'Atlantide existe mystiquement, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de trouver des ruines à étudier, qui va permettre de mieux comprendre le passé, de mieux comprendre la diffusion des civilisations et tout ce qui va avec. Donc chacun a ses objectifs et ses centres d'intérêt et ses méthodes de travail. C'est juste pas ensemble. Mais du coup, maintenant, on va arriver au sujet de l'émission réelle, le titre de cette émission, qui est et si science et ésotérisme s'associaient, ça donnerait quoi? Et est-ce que c'est possible, surtout? La complémentarité des perspectives. En combinant les méthodologies rigoureuses de l'histoire avec les approches souvent plus intuitives et symboliques de l'ésotérisme, il est possible de développer une compréhension plus complète des événements et des cultures passées. L'histoire peut fournir un cadre solide de faits et de données, tandis que l'ésotérisme peut offrir une perspective plus profonde sur les croyances, les pratiques spirituelles
et le symbolisme. C'est un élargissement du champ d'étude. Une telle association peut encourager l'étude de domaines souvent négligés ou mal compris dans l'histoire traditionnelle, comme les pratiques occultes, le mysticisme et les traditions spirituelles, et cela peut conduire à une meilleure compréhension de l'impact de ces pratiques sur l'histoire humaine. Enfin, c'est l'approche holistique du passé. L'association de ces deux domaines peut favoriser une approche plus holistique du passé, où les dimensions sociales, culturelles, spirituelles et matérielles de l'histoire sont toutes prises en compte. Cette approche, intégrée, peut aider à dépeindre une image plus complète des sociétés anciennes. Alors, certains vont crier au scandale, en disant « mais c'est impossible, ça ne change pas du tout la même chose, c'est terrible les ésotéristes ». Bah, sauf que si on regarde bien, un historien et un archéologue peut tout à fait étudier l'histoire de l'ésotérisme, l'histoire des traditions ésotériques, l'histoire de l'hermétisme, l'histoire de la cabale, savoir comment les gens pensent à un instant donné. Exemple, je reprends mon cas, je vais prendre un autre cas, avec Elena Blavatsky, par exemple, plus sulfureux. Elena Blavatsky crée sa société théosophique avec William Colonel Olscott, et puis elle échafaude dans ses bouquins tout un tas de théories abracadabrantes de nature spirituelle. Abracadabrantes sur le plan de l'histoire. Pas abracadabrantes sur le plan de la spiritualité. Spiritualité, on ne peut pas juger, c'est les siennes. Historiquement, c'est n'importe quoi. Spirituellement, pourquoi pas? Donc, Elena Blavatsky pose sa théorie des races de l'humanité, des continents disparus, des hommes translucides des temps anciens, des hommes dieux et tout un tas d'autres choses. Bon, ok, c'est très bien. Du coup, on a tout un tas de gens qui vont reprendre les travaux de Blavatsky pour échafauder des théories sur l'Atlantide, sur Mu, puis après on a Chushwad, puis le cours, etc. Puis on arrive aujourd'hui à des trucs complètement surréalistes. Et puis, on a en face des historiens ou archéologues qui nous disent « Oui, mais tout ça, c'est du Blavatsky, c'est du Lecourt, c'est du Titi, c'est de la merde. Donc, ça vaut rien. » Moi, je pense qu'il serait intéressant pour l'historien et l'archéologue d'étudier en profondeur quel est le système de pensée de Blavatsky. Lire tout simplement ses textes. Lire Guénon. Je ne leur demande pas d'être d'accord avec Guénon ni avec Blavatsky. Je leur demande simplement de les lire et de dire « Quel est le mode de fonctionnement de ces gens? Pourquoi pensent-ils ça? C'est ça. Comment ils travaillent? Qu'est-ce qui les amène à croire qu'il y avait une civilisation mythique ou ci ou ça? Faire un pas pour appliquer leur méthode, mais sur le domaine spirituel. Maintenant, de l'autre côté, on a des adeptes de la spiritualité ou de l'ésotérisme, qui, du coup, pensent que l'Atlantide existe, ça fait pas de doute pour eux, les Atlantes étaient des super géants, super saiyans, ultra forts, qui maîtrisaient la télépathie, la télékinésie, qui étaient beaucoup plus forts que les Marvel, et puis, en plus de ça, c'était des extraterrestres, parce que pourquoi pas. Donc, voilà, quelqu'un pense ça, et se dit, de toute façon, les historiens sont tous des crétins, ils veulent pas voir la réalité, ils cachent des trucs, ils sont fermés comme des huîtres, ils veulent pas prendre conscience qu'en méditant, on peut entrer en contact avec son ange gardien et savoir tout ça. Et c'est tout simple, quand même. Pourquoi pas? Eh bien, je pense qu'il serait intéressant que cet adepte de l'ésotérisme applique la méthode scientifique sur ses propres expériences métaphysiques. Et il se rendra compte, parfois, qu'il y a des biais et des prismes dans sa propre expérience métaphysique. Donc, utiliser l'appareil scientifique, les méthodes, la vérification, le contrôle des sources, tout ce que vous voulez, appliquer aussi sur ses propres fonctionnements. Je pense qu'il est intéressant que l'historien comprenne comment fonctionne l'adepte de l'ésotérisme et que l'adepte de l'ésotérisme comprenne comment fonctionne l'historien et l'archéologue. Alors ceci, bien évidemment, est tout à fait utopique, j'en ai tout à fait conscience de prêcher dans le désert, mais c'est du moins dans une certaine mesure ce à quoi je tente de m'appliquer, personnellement. Je suis comme tout le monde, j'ai une idéologie, des biais, un cadre culturel, des croyances, et tout ceci peut biaiser mon raisonnement. Alors, pour travailler, j'utilise quoi? Eh bien, j'utilise sensiblement la méthode de Pierre Piolle. Du moins, c'est lui qui conceptualise ce mot, mais il n'est pas le seul. Alors, le concept de l'occultisme rationnel, c'est quoi? J'insiste, occultisme rationnel, pas occultisme, ni ésotérisme, ni spiritualité. Occultisme rationnel. L'occultisme, tout d'abord, n'est pas un courant de magie noire ou de satanisme, je l'ai dit, c'est un courant historique qui peut se définir philosophiquement entre, grosso modo, 1870 et à peu près 1920-1930, grosso modo. Alors, le défi des préjugés et des limites. Pour que l'association entre méthodologie historique et méthodologie ésotérique
puissent s'associer, qu'elles soient fructueuses, il est crucial de dépasser les préjugés et les limites de chaque discipline. Cela implique une ouverture d'esprit et des volontés de considérer des perspectives et des méthodologies différentes. En simple, créer un dialogue. Il faut discuter. Ensuite, le potentiel. En collaborant, les historiens et les adeptes de l'ésotérisme pourraient potentiellement faire de nouvelles découvertes en reliant des faits historiques à des interprétations ésotériques et ou en trouvant des preuves tangibles pour des concepts auparavant considérés comme purement symboliques ou spirituels. Ensuite, la réalité. Cette association n'est possible que dans la configuration où les biais de croyances, de non-croyances, idéologiques, culturels et sociaux soient domestiqués par les protagonistes des deux parties. Là, c'est pamphlétaire et j'assume. Je pense qu'énormément de gens dans l'archéologie alternative ou dans l'archéologie classique et l'histoire classique ne sont pas capables de créer le dialogue parce qu'ils ne sont pas capables de domestiquer leur propre biais dans une certaine mesure et ne sont pas capables de se placer du point de vue de l'autre. Alors dit comme ça, ça paraît très très présomptueux en prétendant que je suis capable de le faire. Non, je ne pense pas être capable de le faire dans tous les cas. Il y a plein de fois où je suis suffisamment pas assez capable, ça fait aucun doute, mais j'y aspire, et au moins je ne fuis pas le problème, je ne lui tourne pas le dos, si l'on peut dire. Alors, allons un petit peu plus loin, pour que je tente de vous apporter un peu plus d'éléments sur ce qu'est l'occultisme rationnel courant auquel je me réfère. L'occultisme rationnel, ça veut dire, grosso modo, qu'on se tient à jour des sciences actuelles, qu'on utilise les outils des sciences actuelles. Je prends par exemple, dans mon cas, j'utilise les méthodes de l'anthropologie, les méthodes de la philosophie, les méthodes de l'histoire, de la critique des sources, etc., cité tout à l'heure. J'utilise également les travaux des historiens, les travaux des scientifiques, autres dans d'autres domaines, dans certains cas. Je me tiens à jour de ce qui se fait, et notamment des découvertes au niveau de l'archéologie et de l'histoire, des thèses, des théories et des travaux des historiens. C'est-à-dire que j'accepte aussi l'idée que de nouveaux travaux historiques pourront remettre en cause mes connaissances actuelles dans le domaine de l'histoire. Donc, j'utilise les outils modernes. Internet, Google Earth, pourquoi pas. J'utilise tout un tas d'appareils, d'applications pour travailler. J'ai par exemple dans mon système d'e-book à peu près une vingtaine de traductions différentes de la Bible pour travailler. J'utilise des outils modernes pour travailler sur des textes anciens. Donc je me tiens à jour. Ensuite, j'étudie les traditions anciennes, la Kabbale, le soufisme, la gnose, l'hermétisme, l'omnyodo au Japon, la vidéo sortira dans 2 mois. Le yoga, le tantrisme, la vidéo sortira le mois prochain pour le tantrisme. Mais ça sera un live, ça sera sulfureux, ça sera pour la Saint-Valentin en plus. Ça va être croustillant. Donc j'étudie les traditions anciennes. Ensuite, j'observe si les traditions anciennes disent des choses avec un langage symbolique, avec un langage allégorique, avec un langage mythique, et si ça peut correspondre à des éléments que l'on peut observer aujourd'hui par notre regard actuel. Je vais prendre un exemple, je ne vais pas les multiplier, j'en prends un seul. Dans les traditions anciennes, il y avait un élément qui s'appelait le chi, le ki, le mana, le haché, l'éther, le prana, l'énergie qui circule dans la main. Alors, là, tout d'abord, le point de vue, dans l'occultisme, il y a 2 parties. Le premier point de vue, c'est le côté ésotérique. Là, en faisant ça, moi, à titre personnel, dans mon cadre de croyance et avec mes méthodologies ésotériques, je fais circuler mon énergie entre mes doigts. Je sens le courant, je sens la chaleur se dissiper et je la contrôle actuellement. On peut ne pas le croire, c'est votre entière liberté. Ou vous pouvez le croire, c'est aussi votre entière liberté. Moi, c'est mes convictions et mes croyances. Or, si je ne fais pas les tests déjà de la même façon que je fais des changements, cela ne se produit pas. Donc ça, c'est l'aspect ésotérique. Maintenant, le même problème sur le plan scientifique. Je ne vais pas utiliser mes mains, du coup. Puisque ça, je peux le croire, mais je ne peux pas vous le démontrer. Je ne peux absolument pas vous le prouver. Vous allez me croire ou pas me croire si vous m'aimez bien, si vous m'avez vos cas de croyance. Mais ce n'est absolument pas une preuve. Il n'y a rien de démontré et de démontrable dans ce truc-là. Donc maintenant, sur le plan des traditions anciennes, j'observe tout ça, tous ces récits sur cette énergie.
Or, dans ces temps anciens, on croyait donc qu'il y avait une énergie qui englobait toutes choses, qui animait les choses, qui circulait entre tous les individus. Puis, on appelait ça l'éther, dans nos contrées. Puis un beau jour, théorie de la relativité, etc., on a dit « l'éther, ça tient pas la route, cette théorie, c'est de la merde, alors on éjecte, l'éther, ça n'existe pas ». Puis, les modèles de physique et de science ne trouveront pas de solution à certains problèmes insolubles. On a inventé un concept tout à fait intéressant qui s'appelle l'énergie du vide. Donc en gros, c'est l'idée comme quoi dans le vide intersidéral, partout, entre toutes choses, il y aura une énergie qu'on ne voit pas, qu'on n'identifie pas, mais qu'on suspecte. Vous pouvez me dire c'est quoi la différence absolue avec le ki ou le mana ? Moi, je ne vois pas de différence. Mais attention, ce n'est pas un fait scientifique, c'est une théorie. C'est une théorie, une hypothèse, plus ou moins construite. D'ailleurs, cette hypothèse, on l'a balayée. L'énergie du vide, c'est n'importe quoi. Et puis, on a trouvé un autre modèle explicatif qui combine. L'énergie sombre dans la matière noire. Donc, un nouveau modèle explicatif qui dit, en fait, grosso modo, la même idée. L'idée de ce grand inconnu qui circule et qu'on ne voit pas. Et qui se trouve en toute chose. Donc, le propre de l'occultisme rationnel, c'est de considérer les choses, d'étudier les traditions anciennes pour ce qu'elles sont, des allégories, du symbolisme, et de voir s'il y a des choses actuelles qui peuvent coller. Un grand merci Roxane pour ton tip à l'instant. Donc voir s'il y a des ponts, des passerelles qui puissent exister entre les traditions et leurs enseignements symboliques, etc. Et voir ce que la science moderne nous dit, se tenir à jour de ce qui se passe, tout simplement. L'occultisme rationnel, c'est ça. Grosso modo. D'ailleurs, c'est l'occultisme tout court. Mais l'occultisme rationnel insiste plus sur l'aspect scientifique, quand même, dans une certaine mesure. Voici comment, à titre personnel, je travaille. Mais en acceptant l'idée que je ne peux pas vous le prouver. C'est ma croyance. Donc, je dois éliminer mes propres biais en me disant « il est tout à fait possible que ceci soit le fruit de mon imagination, qu'il ne se passe rien et que je me masturbe simplement le cerveau en pensant que je fais circuler mon ki. C'est possible. » Et j'assume que ce soit une possibilité que je me trompe, que je m'auto-illusionne et que tout ceci soit du flanc et n'existe pas. Donc, c'est une croyance, le fait que ça se passe dans ma main. Par contre, l'analyse que la tradition ancienne dit sensiblement la même chose que la science moderne, ça ce n'est pas une croyance. Ça c'est une observation méthodologique des faits, si je puis dire. Ce qui ne veut pas pour autant dire que le qui existe. Mais il y a des idées de tout temps qui tendent à aboutir à une hypothèse ressemblante, si je puis dire. Alors, nous allons terminer avec une petite conclusion, qui est briser les chaînes de l'ignorance. Je vous cite un petit extrait de Pierre Piob. Le sort des théories est d'être discuté et de ne durer qu'un instant. Les idées neuves remplacent fatalement les anciennes. C'est ainsi que l'astrologie et l'alchimie du Moyen-Âge sont sortis l'astronomie et la chimie moderne. C'est ainsi également que de l'astronomie et de la chimie contemporaine sortiront l'astrologie et l'alchimie de l'avenir. Qu'est-ce que veut nous dire Pierre Piob ? Que les sciences d'aujourd'hui ne sont pas les sciences de demain ? Que les connaissances d'aujourd'hui ne sont pas les connaissances de demain, et qu'il y a des choses qui peuvent être soupçonnées dans des époques, à des moments donnés de l'histoire, qui peuvent ne pas être compris, qui peuvent être discutées, et qui peuvent être réinterprétées et repensées a posteriori. Comme dit en début d'émission, l'histoire n'est pas une matière figée. L'histoire est une matière perpétuellement évolutive, qui évolue au gré des sources, via des méthodologies, via des outils, tout un tas d'autres choses, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui se perfectionne, qui s'améliore, qui a des hauts et des bas, qui répond au grand courant idéologique pour ses interprétations de faits. Donc, les sources ne changent pas, mais l'interprétation de ces sources peut varier avec le temps, c'est un fait. Et pour ce qui est de l'ésotérisme, eh bien, lui aussi, c'est exactement pareil, il est perpétuellement en évolution. Certains ayatollahs vont vouloir conserver la tradition immuable, ne pas changer rien du tout dans la ligne du rituel, les virgules, la position de la bouffie, etc. Il ne faut rien changer. Ceux-là sont en fait déjà morts et enterrés. Ils sont morts spirituellement, je veux dire. L'ésotérisme est perpétuellement en mouvement. Il va forcément s'adapter
à son époque, à son environnement, à son cadre culturel, sociologique et idéologique. Il est évident que tout un tas de notions ésotériques qui avaient cours il y a 4 siècles sont forcément adaptées aujourd'hui dans un environnement différent, avec des technologies différentes et tout un tas d'autres choses. L'ésotérisme, lui aussi, comme l'histoire, évolue et s'adapte, pour le meilleur et pour le pire, à son environnement. Alors, évidemment, on est très éloigné de ce que pourrait être le titre de cette émission, l'archéologie interdite. Mais oui, mais c'est bien justement le cœur de notre problème. L'archéologie interdite, elle n'est pas interdite du tout. Cette archéologie et ces questions sur l'archéologie qu'on nous cacherait, sur ces civilisations disparues, etc., peuvent être abordées sur le plan de l'ésotérisme et peuvent être abordées sur le plan de l'histoire et de l'archéologie. Quand on les étudie sur le plan de l'histoire et de l'archéologie, on doit travailler avec les méthodologies, avec les sources, avec les faits, et des sources, établir des hypothèses. Et plus tard, construire des théories, si c'est possible. L'adepte de l'ésotérisme, lui, il fait ce qu'il veut en méditant, sur un pendule ou en parlant à son gardien, peu importe, et de là, il peut entrer dans des réflexions métaphysiques sur ce qui se passait dans les temps mythiques. Peut-être que à un moment, l'adepte de l'ésotérisme a une intuition et se dit que ça serait peut-être intéressant de fouiller dans cet endroit ou de faire tel type de recherche. Et parfois, par magie, on a un adepte de l'ésotérisme dont le métier est d'être historien et archéologue. Et dans ces cas-là, ça aboutit en général à parmi les plus belles découvertes du XXe ou du XXIe siècle. Pourquoi ? Eh bien parce que de tout temps, l'humanité, dans chacun de ces domaines, chaque génération se fige. Je vais prendre un exemple, là je vais un petit peu plus loin. Vous avez peut-être remarqué que vos parents sont perdus parfois avec Internet, avec les portables, etc. Vous avez peut-être vu que vous, parfois, votre génération, si vous êtes comme moi, vous êtes perdus avec l'intelligence artificielle ou tout un tas de choses nouvelles qui sont demain. Puis vous avez peut-être des grands-parents encore qui sont complètement paumés avec tout ce qui est nouvelle technologie ou autre. On reste enfermé dans une génération. Au niveau des sciences, au niveau de l'histoire, c'est pareil. La science et les méthodes, la méthode scientifique, ça, il n'y a pas trop tellement de problèmes sur la méthode scientifique, même si elle se perfectionne, elle s'améliore. Mais en revanche, on a parfois, un carcan de la science qui est figé dans son temps et dans son époque, et qui a du mal à se renouveler, à se rénover, si je puis dire. Et parmi tous ces scientifiques, parfois, il y en a quelques-uns qui franchissent un petit peu les barrières, très légèrement, etc. Et vous remarquerez souvent que ceux qui franchissent très légèrement les barrières ont souvent une approche de nature, parfois spirituelle ou autre. Ou parfois, inversement, une approche philosophique différente. Parfois, ce sont des scientistes. Certains scientistes, les intégristes de la science, ont parfois été moteurs de grandes avancées dans la science. Et puis inversement, parfois c'est des scientifiques de nature spirituelle qui font des grandes avancées. Mais en tout cas, sur 10 scientifiques, c'est rarement les 10 qui font une grande avancée, c'est souvent un des 10. Et ça, ce que je vous dis pour la science, c'est valable aussi pour l'ésotérisme. Dans l'ésotérisme, les gens qui font vraiment des avancées, qui ont vraiment un cheminement intéressant, sur 10, il n'y en a pas beaucoup qui vont... La plupart stagnent dans leur tradition qui ne doit pas changer, avec leur certitude. En fait, c'est pas valable que pour l'histoire, l'archéologie ou l'ésotérisme, c'est valable dans tous les domaines de l'humanité, quelles que soient les choses. On est enfermé dans une époque donnée avec nos certitudes. Et donc, notre capacité à avancer, c'est notre capacité à remettre en cause nos certitudes. Et ça, c'est valable aussi bien en ésotérisme que dans tous les autres domaines, si je puis dire. Alors, archéologie interdite, la question sur les civilisations disparues, les mondes engloutis ou les dieux civilisateurs, eh bien, on a le droit de se poser toutes ces questions. C'est pas du tout interdit. Ce qui est important, à mon sens, c'est quand on veut s'intéresser sérieusement à ces sujets, il faut savoir si on s'intéresse sur le plan premier, archéologique et historique, si on s'intéresse sur le plan symbolique ou spirituel, plus ésotérique, ou si on s'y intéresse, comme moi, sur les deux. Et dans ce cas, on doit mettre en place des méthodes en cohérence. Si vous vous y intéressez que sur un plan symbolique et spirituel, pas de problème. Faites vos méditations, faites vos tentatives pour entrer en contact avec ces forces spirituelles, c'est très bien. Si votre truc, c'est simplement de savoir si oui ou non il y avait une société... Pré-déluge, si tant est que le déluge ait existé dans des temps anciens, libre à vous de suivre les travaux des archéologues, de vous-même devenir archéologue, etc., et de travailler sur la question. Il n'y a rien qui vous l'interdit. Et puis si votre sujet, c'est comme moi, de faire les deux, et ben vous faites les deux. Voilà, tout simplement. Mais dans tous les cas,
Il faut être cohérent avec votre recherche. Si vous cherchez des ruines et des pierres et la preuve d'une civilisation avancée dans les temps anciens, vous devez utiliser les méthodes scientifiques. Si vous ne le faites pas, vous pouvez finir comme certains énergumènes qui proposent des travaux sur Internet tout à fait douteux et de façon extrêmement péremptoire parce que eux sont en communication avec des sciences anciennes insoupçonnées et n'ont absolument pas besoin de preuves pour vous prouver la réalité tangible de ces civilisations, puisque eux, ils savent. Et tous les autres méchants en face leur tirent dans les roues. C'est un monde globalement de requins. Le domaine de l'archéologie, pour les passionnés, ce que je veux vous dire pour conclure, avant de prendre les questions, c'est que c'est pas simple en fait pour les spectateurs. Pour les spectateurs, pour les auditeurs, pour ceux qui s'intéressent de façon passionnée à tous ces sujets, parfois on ne sait pas vraiment où s'y retrouver, qui croit. Qui croire, l'individu comme moi qui fait une vidéo sur YouTube et qui vous balance ses réflexions sur tous ces différents sujets, croire un autre qui va vous dire « l'Atlantide c'est ici, j'ai des preuves parce que le soleil était aligné il y a 4000 ans avec cette étoile » ou l'archéologue qui vous dit « non, ça n'existe pas !» Qui croire? Eh bien, le spectateur est parfois perdu avec toutes ces possibilités qui s'offrent à lui. Alors, souvent, très facile de dire, vous devriez pas suivre tel énergumène, ou tel si, ou tel truc, parce que c'est n'importe quoi, etc. Moi, j'aurais un peu la vision inverse. Je dis, regardez tout. Faites-vous votre propre opinion, regardez les points de vue différents. Mais regardez les points de vue différents. Acceptez l'idée que vous, et c'est une certitude, vous avez des biais. Vous avez des prises. C'est votre cas. C'est mon cas. C'est le cas des historiens et des archéologues, et c'est aussi le cas des chercheurs alternatifs. Tout le monde a des biais et des prismes. On tente plus ou moins de les dompter, de les identifier, de les canaliser. Donc acceptez que vous en avez, et si vous êtes sûr que l'Atlantide c'est ça, c'est à cet endroit, de cette façon, et ça s'est passé comme ça, si vous êtes sûr de ça, allez lire des choses qui disent le contraire, et vous aurez avancé d'un grand pas. Et si inversement vous pensez que ça n'existe absolument pas, que c'est n'importe quoi, que tous ces alternatifs sont des crétins finis, eh bien allez lire les travaux des alternatifs quand même, et vous ferez votre propre opinion, qui ne changera peut-être pas, et peut-être que vous direz, bah tiens, il y a quelques curiosités, ça me donne envie de rechercher plus loin dans certains domaines, certains points, etc. Moi, ce que ça m'a apporté, de la révélation de la pyramide et tout un tas d'autres choses, c'est fantastique, toutes ces questions, c'est pourquoi, vous savez, de la fin, et bien j'ai décidé d'y aller dans le pourquoi, et de me poser des questions. Donc j'ai ouvert les bouquins, j'ai lu, j'ai cherché à comprendre les civilisations de l'Antiquité et même au-delà, et donc progressivement, ben, j'en suis arrivé à mes considérations actuelles, qui évolueront encore probablement dans le futur, qui est que, bon, ben, globalement, oui, c'est les pyramides combattues et... C'est les Égyptiens qui ont combattu les pyramides, que l'île de Pâques et l'Égypte antique n'ont pas de connexion, semble-t-il, et que Ankarvat n'en a pas plus, et que, grosso modo, vous avez compris l'idée. Donc, en revanche, de ce fantasme initial, ça m'a ouvert tout un tas de portes de réflexion, et aujourd'hui, peut-être grâce à cela, j'ai une bien meilleure connaissance du passé que je l'avais il y a 10 ans, par exemple. Donc ça au moins se mérite. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Ce conflit entre histoire et ésotérisme peut, à mon sens, être résolu, mais je sais que je jette une pierre dans le désert, mais je m'en fiche, quitte à l'acheter tout seul, je la jette quand même. Alors, je vais prendre maintenant vos questions. Je place quelques petites barres dans le chat. Je suis pas trop en retard pour cette émission, donc je vais pouvoir prendre un bon petit quart d'heure de questions au moins. Je vais en attendant reposter quelques instants le lien du Tipeee dans le chat pour ceux qui auraient le désir de soutenir la Web TV. Je remercie très chaleureusement tous ceux qui l'ont déjà fait et tous ceux qui potentiellement le feront après. Et je vais voir si vous avez donc des questions. Alors... Je vais essayer de prendre les questions qui ont rapport avec la thématique quand même, au possible. Un grand merci à Mitzrev pour ton nom sur le chat. Question de Boris Cochard. L'ésotérisme, c'est en partie l'utilisation d'un savoir secret et ou invisible. Savoir qui sera peut-être prouvé par la science dans 100 ou 1000 ans ou 1 million d'années.
Alors, il y a un truc intéressant, c'est que je vais te dire pourquoi je pense que ça n'arrivera jamais. C'est un point de vue personnel. Souvent, beaucoup d'adeptes de l'ésotérisme du monde moderne ont l'aspiration à ce que les concepts de l'ésotérisme, comme par exemple des notions même sciences occultes, hein, c'est-à-dire télépathie, télékinésie, clairvoyance, clairaudience, existence des esprits, de l'âme, etc., ils ont l'espoir, certains, que ça soit prouvé par la science, par des données factuelles et empiriques. Moi, je n'ai absolument pas ce désir. Pourquoi ? Puisque les sciences, quelles qu'elles soient, et aussi perfectionnées soient-elles, sont des sciences de la matière pour étudier le réel. Un microscope, ça observe des choses en tout petit. Un télescope, ça observe des choses très très loin. Tout un tas d'appareils permettent d'étudier le réel, l'atmosphère, le vent, la structure atomique du monde, les électrons, tout ce qui est composition chimique et biologique. Or, à titre purement personnel, dans mes croyances, je pense que l'âme, l'esprit et le chi n'ont rien à voir avec le plan de la matière. Je pense que c'est totalement différent. Donc, de ce fait, on ne peut pas observer l'âme avec un microscope, et on ne le pourra jamais. Donc, de par nature, la méthodologie scientifique, physique, chimique, biologique, etc., 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 n'a, à mon sens, aucun outil en mesure d'observer ce qui n'est pas dans son champ de réalité. Donc, vouloir prouver l'existence de toutes ces choses est, à mon sens, fantoche et une perte de temps. Mais une perte de temps qui a une logique. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens qui cherchent à se prouver, c'est pour se rassurer de l'existence de tous ces différents éléments. Alors on peut se dire, bah oui, mais c'est bien d'avoir des preuves. Oui, pourquoi pas. Après, on entre dans le phénomène de la croyance, c'est encore un autre sujet. Donc je pense que ça n'arrivera jamais, la preuve de l'existence de tout ceci. Voilà. Si c'était prouvé, certaines choses, on entre dans le champ de la matière, et donc ce n'est plus en effet de l'ésotérisme. Après, on pourrait dire qu'aujourd'hui, la physique quantique ouvre certaines portes de réflexion. Mais des portes de réflexion sur surtout le grand inconnu. C'est-à-dire que la physique quantique, quand on sait que l'expérimentateur fait partie de l'expérience, ou l'observateur fait partie de l'expérience, on arrive à des considérations qui ne sont pas hyper loin de l'ésotérisme, parfois. Mais je ne suis pas un expert, je ne vais pas trop m'aventurer sur un sujet que je ne maîtrise pas suffisamment. Alors... je vais essayer de prendre les questions qui restent dans le domaine quand même. Ambroise nous dit « Pourquoi chercher la vérité derrière la fiction, sachant que cette dernière est faite justement pour nous évader de cette dernière ?» Les mythes étant les premières fictions. J'aurais un petit désaccord avec ton message. Alors, tout d'abord, pourquoi chercher la réalité derrière une fiction ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première chose, c'est qu'on peut parfois vouloir chercher les inspirations d'une fiction. Exemple, je prends Le Seigneur des Anneaux, Tolkien. Tolkien écrit Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre fondamentale de l'heroic fantasy. Or, Tolkien, il s'est inspiré de tout un tas de choses pour créer son œuvre. Il s'est inspiré de la mythologie nordique, de la mythologie celtique, de la chute de Lucifer, de la tradition biblique et de tout un tas d'autres éléments. Donc, du coup, dans une œuvre de fiction, parfois il y a des inspirations du réel. Et on cherche les inspirations qui ont stimulé. Quand je dis des inspirations du réel, ça peut être des mythes ou autres, inspirations qui existent, je veux dire. Donc, on peut vouloir chercher les inspirations d'une fiction. Cela ne me semble pas forcément néfaste. En revanche, après, tu dis que la fiction est faite pour s'évader de la réalité. C'est vrai dans une certaine mesure, mais par exemple, tu dis que les mythes anciens étaient des fictions. Ce n'était pas forcément perçu comme tel. Et là, on arrive au biais de décontextualisation. Nous, aujourd'hui, il est facile pour nous de dire « Oui, enfin, l'idée de Dieu céleste et machin, et Dieu qui fait des enfants qui se transforment, on est sur une BD, un Marvel, clairement. » Mythologie grecque, c'est du Marvel. Donc, du coup, on dit c'est des mythes, c'est des jolies histoires de BD. Et puis, nous, hommes intelligents du 21e siècle, on sait que c'est des histoires mythiques et c'est rigolo. Voilà. Ben oui, mais pour les Grecs de l'Antiquité, c'était pas forcément vu comme ça. C'était des allégories et des récits pour tenter d'expliquer ce qui se passait, les mouvements des astres, les mouvements du soleil, la pluie, etc. et tout ce qui pouvait arriver dans le réel. Certes, par un véhicule mythique dans l'aspect littéraire, l'aspect oral, mais néanmoins qui a une raison logique pour eux et qui veut dire quelque chose. Donc en l'occurrence, pour eux, décoder leur propre mythe les amène à leur conception religieuse, si je puis dire. Et c'est différent pour nos fictions actuelles. Même si certaines fictions,
eh bien, de la même façon, peuvent parfois véhiculer, notamment dans des films dans des domaines de la spiritualité, peuvent véhiculer leurs propres enseignements, et donc qui peut, pour le spectateur, être intéressant à explorer. Donc, genre, je pense que décoder la fiction est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Moi, je m'y adonne, par exemple, certaines œuvres de fiction japonaises, comme Final Fantasy VII ou Le Rêveur, etc. J'aime bien décoder la pensée de leurs auteurs, tenter de voir quelles sont leurs inspirations, ce qu'ils véhiculent comme idée. Je rebois un peu pour ne pas m'étouffer. Question de Mike Donovan. Que penses-tu de la découverte par un archéologue allemand spécialiste de l'Atlantide d'un temple de 12 000 ans au Maroc? J'attends de voir les sources pour voir qui est cet archéologue allemand, voir ce qu'il a écrit et voir si je peux aller consulter tout ça pour me faire mon propre opinion. Voilà ce que je te dirais. Et si c'est Jürgen Spadout, je l'ai déjà lu. Et c'est du grand n'importe quoi. Qui a été débunké, précisons-le. Alors, y a-t-il d'autres questions? Mike Donovan, question Arcana. Que penses-tu du récentisme de la nouvelle chronologie historique? Je pense que c'est une énorme blague, un bullshit gigantesque et une honte pour l'intelligence humaine, le récentisme. Voilà, donc je ne suis pas du tout adepte, tu l'auras compris. Et j'ai déjà débunké ce sujet plusieurs fois. Question de Hipwalk. Pourquoi chercher les vérités puisqu'après la mort, on aura toutes les réponses si on croit qu'il y a quelque chose après, bien sûr. Ben, c'est bien, tu as répondu à ta question, en fait. Pourquoi chercher les réponses? Parce que c'est l'esprit humain, on se questionne, on aime se questionner, on aime tenter de comprendre le pourquoi du comment des choses, etc. etc. Est-ce qu'on aura toutes les réponses après la mort? Peut-être, ça dépend des croyances, comme tu l'as dit, ou peut-être pas, peut-être que même après la mort, si tant est qu'il y ait quelque chose après, il reste encore tout un labyrinthe de questions et de réponses à explorer. Allons savoir, c'est le grand inconnu. Jean-Charles Bracard nous dit « L'Atlantide a existé. Les Bahamas renferment des vestiges tenus secrets par les hauts placés de certains gouvernements. » Ce n'était pas une question, mais j'ai pris ton message, Jean-Charles, tu m'excuseras, pour illustrer le problème de l'affirmation péremptoire. On voudrait voir des sources de tout ceci. Alors, un petit peu plus haut... Est-ce que j'en vois qui sont là? Pas ici, je vais descendre plus bas. Question de Boris. Le scientisme n'est-il pas une forme de croyance? Science qui, quelquefois, est remise en question, mise à jour de temps en temps, ou bien bloquée indéfiniment face à des inconnus? Bah, le scientisme, oui, le scientisme, c'est un mot péjoratif aujourd'hui pour définir un extrémiste de la science, c'est-à-dire un dogmatique, qui, un peu le dogme du rien n'existe. Le scientiste, c'est l'idée... encore une fois, de l'affirmation de l'inexistence, vouloir prouver l'inexistence de quelque chose d'absolu, ce qui est philosophiquement impossible d'une certaine façon, sauf quand on entre dans le critère des impossibilités logiques, mais on sera dans de la science classique, on ne sera pas dans du scientisme. Le scientisme, c'est quelqu'un qui, par dogme, c'est le dogme du « ça n'existe pas », très vulgairement. Mais bon, attention, les scientistes ne sont pas majoritaires. Il y a quelques scientistes, évidemment, de temps en temps, mais pas tout le monde, heureusement. Voilà. C'est comme tout extrémisme. Des extrémistes religieux, il y en a plein. Des extrémistes ésotériques, il y en a plein. Des extrémistes scientifiques, il y en a aussi. C'est comme tout. Comme tous les domaines, il y a des gens qui ont une pensée finie, fermée. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'échappatoire, qu'il ne peut plus évoluer. Alors, je vais encore prendre une question. Vous n'en avez pas beaucoup, semble-t-il. Eh bien, je vais en prendre une petite dernière, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Question de Romain, tout en haut. Question, quelle est pour toi la différence entre un ésotériste et un occultiste? De façon très simpliste, encore une fois, j'ai aussi fait des vidéos sur le sujet. Tu verras la vidéo « Les sciences occultes ou l'occultisme, c'est quoi ?» C'est une conférence de 2h30, tu pourras la visionner où j'explique tout ça. L'ésotérisme, c'est quelqu'un qui a une démarche de nature spirituelle, sur les choses cachées, au sens métaphysique, hein, c'est-à-dire non matériel, qui aspire à une quête de compréhension. Une quête de compréhension via un cheminement spirituel et
qui en général commence avec une initiation ou une révélation mystique, peu importe, une expérience mystique involontaire ou une initiation volontaire, bien évidemment, qui le met en contact avec des enseignements traditionnels pour l'aider à arpenter ce cheminement. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas. L'occultiste, si on le définit, on va le définir différemment suivant les périodes. Je vais essayer de faire court. Si on considère l'occultisme de tout temps, on va considérer que l'occultiste est un adepte qui tente d'utiliser les forces de l'invisible, qui tente de maîtriser les codes et les règles de fonctionnement de ce monde dans le but d'obtenir des résultats qui sont de l'ordre du surnaturel ou qui dépassent la réalité tangible observable. L'occultiste est donc un praticien. Un théoricien, il étudie la théorie des traditions, donc l'ésotérisme, et il a un aspect en général opératif, pratique. Maintenant, si on définit l'occultisme dans la période de ce courant philosophico-mystique, c'est-à-dire entre 1870 et 1920, c'est à peu près la même chose, si ce n'est qu'il y a cette incursion de la science moderne. L'occultiste est celui qui étudie la science contemporaine et qui étudie les sciences anciennes pour tenter de trouver le pont d'équilibre entre les deux. Voilà, en gros, l'occultisme de cette époque. Mais l'ésotérisme n'a pas forcément de pratique opérative. Et voilà, c'est un peu différent, mais c'est très mélangé. Il y a beaucoup, beaucoup d'adeptes de l'occultisme qui ont forcément une démarche ésotérique. Inversement, tous les adeptes de l'ésotérisme n'ont pas une démarche d'occultisme. Donc l'occultisme est contenu dans l'ésotérisme d'une certaine façon, si on pourrait dire. Voilà, voilou. Boris, quand on contredit un scientiste, devient rouge de colère, c'est dommage. Oui, comme un adepte de l'ésotérisme que l'on courrouce. Vous courroucez un gourou de l'ésotérisme, il deviendra lui aussi tout rouge. Et il dira que vous n'êtes pas éveillé. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, voilà, il y a des cons dans tous les domaines. Hein. Vous aurez compris l'idée. Mike Donovan, tiens, je prends la petite dernière pour la fin. Pourquoi les francs-maçons nous cachent leur enseignement sectaire et pour toi, est-ce une secte occulte ou une secte malsaine ? Pour moi, la franc-maçonnerie est une société discrète, beaucoup plus que secrète, sur le plan que, bon, aujourd'hui, vous trouvez à peu près tous les rituels. Je t'invite à lire mon dernier bouquin, hein, sur la chaise, Arcana Mundi, tu pourras directement trouver des rituels maçonniques complets dedans, écrits, hein, donc pas du tout secret pour celui qui donne la paix. Non, ce qui est secret chez eux, c'est le principe de l'initiation, donc ésotérique, pour le coup. Ils ont un rite d'initiation, donc avec une cérémonie qui est censée projeter l'individu dans une certaine étape psychique. Et donc cet état psychique, par nature, il est secret. Surtout si on n'a pas vécu l'initiation, on ne peut pas le comprendre. C'est un petit peu ça l'idée. Est-ce que la franc-maçonnerie est malsaine ? Elle l'a été dans certains moments de son histoire, sans aucun doute. Est-ce qu'elle est malsaine aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne question. Déjà, elle n'a pas beaucoup d'influence sur le plan politique aujourd'hui. Elle en a eu par le passé. Voilà, la franc-maçonnerie est une structure discrète, un peu vieillissante, sans aucun doute. Voilà. Enseignement sectaire, bah, l'enseignement, tu peux l'accéder dans les bouquins, leur enseignement, donc il n'est pas si sectaire que ça par rapport à d'autres courants en l'occurrence. Donc je t'invite à regarder mes vidéos sur la franc-maçonnerie et de consulter les sources pour en apprendre plus sur l'enseignement, puisque bah, il est trouvable en fait, quoi. C'est surtout ça, c'est pas si secret que ça la franc-maçonnerie. Voilà, voilou, nous avons terminé pour ce soir. Quelques petites informations pour clôturer notre soirée. Alors, est-ce que j'avais mis l'information ici ? Voilà, c'est ça. Alors, petite annonce. J'en avais déjà parlé dans le live du mois de décembre, mais je le répète ce soir. Je vais officiellement lancer un projet pour ma chaîne secondaire, chaîne qui était inactive depuis longtemps. Elle va être remise à jour, mais avec un concept totalement nouveau qui sera connexe à la chaîne principale. Donc c'est une chaîne que vous pouvez déjà trouver bien évidemment sur YouTube, qui s'appelle Vox Mystery. La première émission aura lieu fin du mois de janvier 2024, je n'ai pas encore la date exacte, et ce sera donc bel et bien une chaîne secondaire à la chaîne Arcanal et Mystères du Monde. Si ce n'est que je n'y ferai pas tout à fait la même chose. Alors, je m'explique. Sur la chaîne principale, Arcana, je propose des émissions à caractère historique sur les sujets historiques, archéologiques, mythologiques, religieux, les sciences occultes, l'ésotérisme, le folklore, les superstitions et pas mal de choses. Mais tous ces sujets sont abordés dans un cadre historique, avec des sources au possible et une réflexion qui a pour but de
pas faire la promotion d'un courant ou un autre, quoi que ce soit d'autre, et qui a pour but d'étudier objectivement ces différents domaines, en proposant mes théories et mes analyses sur tous ces différents sujets. Ça, ça ne va pas changer, ça va continuer. La chaîne Arcana continue exactement comme telle, il n'y a pas de changement qui se profile, je suis très content de faire cette activité, je prends beaucoup de plaisir à le faire, et donc je vais continuer comme telle sans changer. La chaîne secondaire sera une chaîne beaucoup plus de détente, qui va me prendre quasiment aucun temps, très peu de temps du moins, et du coup je n'aurai pas une production régulière, je ne produirai pas d'émissions toutes les semaines ou quoi que ce soit. La chaîne principale, j'ai une émission toutes les semaines, donc qui sort, ça ne change pas. La chaîne secondaire, il y aura peut-être une vidéo par mois, peut-être deux, suivant mon inspiration du moment. Ce seront des émissions où je n'aurai pas forcément mon fonctionnement classique sur la chaîne Arcana. C'est une émission où je serai beaucoup plus dans une approche philosophique, symbolique, et occultiste, et ésotérique. Je ne parlerai pas d'histoire, d'archéologie, sauf pour illustrer des idées, bien évidemment, mais ce ne sera pas une chaîne à caractère historique ou archéologique, ce sera une chaîne où je vais parler d'ésotérisme, d'occultisme, de symbolisme, de philosophie, tout simplement, avec des témoignages. Je vous parlerai beaucoup plus personnellement. Pourquoi je fais cette chaîne? Parce que j'en ai envie, déjà, et parce que suite à des réflexions, des sondages que j'avais faits, beaucoup de gens d'entre vous, pas une majorité, mais on va dire entre 12 et 15% d'entre vous, n'avaient pas le désir que je donne mes points de vue personnels sur certains sujets de nature ésotérique sur la chaîne principale. Évidemment, vous pourriez me dire, 12-15%, ce n'est pas une majorité, j'aurais très bien pu le faire quand même. Néanmoins, ça m'a quand même interrogé sur ces fonctionnements. Quand je dis pas donner mon avis, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je vous donne déjà mon avis, je vous donne mes réflexions et mes analyses. Mes réflexions et mes analyses. Donc je vous donne mon opinion. Une opinion travaillée, mais je vous donne quand même mon opinion. Merci Nadia pour ton don dans le chat actuellement. Donc, en fait, je vous partage complètement mon opinion. Mais, grosso modo, ce que j'ai cru comprendre, entre les lignes, je me trompe peut-être, mais c'est mon analyse à l'état. Je pense, à ce jour, que vous aimez la charte éthique de la chaîne, le fait que je ne parle pas d'actualité, le fait que je ne traite pas de sujets contemporains, le fait que je ne me mêle pas de politique, que je ne vous donne pas mes opinions politiques, puisque aucun d'entre vous ne les connaît, vous ne connaissez pas mes positions politiques et vous ne les connaîtrez pas. Ça ne vous regarde pas, tout simplement. Voilà. Et ça ne va pas changer. Et c'est très bien. Néanmoins, à titre personnel, j'ai un désir plus intime de transmission sur mon point de vue, mon cheminement, mon parcours dans le domaine de l'ésotérisme et de l'occultisme. Donc, Vox Mystery, la voie des mystères, ou encore le cercle des occultistes, qui est le début de projets futurs aussi, sur cette chaîne secondaire, je vais vous livrer plus intimement mes pensées sur certains sujets de nature ésotérique, occultiste, symbolisme, toujours pareil, pas d'actualité, pas de politique, pas d'idéologie, pas de choses contemporaines, juste de la spiritualité et les sujets nommés, occultisme, spiritualité, symbolisme, ésotérisme. Je vous donnerai donc des récits personnels, des expériences vécues, des partages de retours d'expériences, etc. Je partagerai sûrement des témoignages de gens qui m'écriront pour me partager leurs expériences. Je vous donnerai mes points de vue et mes réflexions philosophiques sur certains domaines, sur ce que je pense sincèrement de certains domaines de l'occultisme ou de certaines pratiques, de ce que je pense, de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, etc., etc. C'est une chaîne secondaire, vous n'êtes pas évidemment tous obligés de la suivre, il n'y a pas d'obligation. Néanmoins, c'est un désir, encore une fois, personnel que de faire cette chaîne secondaire. Voilà. Donc, du coup, c'est mon adage. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Donc, évidemment, ceux que cela intéresse, vous pourrez vous y rendre. Je vous poste le lien dans le chat de chaîne secondaire quelques instants. Pour ceux qui voudraient s'y abonner en avance, même si je communiquerai sur la chaîne principale quand je lancerai la chaîne. Mais une fois que j'aurai lancé la chaîne, je ne communiquerai pas tellement sur Arcana de ce que je fais sur la chaîne secondaire. Je communiquerai sur la chaîne secondaire de ce que je fais sur Arcana, mais pas tellement l'inverse, puisque elles ont néanmoins un fonctionnement qui seront différents. Donc la chaîne principale reste la chaîne principale et mon activité professionnelle. La différence, elle est là.
L'autre, c'est une chaîne beaucoup plus détente, même si les sujets sont connexes dans une certaine mesure, bien entendu. Voilà, donc c'est un besoin personnel. Pourquoi cette chaîne secondaire et pourquoi ce besoin? Eh bien, tout simplement parce que je suis un peu entré en saturation professionnelle. Burnout, peut-on. Burnout, c'est peut-être un mot exagéré, mais j'ai eu une petite saturation, un manque d'inspiration, un moment où je n'arrivais même plus à lire une ligne. Je ne sais pas si vous voyez le truc. J'étais bloqué, arrêté pendant 2 mois. J'étais incapable de lire un livre. Habituellement, je lis 3 livres par semaine. Pour vous faire une petite approximation, je lis beaucoup, je écris beaucoup, je monte beaucoup des vidéos. Là, je ne pouvais rien faire. Donc, j'ai travaillé un peu en automate pendant quelques temps, mais j'étais un peu bloqué. Donc, j'avais des difficultés à non pas mon imagination qui était toujours présente, mon envie de partage toujours présente, mais j'avais des difficultés à ingérer. J'étais un peu en surcharge professionnelle, en surcharge de travail, plus une situation personnelle complexe, puisque j'ai déménagé récemment. Je suis en transition déménagement avant un redéménagement qui va réintervenir dans quelques temps. C'est une période où, je ne vous cache pas, assez compliquée sur le plan des communs, on va dire. Je suis en couple avec ma compagne et tout se passe très très bien. Ma compagne est adorable, je suis éperdument amoureux. Sur ce point, tout va bien, rassurez-vous, mais dans le reste de la vie personnelle, c'est un peu plus délicat actuellement sur le plan technique, si je puis dire. Voilà, c'est une période un peu compliquée. Mais rien de dramatique, je suis en bonne santé, tout va bien, je n'ai pas fait de malaise ou je n'ai pas fini en hospitalisation ou quoi que ce soit d'autre, donc globalement, tout va bien. Mais je pense avoir besoin d'une petite soupape de déchargement. Cette soupape de déchargement passe aussi sur un besoin de partage un peu plus intime, parfois, sur ces différentes thématiques, d'où la chaîne secondaire. Voilà, ça c'est pour le premier projet qui intervient donc tout début 2024, puisqu'il commence fin janvier. Numéro 1. Mais ce n'est pas tout, il y a quand même d'autres projets qui étaient en gestation. J'ai un projet d'écriture d'un troisième livre. En fait, c'est un peu avancé, mais je vais probablement auto-éditer le troisième livre. Alors pourquoi je vais probablement l'auto-éditer ? Tout simplement pour des raisons bassement financières et bassement pécuniaires, parce que voilà, travailler avec un éditeur, c'est bien, ça offre un peu plus de visibilité, un peu plus de sérieux, parce que vous avez un éditeur. Néanmoins, financièrement parlant, c'est un peu délicat. Donc du coup, j'envisage d'auto-éditer le livre pour le troisième, dont je ne vous donnerai pas le titre actuellement, c'est encore une surprise, mais il est probable que dans les mois à venir, j'ouvre une campagne de financement pour l'autofinancer, c'est-à-dire l'autofinancer pour l'impression, etc., tous les encarts, tout ce que vous voulez, pour autofinancer la production du livre. Bon, ça ne change rien, en fait, je l'écris dans mon coin, hein, et c'est bien avancé, mais c'est pas encore fait, donc c'est pas imminent. Ça sera ce projet de financement pour le troisième bouquin. Il interviendra au cours de l'année, probablement avant l'été, probablement en avril même. Voilà, je ne peux pas donner de certitude, mais en gros, il interviendra quand je serai à 3-4 mois de la fin d'écriture du bouquin. Grosso modo, l'idée, c'est pas que ça dure ad vitam aeternam. Bon, bien sûr, un financement, en fait, je dis un financement participatif, c'est un préachat. En gros, vous achetez le livre avant qu'il sorte. En gros, c'est un petit peu le concept qui se produira très probablement, voilà, pour m'éviter une banqueroute financière et me ruiner. C'est l'idée. Donc ça, c'est le deuxième point qui va intervenir, mais bon, c'est pas imminent. Le troisième point qui va intervenir, c'est que j'ai complètement refondu la structure de mon site web. Alors mon site web, c'est donc, je vais vous le poster comme ça, ouais. tout sera beaucoup plus clair. Clac, 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 clac. Un petit instant, là, 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 et là. Donc là, vous avez l'accès au site web. Je vais beaucoup plus utiliser le site web à partir, c'est déjà commencé, puisque tous les lundis, il y a eu plein de couacs et de dérapages un peu dans le fonctionnement au départ, mais là, à partir de tous les lundis, si vous êtes abonné au site web, vous recevrez une newsletter. Donc avec un article, etc., je globalise au-delà de l'aspect vidéo, je focalise un peu sur l'écrit aussi pour
voilà, partager plus abondamment sur d'autres formats. Donc vous pouvez tout à fait aller sur le site web, vous abonner à la newsletter, consulter, etc. Toutes ces choses. Donc complètement reformé, au lieu de poster toutes les vidéos une par une, ce qui fait doublon avec le YouTube, j'écris des textes en plus pour illustrer ces vidéos, où les vidéos peuvent permettre de fixer sur des points. Voilà, tout un tas de choses qui seront plus dynamiques sur le site web. Sur ce site web aussi, ça, là, c'est un message que je traite beaucoup plus sur un plan professionnel. J'ai aussi refondu tout mon service de partenariat. Donc, ma sollicitation de moi en tant que conférencier, mes services de consulting, mes services de partenariat avec des boutiques ou autres qui voudraient travailler avec moi, les systèmes d'interview, c'est-à-dire les gens qui veulent venir passer en conférence sur ma chaîne. C'est possible dans l'absolu, je ne prends pas grand monde, mais c'est possible. Ben, il faut m'écrire là-bas, me proposer vos travaux, du moins me les présenter, et éventuellement, pourquoi pas, cela peut aboutir à une interview. Voilà. Donc, c'est tous les éléments et les projets de création vidéo. Ça, c'est pour les gros organismes, bien sûr, s'ils veulent commander des vidéos ou autre chose. Tous ces services, notamment le consulting sur le site, c'est un service qui n'est pas gracieux. Pour une raison extrêmement simple, c'est que je n'ai pas le temps. Je reçois beaucoup de messages de tout le monde. Je l'ai déjà dit dans une précédente émission. Je réponds autant que possible sur YouTube. Certains d'entre vous savent que je réponds. Il m'arrive de répondre à des commentaires sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et éventuellement parfois sur mon site web aussi. Mais moi, je ne réponds pas à tout le monde. Alors, je m'en excuse. C'est bassement pour des raisons temporelles. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les messages, sinon je ne ferai rien d'autre. Et ça a été une partie de mes mal-être récents, de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, et de vouloir répondre parfois à tout le monde, et de ne pas pouvoir le faire, et de répondre mal, de répondre trop vite, etc. Et c'est pas sain, ni pour moi, ni pour vous, du coup, à la fin. Donc, du coup, je ne réponds pas à tout le monde, et je réponds pas toujours du tout. D'accord. Sauf évidemment aux sollicitations professionnelles. Quelqu'un veut écrire un bouquin, il veut me solliciter sur le domaine de l'occulte ou autre pour ça, il peut le faire. Un rendez-vous demain matin avec quelqu'un qui me sollicite par exemple pour l'Atlantide. Mais voilà, donc il y a plein de choses professionnelles qui évoluent. C'est comme ça. C'est pas forcément toujours agréable, mais c'est. Voilà. On fait comme on peut. Un gros merci Dark pour ton don actuellement sur le chat YouTube. Donc voilà, des projets en cours, la refonte du site web, des newsletters, plus de communication de ma part. Avec les sites newsletters où je vous annoncerai quand je fais des conférences, quand je fais des événements. Là, par exemple, le prochain événement que je vous avais annoncé, je donne une conférence à Rennes-le-Château la semaine prochaine, donc mercredi prochain, mercredi 17, le 17 janvier, date symbolique à Rennes-le-Château. Je donne une conférence, donc pour ceux qui sont dans le secteur, hein, bien sûr, n'hésitez pas à venir, ça sera avec plaisir. La chaîne secondaire qui démarre très bientôt. Dans 2 semaines environ, dans 10 saisons, mais je communiquerai. Donc pour ceux qui veulent y aller en avance, vous y êtes les bienvenus. Un grand merci à tous les contributeurs du Tipeee ce soir. Ça fait vraiment très plaisir de se sentir soutenu. C'est grâce à vous, encore une fois, que la chaîne fonctionne. Je sais ce que je vous dois. Je sais que c'est grâce à vous que ça continue. Voilà, chaque don a sa valeur, que ce soit 1 euro ou beaucoup plus. On fait ce qu'on peut, donc bah, un grand merci. Et un gros merci aussi aux modos qui sont là, qui ont tenu toute la soirée, et qui vous ont surveillé dans le chat, pour que vous teniez, vous comportiez convenablement. Et donc ça aussi, un grand merci à vous. Alors donc, cette 4e émission de mise à jour, je sais que certains sont peut-être déçus, certains s'attendaient peut-être à ce que je parle de tout, j'explore les pistes sur l'Atlantide, l'hyperborée, le déluge, etc. J'explore les faits archéologiques, les énigmes, les preuves. Mais en fait, tout ça, je le fais dans les autres vidéos. Je le fais dans des vidéos spécifiquement dédiées à chacune des thématiques. Les émissions de mise à jour, ce sont des vlogs. C'est une émission de discussion où on dialogue des méthodes, des objectifs, des évolutions, de ce qui se passe, etc. Ce n'est pas du tout des émissions d'enquête sur un thème précis. Pour cela, vous avez toutes les autres émissions, en l'occurrence, qui sont consacrées à ces différentes thématiques. Sur ce, je vous renouvelle mes vœux pour la nouvelle année, le meilleur pour vous, pour vos proches, la santé, la réussite dans vos projets, et puis voilà, tout simplement, le bonheur et une bonne exploration de vos passions dans les sujets qui nous intéressent mutuellement. Sur ce, un bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sortira non pas en live cette fois-ci, mais pour une autre émission sur un sujet symbolique et historique en même temps et qui va conduire un petit peu aux quatre coins du monde en l'occurrence, en espérant qu'il vous plaira.
Sur ce, à très bientôt.